Bien-aimés, bonjour, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus à Océan des Grâces. J'espère que vous allez bien. Voilà, finalement, nous sommes en direct. On bénit le nom de notre Dieu, on le loue, on le magnifie et on l'exalte. Soyez bénis et je dis encore bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Bonjour à Elisabeth. Bonjour aux frères et sœurs. Bonsoir à tous. Salut Alfred. Sois béni. Alors, j'espère que vous me recevez bien. J'espère que tout le monde a le son, tout le monde a l'image et qu'on peut enfin commencer après que nous ayons déjà partagé le programme pour permettre à ceux qui ne savent pas que nous sommes en direct de se connecter. Voilà. Installez-vous, nous n'allons pas tarder à commencer. Esprit de Dieu. je t'adore je te donne ma vie mi je je te donne Alpha, omega je t'ends ré je te donne 내 ma vie ma vie et je et t'aime ai et alpha omega je t'adore je te donne ma vie ma vie et je et Aimes, aimes, et aimé, et tend, Esprit Saint, je t'adore. Oh, je te donne ma vie, ma vie et euh, euh, je mais ton Alpha Omega, je t'adore. Je te donne, ma vie, ma vie.

de vie, vaisseau et non de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne près, ne contrôle, chaque situation qui trouble mes pensées, mes...

Et non de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je l'épouse, Jésus. 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 Père. Père. Voilà, bien-aimés, nous avons atteint le nombre qu'on attendait. Sans plus tarder, nous allons remercier le Seigneur notre Dieu. Nous allons le glorifier parce qu'il nous donne la possibilité de lui parler. Il nous donne la possibilité de le glorifier. Il nous donne la possibilité de nous rattraper, d'accomplir ce que nous voulons. et nous donne la possibilité de triompher des œuvres des ténèbres. Peut-être que vous ne l'avez pas constaté, mais dans ces derniers jours... Il y a une forte influence démoniaque dans l'air. Vous allez remarquer que les chrétiens deviennent de plus en plus lourds. Il devient difficile pour les gens de lire la parole de Dieu. Il devient difficile pour certains de se lever aux heures qu'ils se sont fixées pour prier. Il devient difficile pour les enfants de Dieu de se concentrer, de faire ce qu'eux-mêmes ils ont déclaré, annoncé et décidé de faire. Vous allez remarquer que vous aurez tendance, dans cet temps-là, vous avez peut-être tendance à faire à ne faire que le contraire de ce que vous dites. Se réveiller la nuit devient de plus en plus difficile. Prier aux heures que vous avez l'habitude de prier devient de plus en plus difficile. Vous sentez une lourdeur, une énergie négative dans l'air. Vous allez sentir que dans vos foyers, il y a plus de susceptibilité à s'énerver, à se mettre en colère. Vous allez sentir qu'il y a la tension. Les hommes et les femmes semblent ne plus s'entendre. Il y a comme des incohérences dans vos pensées. Et parfois, vous ne vous comprenez même pas à cause de cette force, influence démoniaque. Et s'il y a une chose que le diable n'aimerait pas avoir, alors qu'il tente de plus en plus de gagner les âmes et les esprits des gens. Il n'aime pas la prière. S'il y a une autre chose qu'il ne voudrait pas entendre les gens faire, c'est la prière. Et voici la raison pour laquelle vous allez remarquer que ceux qui sont supposés vous accompagner dans la prière semblent être ceux que l'ennemi veut influencer. Vous allez remarquer que il y a tellement d'influence que les gens ne se contentent plus de prier mais ils cherchent tout simplement des solutions à leur prière, mais des solutions qui ne peuvent s'obtenir que par la prière. Bien-aimés, ce que je vous dis est une vérité absolue. Si vous avez le discernement, si vous avez la capacité à sentir les choses, vous allez remarquer que votre humeur n'est plus comme d'habitude, votre attitude n'est plus comme d'habitude, vos capacités ne sont plus comme d'habitude. Vous allez remarquer qu'il y a de l'influence, une énergie, une lourdeur, une pesanteur à cause des démons qui ont été relâchés actuellement, vous allez remarquer que vous êtes beaucoup distrait. Vous n'arrivez plus à vous concentrer. Vous n'arrivez plus à déposer vos téléphones. Vous n'arrivez plus à vous disposer. Vous avez l'impression que vos heures de prière ont été réduites, mais les heures de distraction ont été augmentées. Bien-aimé, j'espère que tu sais qu'il y a une guerre dans les cieux en ce moment une guerre dans les cieux. Je ne parle pas d'une guerre dans les pays. Je ne parle pas d'une guerre. Mais il y a actuellement une guerre dans les cieux. En tant que prophète, quand je vois des choses, je dois en parler. Et aujourd'hui, plus que jamais, je demande à toute personne qui a la capacité de prier, ne va plus au lit sans prier. Je demande à toute personne qui a la capacité de parler, ne joue plus avec ta vie de prière. Je demande à toute personne qui a des livres de prières. mais tu as constaté que la distraction te tenaille. Ce n'est pas que tu fais quelque chose de bon, tu es juste sur Internet. Tu ne fous rien de bon. Je te dis la vérité. Si ça t'a choqué, c'est que c'est la vérité. Je dis, tu ne fous rien de bon. Tu es juste sur Internet. Il n'y a rien d'autre que tu fais. Si tu sens que tu es maintenant... Euh, incapable de contrôler ton temps et que c'est ton temps qui, ont, qui te contrôle. Les faits qui se passent qui te contrôlent sache que tu es en train de te refroidir, tu es en train de reprograder. Et le Seigneur, le Seigneur m'a montré une guerre dans les cieux, une guerre dans les lieux célestes. Et le monde des ténèbres a créé une arme spéciale qui n'a jamais existé sur cette terre. J'ai vu cette arme de mes propres yeux cette nuit. C'est une arme qui émet une lumière violette sous forme de laser. Tout ce que ça touche, ça les consume. Ça consume la foi, ça consume l'onction, ça consume l'envie de prier, ça détruit tout. Vous n'avez pas remarqué, le direct a été programmé et supprimé. Le direct a été programmé. J'ai changé trois caméras. Aujourd'hui seulement, là faut passer en direct là. J'ai changé trois appareils, trois caméras. Vous allez remarquer qu'il y a un direct qui était là. On l'a supprimé, on l'a reprogrammé. C'est pour juste vous faire comprendre que spirituellement, le peuple de Dieu doit commencer à s'ouvrir les yeux. Alors, j'ai fini de t'interpeller et tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à notre Dieu. Tu vas dire merci. 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 Élevons la voix et prions. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu sais ce qui est en train de Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom parce que tu sais que les démons buveurs des sang, les esprits vampires sont relâchés depuis le monde des ténèbres pour venir affaiblir tes enfants. Mais Éternel Dieu Tout-Puissant, tu ne leur permettras pas de faire. Voici la raison pour laquelle, Père Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'invitons à venir prendre le contrôle de ce moment. Nous te louons, t'exaltons, te magnifions, t'exaltons et te célébrons. Tu es le seul Dieu capable de révéler et de donner des solutions. Nous te demandons de venir prendre le contrôle de ce moment. Nous te demandons de venir prendre le contrôle de nos vies de prière. Seigneur, tel qu'annoncé dans ta parole, l'apostasie est en train de s'installer dans les foyers. Les hommes et les femmes ne prient plus, mais ils cherchent qui va prier pour eux. Le refroidissement spirituel a atteint beaucoup de personnes. Les heures de prière ont été réduites. Les gens n'ont plus la capacité. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas le temps, mais c'est parce que le temps est investi dans la distraction. Éternel Dieu Tout-Puissant, il n'y a que toi seul qui puisses nous aider. Voici la raison pour laquelle nous aimerions que tu sois le maître de ce programme, que tu sois le roi de ce programme, que tu sois le patron de ce programme et que Père, cette guerre que le monde des ténèbres a déclenchée s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, nous t'invoquons. Tu as dit qu'il n'y a personne qui intercède, mais nous nous sommes là pour prier. Nous sommes là au front sur le plan spirituel. Nous sommes là à recevoir des coups, nous sommes là à subir parce que Père, nous refusons que nous refusons que les ténèbres couvrent la terre. Alléluia. Éternel Dieu tout-puissant, prend le contrôle de ce que nous sommes en train de faire et de dire. Dispose les esprits, Père, afin que ceux qui sont venus Cherchez ta face cherche ta face mais sans être distrait par des esprits de distraction sans être tiraillé des paroles d'autres dans leur pensée sans être manipulé que les gens se concentrent ferment les yeux pour prier au lieu d'écrire que les gens soient disposés au lieu de mettre des commentaires que les gens soient concentrés au lieu de s'amuser Père éternel Dieu tout-puissant que les ténèbres ne couvrent pas nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Bien-aimé, si tu es préparé pour ce combat, je te donne les conditions. S'il te plaît, tu peux mettre tous les commentaires que tu veux quand on parle. Mais lorsqu'on commence à prier, n'y mets pas de commentaires. Bien-aimé, pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu qui, qui, qui agit sous l'onction est imprévisible. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui écrit des papiers et qui vient s'asseoir pour réciter ce qu'il a écrit. C'est pourquoi je veux que tu sois prêt, s'il te plaît. Et je veux entendre quelqu'un dire, je refuse que les ténèbres couvrent ma vie. Je refuse que les ténèbres couvrent ce pays. Je refuse que les ténèbres couvrent ce peuple. Je refuse que les ténèbres couvrent ma vie. Et je prophétise que les ténèbres ne couvriront pas ma famille. Je prophétise que les ténèbres ne couvriront pas le peuple de Dieu. Je prophétise que les ténèbres ne couvriront pas ce pays. Au nom de Jésus. Déclarez, les ténèbres ne couvriront pas ma vie. Les ténèbres ne couvriront pas ma vie. Les ténèbres ne couvriront pas la vie de, 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 de l'Église de Christ. Les ténèbres ne couvriront pas ma vie. Les ténèbres ne couvriront pas ma maison. Les ténèbres ne couvriront pas mon âme. Les ténèbres ne couvriront pas mon âme. Les ténèbres ne couvriront pas. Voici pourquoi nous prophétisons que les ténèbres reculent. Voici pourquoi je prophétise et je proclame que les ténèbres reculent. Voici pourquoi je déclare que les ténèbres reculent. Voici pourquoi j'ordonne que les ténèbres reculent. Oh oui Seigneur, que les ténèbres reculent. Que la lumière soit. Que la lumière de Dieu soit dans ma vie. Que la lumière soit dans ma famille. Que la lumière soit dans mes affaires. Que la lumière soit. Que la lumière soit dans ma vie. Que la lumière soit dans mes destinées. Que la lumière soit. Oui, Seigneur, il est écrit. À tes résolutions répondra le succès. Sur ton chemin brillera la lumière. Alors, je prophétise que la lumière soit dans ma vie. Je prophétise que la lumière soit dans ma maison. Je prophétise. Que le bonheur soit, que la joie, que la lumière soit, soit, que la lumière soit, que la lumière soit, et que les ténèbres dégagent. Que la lumière soit dans la vie de Linda, que la lumière soit dans la vie de Cyrose, que la lumière soit, que la lumière soit dans ma vie. Que le bonheur soit, que la, que la joie soit, que la lumière soit, que la lumière soit dans ma vie. Je prophétise que la stabilité soit dans ma vie. Je prophétise que la gloire de l'éternel soit dans ma vie. Oui, que la gloire soit. Que la lumière soit. Que la gloire de l'éternel soit dans ma vie. Que la lumière soit dans ma maison. Que la lumière soit dans la vie de ma femme, mes enfants et moi. Que la lumière soit dans mes finances. Que la gloire, que le bonheur, que la chance, que la réussite soit. Je déclare qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Que la lumière soit. Que le bonheur soit, que la paix soit, que la paix soit à travers le monde, que la paix soit à travers le monde, que la lumière soit, que la paix soit à travers le monde, que la stabilité soit. Que la lumière soit dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu dit que si tu déclares que... Tu crois, tu verras, cela s'accomplit. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans les murmures. Dieu n'est pas dans les critiques. Dieu n'est pas dans vos affaires d'aller expliquer vos vies au pasteur. Dieu est dans sa parole. Vous avez passé toute votre vie à courir tellement devant les hommes, derrière les hommes, que l'essentiel, vous n'arrivez pas à l'avoir. Vous avez tellement mis votre foi en l'homme, plutôt que de mettre votre foi en la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur ses promesses pour les accomplir. Dieu veille sur ses décisions pour les accomplir. Que la lumière soit, c'est ce que tu dois dire. Que le bonheur soit, que la richesse soit. Je déclare que le bonheur soit. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Que la vie soit. Et je te déclare que les ténèbres reculeront. Tu as un problème. Au lieu d'appliquer la parole de Dieu, tu cours derrière les hommes de Dieu. Tu as un problème. Au lieu d'appliquer la parole de Dieu, tu changes d'église. Tu as un problème. Au lieu de mettre la parole de ton Dieu en application, tu cherches des miracles rapides. Tu cherches des bénédictions rapides. Tu cherches des choses faciles. Quelque chose que tu ne mérites pas, mais tu veux que Dieu te l'accorde. Tu ne mérites même pas. Tu es même incapable de tenir debout pour une chose que tu veux. Tu es incapable de prouver à Dieu que tu, tu, tu mérites. Tu mérites. You are unable to prove to the Lord that you deserve it. You don't deserve it, but you want it. Oh, il y a des choses que Dieu ne t'accorde parce que 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 lorsque tu as triomphé des épreuves. Une preuve que tu peux la conserver. Une preuve que tu peux la garder. Une preuve que tu peux la gérer. Une preuve que tu peux faire face à des oppositions. Une preuve que tu as été formé, que tu as compris le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est le combat. Et la récompense de la vie, c'est le miracle. C'est la parole que nous devons appliquer. Ce ne sont pas des hommes que nous devons chercher. Parce que Dieu est dans sa parole. Seigneur, tu m'as promis que l'homme quittera son père et sa mère pour venir s'attacher à une femme. Qu'il en soit ainsi. Je prophétise sur la base de... La parole de mon Dieu, que ce qu'il soit, quoi qu'il retienne, qu'il quitte son père, sa mère et sa famille pour venir s'attacher à moi, qu'il en soit ainsi, selon la parole de l'Éternel. Et il en sera ainsi. Dieu est dans sa parole. Il est omnipotent, omniscient. C'est vous qui faites des dieux menteur. Sinon, Dieu est dans sa parole. Mais comme vous ne le cherchez pas dans sa parole, comme vous ne le cherchez pas dans sa parole, et que vous le cherchez chez des hommes, c'est pour ça que vous ne le trouvez pas, parce que Dieu, le Dieu d'Abraham dit ça que de Jacob, le Créateur du ciel et de la terre. Sa parole déclare Au commencement était la parole, la parole était Dieu, Dieu était, Dieu est dans sa parole. Il dit que ma parole ne se retourne jamais à moi, sans effet, sans avoir accompli mes desseins et ma volonté. Que la parole de Dieu soit. C'est la parole qu'il faut réclamer, c'est la promesse qu'il faut réclamer. Mais vous. Ne réclamez pas la promesse. Vous cherchez des solutions rapides, mais sans la promesse. Il a dit en sa parole en Jean 15, verset 17, en vérité, il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Parce que lorsque la parole de ton Dieu demeure en toi, tu sais quelle parole choisir, tu sais quelle déclaration choisir, tu sais quel verset biblique choisir, il faut que la parole demeure en toi pour que lorsque tu as besoin de demander... Conformément à la parole, tu sais quelle parole qui t'autorise à avoir telle bénédiction. Ainsi, tu prends la parole, tu dis Vous écrit que je ne manquerai jamais d'argent, selon le livre des AG. Alors, que l'argent soit et l'argent sera. Ma parole ne se retourne jamais sans de fait, sans avoir compris mes destins et ma volonté. Ma parole. Ne se retourne jamais le l'avoir accompli mes desseins et ma volonté. C'est la parole qu'il faut chercher. Dieu est dans sa parole. Que la lumière soit. Mais vous ne savez même pas lire la parole de votre Dieu. Vous ne cherchez même pas à lire la parole de votre Dieu. Il a dit Si mes paroles demeurent en vous, et que si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Cela vous. Parce que lorsque la parole de Dieu demande à toi et que tu as besoin de mariage. Tu sais quelle parole qui te promet le mariage. Tu as besoin d'argent. Tu sais quelle parole te donne l'argent. Tu as besoin de financement. Tu sais quelle parole. Lorsque David était dans les problèmes, il disait, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Lorsque David était dans les problèmes, il avait la parole à lui. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal. Car ta lumière, ta houlette et ton bâton m'est rassure. » David a réclamé la parole. Moïse a réclamé la parole. Mais toi, tu réclames des rendez-vous chez les pasteurs. Ce n'est pas étonnant que ça fait des années que tu cherches le ténèbre, mais tu ne le vois pas. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu répond à sa parole. Il a dit en Esaïe Je ne point dit à la postérité de Jacob de me chercher vainement. Ézéchias a réclamé Dieu selon sa parole. Il a dit à Dieu Je ne pas. souviens-toi que j'ai marché selon ta parole. Ézéchias a dit à Dieu Toi, tu ne te réponds pas de tes paroles, hein, mais je vais te rappeler une alliance que j'ai faite avec toi. Souviens-toi que je marche avec toi avec intégrité. Et que tu es prêt à accorder à ceux qui marchent avec toi avec intégrité tout ce qu'il faut demander. C'est dans sa parole qu'il faut chercher Dieu. Parce que si vous t'aimerez en lui et que ses paroles t'aiment en vous, le jour... Que vous êtes attaqué par le ténèbre. Vous direz à Dieu, souviens-toi qu'il est écrit en Ésaïe 41, toi que j'ai choisi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, à qui j'ai mon fils, à qui, qui j'ai dit, je te prends par la main, tes ennemis, tu ne les verras plus, ceux qui te font la guerre, tu ne les verras, tu les verras plus. Alors, Seigneur, je réclame cette parole. Souviens-toi qu'il est écrit en Ésaïe 41, le mal. Malheureusement, les indigents cherchent de l'eau. Moi, l'Éternel, je ne les abandonnerai point. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai point. Père, j'ai besoin d'aide financière. J'ai besoin de moyens financiers. J'ai besoin de nourriture. Souviens-toi ta parole. Dieu est dans sa parole. Et aujourd'hui, des prophètes quittent encore d'Ivoire. Ils viennent en France. Avant qu'ils quittent en Côte d'Ivoire pour venir en France, vous leur envoyez des dîmes. Vous leur envoyez des offrandes. Quand ils arrivent en France, là, vous devez payer le rendez-vous. Et il y a des chrétiens inconscients qui vont aller payer le rendez-vous. Bien-aimé, tu n'as qu'à aller au rendez-vous. Si tu veux, tu donnes une dîme, tu donnes une offrande, ça ne tient qu'à toi. Vous voulez acheter la bénédiction. D'abord, même vous ne respectez rien de ce que Dieu dit. Quand vous êtes coincé, vous êtes prêt à payer. Dieu est dans sa parole. Parce que si tu demeures en lui et que ses paroles demeurent en toi, le jour que tu as un problème, tu sais quelle parole utiliser. Le jour que tu es coincé. Tu sais quelle parole utiliser le jour que tu es malade tu sais quelle parole utiliser mais toi aucune parole ne demeure en toi tu peux connaître les boutons de ton téléphone les yeux fermés mais ta bible tu sais même pas jean il se trouve où les yeux fermés tu peux taper un message à tes gars et mettre, mettre tout le monde en copie tu copies tu envoies, tu copies, tu envoies, tu copies le bonjour et tu envoies déjà à tes 15 pointeurs le même bonjour avec le même coucou chéri ça va <laughs> coucou chéri ça va c'est parti chez tout le monde copier coller les yeux fermés mais ta bible tu sais pas jean il se trouve où genèse même quand on dit genèse tu crois que c'est cousin de quelqu'un <laughs> quand on dit genèse tu crois que c'est cousin de quelqu'un c'est pas cousin de quelqu'un c'est c'est un chapitre de la bible voilà, c'est un livre de la Bible. Tu vas te répentir sérieusement. Tu vas te répentir. Tu vas dire à Dieu Seigneur, que ta lumière soit dans ma vie. Tu vas lui dire Seigneur, je suis désolé pour nos comportements. Je suis désolé pour nos attitudes. Tu vas lui demander pardon. Tu vas lui dire, tu es désolé pour ton attitude de chrétien vagabond. Tu vas lui dire, tu es désolé pour la façon dont tu mènes ta vie chrétienne. Tu vas lui dire, tu, tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu vas demander pardon à Dieu et ils vont la voix et prions. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre attitude et notre comportement. Tu es dans ta parole. Tu es Dieu, nul n'est semblable à toi. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, le saint des saints. Nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous te demandons pardon pour nos erreurs, nos faiblesses, nos comportements, nos distractions, Père. Nous te demandons pardon pour tout ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Nous te demandons pardon pour nos fautes, nos comportements, nos caractères, nos attitudes. Nous te demandons pardon, Père, pour la négligence. Pardonne-nous dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te demandons nous pardonner pardonne nous selon ta parole pardonne nous nos fautes pardonne nous nos erreurs pardonne nous afin que père ton nom soit glorifié désolé père désolé pour tout le mal que nous avions fait désolé pour tout le mal que nous avons dit désolé père tu vas lui dire seigneur je suis désolé Dis-lui Seigneur, je n'arrive même pas à lire ta parole correctement. dis le Seigneur, je n'arrive même pas à finir, ne serait-ce qu'un seul chapitre, mais je connais toutes les informations qui se passent dans le monde entier en ce moment. Je connais tout le nom des artistes chrétiens. Je connais tout le nom des films chrétiens. Mais je ne connais pas ma Bible. Dis-le Seigneur, je ne connais pas ta parole. Dis-le Seigneur, je suis désolé. Désolé pour ma vie. Désolé pour mon comportement. Dis-lui Seigneur, je suis, je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Bien-aimé, tu vas cesser d'écrire Corinne Michel et te concentrer pour prier. S'il vous plaît, cessez d'écrire et ouvrez vos bouches pour qu'on prie ensemble. Par respect pour le Seigneur, soyons concentrés. Ne vous laissez pas distraire. Bien-aimé, tu vas demander au sang de Jésus de te laver. Alléluia. Tu vas demander au sang de Jésus de te laver, de te purifier. Nous sommes là pour combattre un esprit ténace. Nous sommes là pour combattre un fait qui est tellement ténace que si tu ne fais pas attention, tu peux rater ta destinée. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de t'aider. Amen. Tu vas demander à Dieu de t'aider, de t'aider, de t'aider dans le combat que tu es en train de mener. Tu vas lui dire, Seigneur, je suis désolé pour ma vie. Tu vas lui dire, Seigneur, je suis désolé pour mon comportement et je voudrais que tu me laves. Tu vas lui dire, Seigneur, lave-moi de ton sang. Tu vas lui dire, Seigneur, j'ai besoin d'être lavé, j'ai besoin d'être purifié, j'ai besoin d'être nettoyé, j'ai besoin d'être sanctifié. Dis-le, Seigneur, lave mes oreilles, mes yeux, mon cœur, mes pensées et la voix et prions le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Bien, mais si vous n'avez pas envie de prier, vous savez comment ça se passe ici. Quand les gens ne sont pas disposés, ne veulent pas prier, alors on ne se fatigue même pas, on passe à autre chose. Mais toi, je sais que tu as envie de prier ce soir parce que il y a tellement d'énergie de, 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 négative qui circule dans l'air. Le, les, les sorciers sont en train de proclamer des malédictions pour endormir le plus de personnes. Vous ne savez pas de quoi je parle, mais ceux qui ont les yeux et ceux qui sont capables ont déjà senti qu'ils n'arrivent plus à se lever pour prier. Tu vas demander au sang de Jésus de te laver. Tu vas demander à Dieu de te donner une force surnaturelle. Tu vas demander à Dieu de te laver, de te protéger. Tu vas lui dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin d'être lavé et protégé, fortifié et renforcé. Dès le Seigneur, lave-moi en prions dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Nous te demandons de nous laver, Père, laver nos bouches. Père éternel, mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, tu es le roi des rois. Alléluia. Tu es le saint des saints. Tu es le Seigneur. Tu es le lion de la tribu de là. Merci Seigneur pour ma maison. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour le combat que tu mènes pour nous. Merci Seigneur. Pour tout ce que tu es en train de faire, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang, que ton sang, que ton sang nous purifie, que ton sang nous fortifie, que ton sang, que ton sang, que ton sang, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie. Seigneur, lave-moi, lave tous et toutes celles qui sont connectés. Seigneur, lave mes oreilles, mes yeux, mes pensées, mon cœur, mon âme, mon esprit. Alléluia. Merci, Seigneur, lave-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, restaure-moi, Seigneur, Seigneur. Seigneur, aide-nous au de Jésus. Seigneur, lave-moi au oh, nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave. Oh oui, Seigneur, que, que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous restaure. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous nettoie. Que le sang de Jésus nous lave. Au oh, nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, avant de continuer, est-ce que tu es là S'il te plaît, avant de continuer, est-ce que tu peux rapidement partager Aide-moi pour ne pas qu'on nous coupe. Vous savez que beaucoup de gens n'arrivent plus à voir les programmes à cause de ceux qui signalent pour nous embêter. Tu vas faire une pause, s'il te plaît, pour le bon déroulement de ce programme. Bien-aimé, tu vas partager. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur demande de partager. Mais toi, il faut partager. Parce que les sorciers qui viennent pour signaler là, quand tu leur dis de partager, ça les énerve. Mais toi, partage pour que ça ne nous énerve. Ça ne, ça, se, ça ne soit pas coupé. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Alléluia. Bien-aimés, à l'instant même où nous sommes, l'ennemi est en train de tendre des pièges. Tendre des pièges partout. Ils sont en train de tendre des pièges. Et le Seigneur me l'a révélé. Ils sont en train de tendre des pièges. Et vous savez que les pièges de l'ennemi s'appellent disputes, querelles. Provocation, colère, haine, mésentente, tentation. Spirituellement, ça n'a pas l'air de ça, mais physiquement, c'est ça. Vous marchez dans la rue, vous sentez des toiles d'araignée sur votre visage, alors que c'est dans la rue. Vous sentez des choses, dans, même dans votre chambre, en marchant, vous sentez des toiles d'araignée, alors que ce n'est qu'une chambre. Je vous dis la vérité. Un beau matin, je me suis réveillé. Bien aimé, moi, ma voiture, chaque semaine, quand je peux, je lave ma voiture. Même si je ne sors pas, il suffit que j'aille faire une course seulement, je viens, je lave ma voiture. Un beau matin, je suis allé, dehors là, je vois, vous, vous ne croirez pas, une toile d'araignée sur mon rétroviseur. Toile d'araignée. Si c'était deux, trois, quatre, mais vrai, vrai nid d'araignée, j'ai regardé ça et dit, vous croyez que moi, je suis bête, quoi. Et elle détruit ça, prier sur ma voiture, je suis sorti, je suis revenu. C'est la vérité. Il y a des gens là qui se sont réveillés un beau matin, tu vois ton rétroviseur, ta voiture là, toile d'araignée. Il y a des gens qui ont déjà vécu ça. Ils te tendent des pièges, ils viennent, ils en vouent. Toi, tu vas croire que c'est juste des toiles d'araignée. Tu prends ta voiture, tu pars, tu ne reviens plus. Tu pars, tu ne reviens plus. Ils viennent travailler ça la nuit. Met... Ce que tu vois là, tu crois que c'est toile d'araignée, mais c'est leur filet. Voici pourquoi la parole de Dieu dit que Dieu nous protège du filet de l'oiseleur. Donc, bien aimé, tu vas commencer déjà par détruire tous les pièges. Tous les pièges, tous les pièges qu'ils sont en train de te tendre en ce moment-là. Tous les pièges, tu vas détruire tous les pièges. Prions dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous détruisons tous les pièges qu'ils sont en train de nous tendre en ce moment. Nous brisons les pièges de Lucifer et de ses agents. Nous brisons tous les pièges qu'ils sont en train de tendre. Dans nos maisons, nous brisons tous les pièges. Nous détruisons tous les pièges qu'ils sont en train de nous tendre. Et nous les rendons nuls et sans effet. Les provocations, même leurs agents qu'ils ont envoyés soient désarmés et démasqués soient démasqués et désarmés, que leurs agents soient démasqués et désarmés, que leurs agents soient démasqués et dé, désarmés, qu'ils soient démasqués, qu'ils soient désarmés, qu'ils soient désarmés, que leurs armes échouent. Tous les moyens par lesquels ils veulent passer échouent. Alléluia. Même s'ils veulent passer par, par des disputes, par des querelles, par des divisions, par des tentations, nous rendons nuls et sans effet toutes les armes qu'ils veulent utiliser contre nous et nos maisons, toutes les armes. Qui veulent l'utiliser contre nous et nos frères, toutes les armes qui veulent l'utiliser contre nous et nos enfants, contre nous et notre communauté, nous les rendons nuls et sans effet. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous brisons les pièges de l'ennemi, nous détruisons les pièges, tous les pièges qu'ils sont en train de nous tendre, tous les, tous les pièges, tous les petits pièges qu'ils sont en train de m'étendre, d'étendre à ma maison, d'étendre à mes enfants, je les brise et je les détruis. J'ai détruit tous les pièges. J'ai détruit les provocations. J'ai détruit les manipulations. J'ai détruit les œuvres de l'ennemi. J'ai détruit tous les pièges, tous les pièges, tous les pièges que l'ennemi est en train de m'étendre, tendre. Tous les pièges, tous les pièges qu'ils sont en train de nous tendre. Tous les pièges, nous les détruisons au nom puissant de Jésus. Nous détruisons les pièges, les filets spirituels qui nous ont été lancés, les fils, les piles les pièges. Nous les détruisons. Nous détruisons tous les pièges, les filets du monde des ténèbres, les fils, les barbelés spirituels, les pièges mystiques. Nous les détruisons. Nous détruisons tous les pièges de l'ennemi. Tous les pièges qui nous ont tendus soit nuls et sans effet. Tous les pièges qu'ils sont en train de nous tendre. Tous les pièges qu'ils sont en train de m'étendre. Je les détruis, je les annule, je les supprime, je les casse et je les rends sans effet. Que tous les pièges qu'ils sont en train de nous tendre soient brisés, les pièges soient annulés, les pièges soient détruits. Tous les pièges qu'ils sont en train de m'étendre, qu'ils sont en train d'étendre à, 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 à ma famille, qu'ils sont en train d'étendre à mes enfants, tous les pièges soient brisés, les pièges soient cassés, les pièges soient annulés. Tous les pièges, toutes les stratégies qu'ils ont mises en place pour nous atteindre, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous brisons les pièges, au nom de Jésus, nous brisons les pièges. Nous brisons, nous brisons, nous brisons, nous brisons, nous brisons les pièges, nous brisons les pièges. Tous les pièges qu'ils m'ont tendus, tous les pièges qu'ils nous ont tendus, nous, nous, nous les détruisons, 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 nous les annulons. Les pièges qui ont été tendus à mon nom, tendus au nom de mes proches, tendus au nom de mes enfants, de ma femme, de mes enfants, de mes frères, de mes soeurs, de mes amis, j'ai détruit tous les pièges, peu importe qui ce piège la cible. Peu importe les raisons, peu importe le motif, peu importe le temps de son accomplissement, nous détruisons tous les pièges, tout, 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 tout. Nous brisons, nous détruisons, nous annulons tous les pièges qui nous ont été tendus, à nous, à nos enfants, à nos familles, à nos proches, tous les pièges, nous les détruisons. Nous détruisons les pièges de nos ennemis, les pièges du monde des ténèbres, les pièges du royaume des ténèbres, les pièges, les pièges, les pièges, les pièges, les pièges, les pièges. J'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit tous les pièges, tous les pièges, tous les pièges, tous les pièges, tous les pièges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas reprendre cette prière. Tu vas annuler tous les rendez-vous mystiques. bien aimé. Tu es là, ton œil bouge, ton œil clin, 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 clin. Fais attention. L'ennemi t'étend un piège et le Seigneur veut que tu fasses attention. Ça veut dire, ouvre tes yeux. Il y a quelque chose qui se passe là. Ouvre tes yeux. Ne néglige jamais ce phénomène. Les ignorants vont dire non, que c'est parce que c'est naturel. Bien-aimé, moi, je te parle de quelque chose. La plupart des hommes et des femmes qui ont déjà observé ça savent que quand leurs yeux commencent à bouger là, il y a toujours des disputes après, toujours des querelles après. Et toujours des mauvaises nouvelles. Si vous commencez à ressentir ces choses-là, commencez sérieusement à prier pour bloquer tous les événements et les rendez-vous du monde des ténèbres. Parce que, bien aimé, quand ils ont programmé leurs choses-là, ils vont te pousser à aller quelque part. Ils vont fixer un rendez-vous pour toi. Ils vont prendre un rendez-vous pour toi. Et c'est là-bas que tu vas aller dans les rendez-vous mystiques. On va dire, ouais, oh, hey, il partait dans tel pays, il allait faire un accident. Un jour, le Seigneur a déjoué un rendez-vous mystique. Une jeune dame était en train de voyager. Non, un monsieur, pardon, était en train de voyager. Et le monsieur, il arrive là, il y avait un gars au milieu de la route avec sa voiture. Comme si le gars ne savait pas conduire. Et le gars était en train de faire quoi de faire sa manœuvre, sa manœuvre, sa manœuvre. Finalement, le gars commençait à s'énerver. Il dit Mais attends, tout le monde est en train de me dépasser pour partir là. Toi, tu es juste en train de faire ta manœuvre, tu prends tout ton temps pour faire ta manœuvre. Sans même le savoir, Dieu venait de sauver sa vie. Finalement, le gars qui est venu faire la manœuvre qu'il qui l'a retardé là est parti, un inconnu. Bien aimé, quand il a fait un peu de distance seulement là, tous les véhicules qui l'ont dépassé, après que l'individu soit venu, ça dit que le bloquer là, tous se sont retrouvés dans un accident mortel. Ils sont allés rentrer. Ça dit que le véhicule, lui, il avait dévancé et puis on l'avait arrêté, puis qu'il l'a laissé pour partir là. Et allé rentrer dans des grumiers, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sur la route de Yamsokro, quelque part là-bas. Des morts en cascade. Là, qu'il s'est rendu compte que, en fait, c'était lui qui devrait, en ce jour-là, il devrait mourir. Très souvent, nous ne comprenons pas Dieu. Il nous a parfois sauvés. Tu es sur la route. Peut-être que Dieu a utilisé quelqu'un pour te, pour te sauver la, la, la vie. Tu si es là. Tous ceux que vous voyez sur la route, là, vous les insultez. Sur la route, tu ne sais même pas pourquoi. Peut-être même c'est un ange de Dieu qui est dans la voiture. Tu ne tu sais même pas. Je peux vous montrer des vidéos d'intervention divine. Vous serez même choqués. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est là ce soir. Ce que je veux, c'est que tu annules tous les rendez-vous mystiques. Aïe tous les rendez-vous mystiques. J'ai l'une de mes filles qui devrait voyager. Elle devrait voyager. Elle est arrivée à l'aéroport là. On lui a dit, on ne te prend pas. Elle a payé. Ça veut dire qu'elle est arrivée deux heures avant que l'avion ne décolle. On lui a dit, non, madame, embarque-moi, tu ne montes pas. Alors que l'avion était là. Aïe elle s'est fâchée. Elle s'est fâchée jusqu'à même on dirait va exploser. Elle est là, elle me suit. Ce n'est pas on qui dit. Puisqu'elle est là, elle me suit. Jusqu'à lui on dit non, on n'a qu'à revenir le lendemain. Quand elle est venue à la maison là, vous savez ce qui s'est passé? Dans sa précipitation là, elle a laissé la porte ouverte. Elle partait en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui veut dire que, comme elle habite à côté de la route là, où je ne sais où là, ça veut dire qu'elle allait prendre son vol pour aller en Côte d'Ivoire là. Tranquillement, les gens allaient venir se servir. Il y a sa maison. Et le Seigneur n'a pas voulu. Puis, mais, peu importe les moyens que le diable mettra en place pour que toi, tu puisses même pas te rendre compte pour aller rentrer dans son piège, que son piège échoue. Je le déclare au nom de Jésus. Peu importe les moyens, les moyens qu'ils vont mettre en place, les stratégies qu'ils vont utiliser, peu importe par qui ils vont passer, comment ils vont te distraire, juste un peu seulement pour que... Ce soit une question de temps, de temps, que leur plan échoue. Que leur plan échoue. Que leurs œuvres échouent. Vous ne savez pas combien Dieu vous a déjà béni. Vous ne savez pas combien Dieu vous a empêché. Pour vous, pour un petit décalage, oh non, moi j'ai raté mon vol. Vous pleurez pour tout. Qui sait si ce vol-là n'allait pas s'écraser Il y a une là, c'est pas on qui dit. Elle est arrivée à l'aéroport là. On dit non qu'on ne laisse pas monter. Bonne femme africaine, palabre. Elle est fâchée. D'abord, même là, elle, elle s'en va là. Le taxi est en retard. Elle va commencer à crier sur le taximètre. Elle va mettre le taximètre même euh, euh, dans des états. Et le monsieur ne répondait pas. Arrivé à l'aéroport là, comme vous connaissez, quand je parle des femmes de Paris, on dit non que moi je vais croire contre les femmes de Paris. Vous savez... Femme de Paris, quand elle parle elle ne respecte pas les gens parfois. Je vous dis la vérité. Quand elle te montre que c'est elle-là africaine qui est à Paris là, elle va te ramasser, déposer là, là. Certaines d'entre elles, là, elles n'ont pas froid aux yeux, elles insultent les gens là-bas. Ses droits, elles connaissent ses droits. Je vous dis la vérité. Arrivée à l'aéroport là, elle veut te connaître ses droits. Bien aimé, on lui a dit, madame, l'avion est partie. Ça fait 30 minutes, l'avion est parti. Tu sais quoi, l'avion est parti, on n'a qu'à faire comment Elle est revenue. Elle attend les infos. L'avion qui a décollé, ça fait 30 minutes là. C'est tombé, tout le monde est mort. C'est là maintenant qu'elle sait que c'est Dieu qui l'a sauvé. C'est la vérité que je vous dis. J'ai insulté maman de quelqu'un. La vérité. C'est la vérité. J'ai dit, bien aimé. Elle apprend que l'avion est parti, tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Et c'est l'avion qu'elle devrait prendre. Vous voyez, notre Dieu là, il, 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 il fait quoi? Euh, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Très souvent là, on ne prend pas les choses comme Dieu le voudrait. On est toujours comme ça. Et très souvent, on le déçoit. Tu vas dire à Dieu, peu importe les moyens que tes ennemis vont mettre en place, que leur plan échoue. Bien-aimé, la patience ça peut nous sauver. Et très souvent, on a frustré Dieu parce que ce n'était pas l'homme. Il a juste utilisé l'homme. Mais tout simplement pour te sauver. Il a dit quoi? Je donnerai d'autres peuples à ta place. Combien le Seigneur nous a déjà bénis. Mais on n'a jamais pris le temps de lui dire merci. Tu vas dire à Dieu, merci. Pour toutes les fois que tu m'as sauvé. Et puis je croyais que c'était mon intelligence. Je croyais que c'était ma sagesse. Je croyais que c'était ma capacité. Je croyais que c'est parce que je savais trop conduire. Je savais que c'est parce que j'étais trop fort. Mais alors que c'est toi l'éternel qui m'a sauvé, tu, tu vas lui dire, Seigneur, je te dis merci. Merci. Merci pour toutes les fois que tu as intervenu, je ne savais pas. Pour toutes les fois que tu étais derrière, tu m'as sauvé, mais je ne savais pas. Dis-lui, merci. Merci même pour ce que tu as fait et que tu n'as pas trouvé nécessaire de me faire savoir. Merci, Seigneur. Vous voyez, la parole de Dieu dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais très souvent, nous ne voyons pas Dieu derrière certaines circonstances. Tellement nous voulons que les choses soient comme on veut, que parfois même ce que Dieu veut, on l'empêche de le faire. Bien-aimé, s'il te plaît, que l'ennemi ne te pousse pas à empêcher Dieu à te bénir. Que l'ennemi ne te pousse pas à empêcher Dieu de faire ce que Dieu veut faire dans ta vie. Que l'ennemi ne te pousse pas à empêcher de te sauver. Parce que très souvent, on est tellement attaché à notre vie passée. Très souvent, on est tellement attaché que parfois, là, pour que Dieu te sorte de quelque part, il y a la douleur et il y a les blessures. La Bible dit qu'il fait la plaie, il est Il, il blesse, ça me guéri. Et il y a des gens que Dieu ne pourra délivrer que s'ils cessent d'être charnels. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, il y a des gens où ils sont là. Si Dieu veut les enlever de leur trou, là, ils vont s'accrocher au fer. Ce <laughs> pas compliqué. Vous savez que c'est un peu comme ils ont dit qu'à l'époque où il y avait un peu l'esclavage, là, les esclaves étaient finalement habitués à leur patron. Au moment où on a déclaré leur liberté, il y en a qui ne savaient même plus où aller ils sont venus rester chez leur patron. Ils m'ont dit patron, je ne sais pas, je vais partir où. Tu comprends Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont tellement habitués à leur faux mariage, là. Tellement habitués à leur faux gars. Tellement habitués à leur fausse copine. Tellement habitués à leur faux boulot, là. Que même quand Dieu va venir pour dire, toi, là, tu fais quoi ici Ibemouké. Oui. Là. Ça a pleuré. Ça a pleuré jusqu'à Padra. Ça aimé, Il ne faut pas niaiser, Africain. <laughs> Africain, gros nez, figure, boutonné, qui comprend rien. Comme les Canadiens le disent, il ne faut pas niaiser avec eux. Hein. Ils prient, ils prient, prient, mais ils ne comprennent rien. C'est la vérité que je vous dis. Ils prient, ils prient, prient, après, c'est pour me demander intercession. Homme de Dieu, on m'a viré mon, de mon travail, mais ce n'est pas toi qui as dit à Dieu que tu voulais le travail bien payé. Oh, homme de Dieu, il faut prier pour moi. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas Mais on vient de me virer de mon travail. On t'a viré depuis quand tu dis non. Hier, là, moi, j'ai prié Dieu. Il n'a qu'à me donner bon travail. Bon travail quand augmenter mon salaire. Mais il y a des endroits où on ne peut pas augmenter ton salaire. Il faut que Dieu t'enlève de là-bas pour t'amener où on augmente ton salaire. Peut-être que là-même, il t'a viré de là. Là, tu as devenu toi-même ton patron, tu vas avoir un meilleur salaire. Donc, vous voyez qu'ils sont là, ils prient, ils parlent beaucoup, mais ils ne comprennent pas. Je vous dis la vérité. Quand c'est chaud comme ça, là, ils pleurent. Quand ça ne va pas, ils prient. <laughs> Bien-aimé, tu vas dire à Dieu de t'aider à détruire tous les pièges de l'ennemi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, Empêche-moi d'être moi-même mon blocage. Amen. Voilà. Dis-lui la vérité. Il faut dire, Seigneur, empêche-moi d'être moi-même mon blocage. Je ne vais pas m'habituer à mon problème. <laughs> mon ami, il ne <laughs> faut pas t'habituer à ton problème. Hein? Gloria, Il y a des chrétiens qui sont tellement à leur problème que Dieu ne peut pas faire quelque chose. C'est la vérité. Esther, il y a des chrétiens qui sont habitués à leur problème. Ils font semblant là, il faut les laisser comme ça. <laughs> J'ai dit, ils sont à leur souffrance. Tu es allé dire à quelqu'un, mon ami, il faut démissionner. Dans deux semaines, Dieu te donne travail. Il va te dire non. Il va te dire non. Démissionner pour aller où Aïe. Donc voilà cette affaire là qui est là. Donc mon ami, il faut te joindre à moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, empêche-moi d'être le blocage de ma vie. Voilà. dis le Seigneur, empêche-moi de m'habituer à ma galère. Empêche-moi de m'habituer à la médiocrité. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, tu vas dire à Dieu que, euh, que tu te répands, que, que Dieu détruise tous les petits pièges qu'ils ont tendus, prions. Tout rendez-vous mystique soit brisé. Seigneur, nous détruisons tous les rendez-vous mystiques. Tous les rendez-vous mystiques. Tous les rendez-vous mystiques que l'ennemi a pris pour nous. Moi et ma maison. Nous les détruisons au nom de Jésus. Tous les rendez-vous mystiques, tous les rendez-vous que l'ennemi a pris pour accomplir son, son plan, soient détruits. Nous détruisons tous les rendez-vous mystiques, les rendez-vous mystiques, les rendez-vous mystiques. Nous les brisons, nous les cassons et nous les annulons. Tout rendez-vous mystique qui a été pris au nom de ma famille et moi, au nom de mes enfants et moi, au nom de mes proches et moi, nous brisons ce rendez-vous toute chose que le monde a programmé et qui n'attend que sa date d'accomplissement. Nous te brisons. Toute chose qu'ils ont planifié, toute chose qu'ils ont décidé et qui n'attend que qui n'attend que son jour, qui n'attend que son heure, qui n'attend que son temps. Je brise et je supprime cette chose dans les temps à venir. Je brise et je supprime dans les heures. Je brise et je supprime dans les minutes. Je brise et je supprime dans les temps. Je brise et je supprime cette chose au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'ils ont programmé dans nos vies, tout ce qu'ils ont programmé dans nos âmes, tout ce qu'ils ont programmé dans nos cœurs, tout ce qu'ils ont programmé dans nos corps, nous détruisons tout. Tout le plan de ténèbres, le plan du royaume des ténèbres, le plan de la sorcellerie, le plan du fétichisme, le plan des marabouts, le plan des charlatans, nous les détruisons. Tout rendez-vous mystique, nous détruisons les dates, les jours, les mois et les semaines. Ils se sont choisis pour pour accomplir leurs œuvres, pour accomplir leurs projets. Tous les rendez-vous mystiques, nous les détruisons, nous les brisons, nous les cassons. Toute date, toujours qui se sont fixés pour réaliser leur plan échoue. Que leurs armes mystiques se retournent tout contre eux. Toute arme forgée contre nous se retourne contre eux. Que toute arme mystique, toute arme mystique, toute arme mystique, tout missile spirituel qu'ils ont programmé échoue. Toutes les bombes spirituelles qu'ils ont programmées échouent. Toute arme mystique, toute arme, toute arme, toute arme mystique qu'ils ont programmée échouent. Nous détruisons tous les rendez-vous. Tous les rendez-vous du monde des ténèbres. Les rendez-vous, les rendez-vous, les rendez-vous du monde des ténèbres. Nous les détruisons. Peu importe ce que l'ennemi a mis en place pour, pour s'assurer de réussir son plan. Peu importe ce qu'ils ont mis en place. Peu importe ce qu'ils ont élaboré. Peu importe ce qu'ils ont planifié peu importe ce qu'ils ont dit, peu importe les rituels, peu importe les filets qu'ils installent sur nos chemins, nous les détruisons. Nous détruisons. Nous détruisons, nous détruisons et nous annulons. Nous les brisons au nom de Jésus. Je brise tout le mal qu'ils ont fait programmer. Tout le mal qu'ils ont dit, tout le mal qu'ils ont dit, tout le mal qu'ils ont dit. Oh oui, Seigneur, tout ce qu'ils ont dit et fait, tout ce qu'ils ont dit et fait. Pour nous attacher, pour nous lier, pour nous bloquer, pour nous, pour nous vendre dans les ténèbres. Nous brisons les œuvres de la sorcellerie. Nous les détruisons. Nous les brisons. Nous les détruisons. Nous les brisons. Nous les détruisons. Nous les brisons. Nous les détruisons. Nous faisons échouer leurs plans. Nous faisons échouer leurs œuvres. Nous faisons échouer leurs projets. Oui, Seigneur. Peu importe le temps, le jour, et par qui il veut l'accomplir. Peu importe le temps, le jour, l'année, le mois, la semaine et l'heure. Au nom de Jésus, je brise tout. Tout ce qui a été fait contre Françoise, j'ai détruit tout, j'ai brisé, j'annule. Tous les projets du monde des ténèbres contre toi soient brisé. Alléluia. Même si tes ennemis, bien-aimés, même si tes ennemis t'attendaient à pied ferme au pays, même s'ils t'attendaient à pied ferme dans leur coin, dans leur camp, leur plan échoue, leur projet échoue, au nom de Jésus. Leur projet échoue, que leur projet échoue. Même si mes ennemis m'attendaient à pied ferme, même s'ils m'attendaient à pied ferme, même s'ils m'attendaient, même s'ils m'attendaient patiemment, que leur projet échoue, que leur décision échoue, que leurs œuvres échouent, que leur piège échoue, que leur rendez-vous échoue, 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 échoue. Même si mes ennemis attendaient que je fasse une erreur pour passer à l'action. Que leurs plans, leurs projets, leurs décisions, leur planification concertée échoue. Leur planification concertée. J'ai détruit tout, tout, toutes les décisions, leurs paroles, leurs vœux, leurs déclarations, leurs serments. Nous brisons, nous détruisons, nous cassons, nous annulons, nous les enchaînons, 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 nous les enchaînons. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé, tu vas continuer. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de quelque chose de très important. Cette chose, si tu ne la traites pas, ça ne sera pas facile. Tu vas prendre la parole de Dieu. La parole de Dieu hmm, dit quelque chose. Alléluia. Si tu as ta Bible, prépare-toi. Prépare-toi. Je veux parler ici des dettes. Les dettes des familles. Les dettes du sang. Les dettes des paroles. Alléluia. Les dettes. Les dettes prenez nombre 35 verset 10 à 15 qui dit ceci Parle aux enfants d'Israël et dis-leur Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays des Canaan vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur de sang. Alléluia. Afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir corrompu devant l'Assemblée pour être jugé. Je vais entendre quelqu'un dire, Seigneur, préserve-moi des esprits vengeurs de sang. Voici l'un des problèmes des chrétiens. Les esprits vengeur de sang. Pourquoi esprit vengeur de sang? Les esprits vengeurs de sang sont des entités qui réclament des dettes dans la famille. Parfois, le vengeur de sang n'ira pas sang contre sang, mais le vengeur de sang Bloque la vie de tout le monde. Enfantement, la prospérité, tout. Pourquoi? Parce que autrefois, lorsque l'évangile les, 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 n'était pas propagé partout, nos ancêtres adoraient des entités. Nos ancêtres élevaient des hôtels à des dieux. Nos ancêtres sacrifier des animaux. Et puis pour certaines familles, ce n'est même pas autrefois. Il y a des années, des mois, des temps, et peut-être que toi-même qui es là, là, tu es rentré dans une alliance de sang sans le savoir. Et maintenant, les choses ont évolué. Et on sacrifie le sang sans le savoir. Nous célébrons des fêtes. Qui pour nous semble être des fêtes de réjouissance. Mais bien aimé, ce ne sont pas des fêtes de réjouissance. Beaucoup de ces fêtes sont des fêtes de sacrifice de sang en Afrique. Vous n'allez jamais voir l'Africain fêter janvier sans tuer poulet. Vous n'allez jamais voir l'Africain fêter ses fêtes, de tradition, ses fêtes traditionnelles sans tuer mouton. Vous n'allez jamais voir le musulman. Faites sans tuer et versez le sang. Donc, sans même le savoir, nous continuons de sacrifier le sang. D'une manière directe ou indirecte, nous sacrifions le sang. Nous renouvelons les alliances de sang. Nous participons à des cérémonies. Nous participons à des fêtes. Et beaucoup de gens n'ont jamais vu ces choses. Comme étant des sacrifices de sang, parce qu'eux, ils tuent le poulet, ils mangent le poulet, mais pourquoi est-ce que le sang devrait être forcément versé? Parce qu'il y a des entités derrière ces sacrifices de sang. Et soit l'ennemi va continuer à prendre le sang de manière indirecte. Quand tu es enceinte, tu vas tu sacrifier la grossesse. Toi, tu crois que c'est juste une grossesse que tu as enlevée? Mais c'est un sacrifice de sang que le force, les forces des ténèbres utilisent pour faire. À défaut de venir prendre quelqu'un et aller le tuer, toi, on va te faire tomber à, 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 à enceinte par accident. Et puis, bon, avec un voyou qui ne veut pas s'engager, ou bien toi, parfois, parce que tu n'es ne, tu pas prête. Alors, au lieu que les sorciers de ta famille tuent, ils vont t'utiliser pour faire un sacrifice de sang. Et sans le savoir, tu deviens meurtrier ou meurtrière. Mais... Tu ne sais pas que tes 10 000 avortements que tu as fait là, c'est un sacrifice de sang. Parce que parfois là, il y a des gens même qui... C'est un être humain. Et toi, tu ne sais pas que tu as une alliance de sang et un sang innocent qui crie contre toi. Parce que tu as supprimé une vie et tu l'as empêché de venir au monde. Le sang a coulé à cause de toi. Tu vas dire à Dieu Seigneur, je me repens. Pour le sang qui a coulé à cause de moi. Et aujourd'hui, nous avons les mains souillées à cause des avortements qu'on a fait. Et les gens ils s'en foutent là. Et ils sont à l'église, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient, ils prêchent. Bien si tu es pasteur, tu as beau prier, tu as beau faire des délivrances, parfois toi-même tu es étonné que tu délivres quelqu'un mais le démon ne part pas. Mais si le démon ne part pas là, c'est qu'il y a quelque chose qui lui donne le pouvoir. Toi-même en tant que chrétienne, tu chasses un démon. Il dit qu'il ne part pas. Tu chasses quelque chose. Tu... Mais bien aimé, ce n'est pas une question de courir derrière les pasteurs. Tu as besoin d'orientation. Tu as besoin d'éclaircissement. Tu as besoin de rentrer dans le secret des secrets pour dire à Dieu oui. J'ai parcouru ma vie. Peut-être que j'ai eu une dette de mariage. Oui Seigneur. Si c'est cette dette de mariage qui fait que je n'arrive pas à me, à, me, à me marier, Seigneur, dis-le-moi. Et aussi, il y a des gens qui ont des dettes de mariage. Même si tu es parti sans le savoir, c'est une dette de mariage. Tu as promis à cette femme que tu allais la marier. Ce monsieur-là t'a demandé, veux-tu me marier? Veux-tu être mon épouse? Veux-tu être ma fiancée? Tu as dit oui. Mais un jour, tu as tourné le doigt à ça. Sans briser la dette. Donc la réclamation de ton mariage, ce n'est pas forcément une réclamation qui vient des esprits familiers, mais c'est une dette de mariage qui est en train de te briser. C'est une dette de mariage. Tu as ouvert ta bouche, tu as dit à ce monsieur, tu veux être sa femme. Tu as dit à cette fille, je vais faire de toi ma femme. Alors, les esprits vengeurs qui punissent les paroles non accomplies vont tenir compte de ça. Tu as promis à un homme que tu es sa femme. Tu lui as dit que de vous deux là, rien au monde ne peut vous séparer. Mais tu as une dette. Donc il y a des gens qui ont une dette du mariage, qui doivent briser, qui doivent rompre. Parce que quand c'est bon là, on dit n'importe quoi. Quand c'est bon là, on accepte n'importe quoi. Quand c'est bon là, on déclare n'importe quoi. Et après, il y en a qui vont aller même jusqu'à faire des alliances de sang et de salive. Vous allez renforcer le lien. Certaines personnes, ce n'est pas seulement que la parole. Vous êtes passé à l'acte. Et en passant à l'acte, il y a des esprits qui se transfèrent. En passant à l'acte, il y a de deux sangs qui vont se mélanger. Tu avales son sang, il avale ton sang, ou tu lui transmets son sang. À partir du moment où sa sémence et ta sémence ce sont Déjà mélangé le lien scellé. Si tu ne sais pas comment faire pour rompre ça, tu parles, ça te suit. Tu deviens instable dans tes relations à cause de quoi Une dette de mariage, un lien du sang. Mais certaines femmes ne font pas seulement que aller coucher avec les hommes. Elles ont, elles vont ouvrir la bouche pour consommer la semence de l'homme. Tu vas consommer, tu vas digérer, ça va entrer en toi. Finalement, ta vie devient instable parce que les esprits ne reconnaissent que le lien de sang et la dette de sang. Sans oublier que tu as accompagné ça avec des paroles fortes, des émotions fortes, des liens de sentiments, une, 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 une dépendance émotionnelle pendant des années, pendant des mois, pendant des jours. et L'alliance de sang n'a pas été conçu seulement qu'une fois, mais ça a été renouvelé, ça a été renforcé. Donc vous avez établi une fondation sur la base des paroles de promesses et de vœux, de liens émotionnels. Voici pourquoi certaines séparations sont douloureuses, parce que le lien est fort. Les gens peuvent même se déprimer, les gens peuvent même tomber, les gens peuvent même en mourir. Pourquoi Le lien d'âme, pour détacher les deux âmes. Il y a la douleur, il y a la souffrance, ça saigne spirituellement, une dette de mariage. Et lorsque tu ne sais pas comment faire pour nettoyer ta vie. Seigneur, j'ai promis à tel homme qu'on va se marier, mais la relation n'a pas marché. J'ai retiré ma... et j'ai détruit cette dette de mariage. Tu lui dis, je n'ai plus de dette envers toi. On avait promis qu'on allait se marier. Je me rends compte que ça n'a pas fonctionné. Alors, je retire ma parole, je brise le lien, je casse le lien, je détruis et je vais bâtir une nouvelle. Et j'ouvre ma porte à une nouvelle personne. C'est comme ça on fait. Mais aujourd'hui, les gens lancent n'importe quoi dans leur vie. Je vous dis la vérité. Ils promettent n'importe quoi. Il y a des femmes qui n'ont pas seulement qu'une de mariage, il y a des hommes que une dette de mariage, ils en ont plein, parce que toutes les 115 000 femmes avec qui tu as couché, tu leur as promis le mariage. Tous les hommes avec qui tu as couché t'ont demandé en mariage, et tu as donné ta parole. Mais le problème avec les liens, si tu ne les brises pas. Ils te suivent pendant très longtemps. Tu vas dire à Dieu Seigneur, par le sang de Jésus, je brise toute dette de mariage dans le passé, toute dette qui te fatigue, bien-aimé, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour toi que je donne cette prière. J'aurais aimé que tu sois tellement concentré, que tu aies ton stylo pour noter. Parce que vous ne savez pas ce qui vous freine. Vous ne savez pas pourquoi vous avez... Bien-aimé, je vais faire comprendre aux gens. Que ce n'est pas une question de prophétie. Tu peux donner une prophétie à quelqu'un qui a tellement d'esprit, de problème, que cette prophétie ne s'accomplit pas. Parce qu'il y a des dettes de, de mariage, des dettes d'argent, des dettes de parole, des nombreuses dettes ancestraux sur le plan spirituel. Et si tu n'as pas brisé ce lien, ça te fatigue. Donc il y a des gens qui doivent dire non. J'ai promis à temps, j'ai promis à temps, j'ai promis à temps. Aujourd'hui, devant Dieu, je me désengage, je me désengage. Tu romps le lien, tu brises la dette, tu, tu appelles le nom du monsieur. Je t'avais déclaré, madame, je t'avais déclaré. Et aujourd'hui, je retire ma parole. Tu seras étonné. Tu seras étonné que tu n'es plus avec la personne. Mais le diable utilise son visage pour venir coucher avec toi à cause de ta dette de mariage. Et la parole de Dieu dit que si tu es tombé au pouvoir de ton prochain selon le livre des Proverbes, tu dois faire des instances et révoquer ce qui est sorti de ta bouche. Est-ce que nous avions révoqué ce qui est sorti de notre bouche Non. Donc, bien aimé, tu dois révoquer, tu dois détruire, tu dois annuler toutes ces paroles parce qu'elles te ralentissent, elles t'influencent et elles te bloquent. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, toute dette de mariage que j'ai avec qui que ce soit, soit brisée. Des dettes de mariage dans ton enfance. Bien aimé, je suis venu parler des choses que Dieu m'a révélées parce que certains d'entre vous, là, vous allez aller déformer mon message. Avant d'aller déformer, déformer, prenez le temps d'écouter, pardonnez. Avant d'aller déformer, prenez le temps d'écouter. Tu vas dire à Dieu, toute dette que tu as dans le passé, qui te fatigue, sois brisée. Frère, je vous dis la vérité, les pasteurs ont prié jusqu'à ce qu'ils soient même étonnés. Certains disent, mais on a prié pour elle. L'autre dit, mais on a prié pour elle, bien aimé. C'est une question de fondation. Tu es quitté au pour arriver ici. C'est ça la vérité. Tu es quitté ou faut arriver ici. Tu vas dire à Dieu que tu détruis toute dette de mariage spirituel, toute dette de mariage dans le passé. Tu détruis tout. Tu brises et tu annules. Tu brises et tu détruis tout ce qui a été établi. Les liens, les chaînes, les paroles et les cordes. Tu vas dire à Dieu que je les coupe par le sang de Jésus. Jise, dis avec mon Seigneur, je brise ces liens, ces liens néfastes, ces liens sataniques, ces liens négatifs, je les détruis, je les casse, je les détruis, je les casse, je les, casse, je les supprime. Tous ces liens ayant été établis, je les brise, je les casse, je les détruis. Toute dette du passé, toute dette des famille, toute dette dans ma famille, toute dette dans la maison de mon Je brise, je casse, j'annule toutes les dettes, toutes les dettes qui me combattent. Je les détruis, toutes dettes, toutes dettes, toutes dettes, toute dette, je les brise par le sang de Jésus et je chasse l'esprit vengeur du sang. Au nom de Jésus. Amen. père, mais ici, aujourd'hui, je voudrais que tu apprennes beaucoup de choses. Je voudrais que tu découvres beaucoup de choses. Parce que, bien aimé, s'il n'y a pas de révélation, tu vas être découragé de prier. Tu vas être même épuisé de prier. Parce que, bien aimé, tant qu'il n'y a pas de révélation, pour que tu puisses bien cibler le problème, tu vas prier jusqu'à ce que tu vas être fatigué. Tu vas même te décourager. Tu vas même croire que c'est parce que tu n'as pas la foi. Ça veut dire que tu seras même surpris et étonné. Mais c'est à cause d'une dette qui te suit. Ce n'est rien d'autre qu'une dette qui est en train de te suivre. Une grosse dette qui te suit. Une dette mystique qui te suit. Une dette qui est en train de te suivre. Il n'y a rien d'autre, bien-aimé. C'est la dette là qui te suit qui est là. Tu veux, tu ne veux pas là. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Mais je te dis la vérité. Voici pourquoi tu n'avances pas. Frère! L'ennemi peut prendre même le visage de ton ex, tu vas dire que c'est un mari de nuit. Mais ce mari de nuit a eu accès à ton corps. Parce que tu as dit trop de bêtises que tu n'as jamais révoquées. Tu as fait trop de promesses que tu n'as jamais révoquées. Tu as fait trop de vœux. Tu as dit trop de choses que tu n'as jamais révoquées. Alors, quand on dit des prières, vous écrivez. Allons seulement. Vous allez dire, homme de Dieu, ça n'a pas duré. Alors, qu'est-ce qui te suit, ma sœur? Qu'est-ce qui te suit? Frères et sœurs, s'il vous plaît, faites attention. Quand on vous prêche qu'à Jésus, les choses anciennes sont passées là, faites attention. Oui, en Jésus, les choses anciennes sont passées. Mais les choses que tu confesses là, c'est ça qui passe. Les choses que tu traites là, c'est ça qui passe. Je te dis la vérité. Tu es en Jésus, non? Ta vie a changé? Dis-moi, tu es en Jésus, non Ta vie avance Parce qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Il y a des liens qu'il faut délier. Il y a des paroles qu'il faut révoquer. Et il faut vivre dans la sainteté. Il faut vivre dans la bonté. Il faut vivre selon la parole de notre Dieu. Arrêtons de mal interpréter la parole de Dieu. Arrêtons de déformer la vérité. Je demande à aucun bas de cesser d'écrire. Si tu continues d'écrire. C'est que tu n'as pas envie de prier, on va te bloquer. Je te dis ça en même temps. Bien-aimé, toutes les prières, vous devez les écrire sur papier. On n'a pas dit de venir écrire prière ici sur Internet. C'est quoi? Tu es où? Frère, arrêtons de déformer la parole de Dieu. Arrêtons de mal interpréter la parole de Dieu. La parole de Dieu a des codes et des clés. Ce sont des révélations. Ce sont des proverbes. Frère, ce sont des paraboles. Donc quelqu'un m'a venu prendre ça, il s'est expliqué dans la chair de manière superficielle, mais tu es là, tu souffres et tu crois que tu marches selon la parole de Dieu, mais tu es étonné, ma sœur. Je vais entendre quelqu'un dire, Seigneur, débarrasse-moi de toute chose qui me suit. Seigneur, débarrasse-moi de toute dette qui me suit depuis des années. Seigneur, débarrasse-moi de toute dette ancestrale, de toute dette familiale, de tout crime de ma famille qui me suit. Dis-lui, Seigneur, débarrasse-moi de toute chose, de toute dette envers mes frères, envers mes sœurs, envers mes connaissances, envers mon passé. Toute dette qui me suit, toute dette qui me suit. Seigneur, débarrasse-moi de toute dette. Amen. Ma sœur, qu'est-ce qui te suit? Amen. Qu'est-ce qui te suit? Je peux te poser une question. Ce n'est pas pour t'agacer. Toi-même, là, tu as vu, non? Tu as prié jusqu'à tu, tu, tu es épuisé. Tu as prié jusqu'à tu es fatigué. Toi-même, tu le sais. Tu sais que Elogekissi n'est pas en train de te mentir ni de te gronder. Il est juste en train de prêcher la vérité. Amen. Tu sais que j'ai dit la vérité. Tu t'es toujours posé la question, mais pourquoi les démons continuent de m'attaquer Pourquoi ils continuent de... Je, je continue de subir des attaques. Tu, 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 tu as réfléchi. Tu t'es tu creusé la tête. Quel pasteur tu n'as pas vu À qui tu n'as pas expliqué les problèmes À qui tu n'as pas raconté ta vie Tu es même étonne, Tu es fatigué de... de Peut-être même qu'il y a des gens même à l'air là, tu es en train de m'écouter, mais bien aimé, la semaine prochaine, tu as rendez-vous avec un pasteur. Tu sais que j'ai dit la vérité, je n'ai pas menti. Ce n'est pas élogique ici, mais je parle de toi. Tu es assise là, actuellement là. Tu as un rendez-vous avec un pasteur la semaine prochaine. Je suis prophète de l'éternel, je te parle. Tu es là, tu es une femme, tu as un rendez-vous avec quelqu'un. Tu as un rendez-vous. Tu crois qu'en expliquant, ça va aller. Parce que toi-même, tu n'arrives plus à comprendre ta vie. Tu traînes quoi Tu transporte quoi Si tu veux... Mais tu sais que j'ai dit la vérité. Mais le... Les chrétiens, c'est qu'on avance à baissé. On cherche des solutions là -bas. Il faut savoir le pourquoi. Qu'est-ce qui qu te retarde Qu'est-ce que tu traînes avec toi Qu'est-ce que tu, tu traînes avec toi Vous savez... Nos vies ne sont pas simples, mes bien-aimés. Nos vies ne sont pas simples. Parfois, nous traînons des fardeaux invisibles. Voici pourquoi le Seigneur, notre Dieu, nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, il dit quoi? Je vous donnerai du repos. Je vais entendre quelqu'un dire, Seigneur, décharge-moi de toutes choses que je traîne sans le savoir. Dis-lui, Seigneur, décharge-moi de tout fardeau ancestral, de tout problème ancestral que je suis en train de traîner sans savoir. Seigneur Jésus, décharge-moi, arrête ma souffrance, papa. Décharge-moi de tout poids que je suis en train de tra tra transporter, même sans savoir. Seigneur, décharge-moi de toute dette que je suis même en train de transporter sans le savoir. Seigneur, décharge-moi, décharge-moi, décharge-moi de toutes choses que je suis en train de transporter sans même le savoir. Seigneur, décharge-moi de toutes choses que je suis en train de traîner sans le savoir. Seigneur, décharge-moi, Seigneur, décharge-moi de tout fardeau, de tout malheur, de toute malédiction, de tout problème. Arrête ma souffrance, Seigneur. Arrête ma souffrance, Seigneur. Arrête ma souffrance, Seigneur. Arrête ma souffrance, Seigneur. Seigneur, décharge-moi. Seigneur, décharge-moi. Seigneur, décharge-moi. Seigneur, décharge-moi. Seigneur, décharge. Décharge. Décharge-moi de la mort. Décharge-moi de la souffrance. Décharge-moi des blocages. Décharge-moi des critiques. Seigneur, décharge-moi des injures dont j'ai fait l'objet. Seigneur, décharge-moi. Seigneur, décharge-moi. Seigneur, décharge-moi. Seigneur, décharge-moi des fardeaux que je transporte. Seigneur, décharge-moi des fardeaux, des fardeaux dont l'ennemi m'a chargé. Oui, Seigneur, décharge-moi. Décharge-moi. Décharge-moi décharge de mes fardeaux. Décharge-moi de mes problèmes. Décharge-moi de mes ennuis. Décharge-moi. Seigneur, décharge-moi. Seigneur décharge, Seigneur décharge, Seigneur décharge, Seigneur décharge nous de toute dette. Seigneur décharge, 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 décharge moi de toute dette, de tout fardeau, de toute lourdeur, de toute chose qui nous retarde. Seigneur décharge, Seigneur décharge ma vie, ma famille, mes enfants, mes frères, mes sœurs. Seigneur décharge, Seigneur décharge, Seigneur décharge moi, Seigneur décharge moi de mes dettes. Seigneur décharge, Seigneur décharge, Seigneur décharge, décharge moi de tout fardeau invisible. Décharge-moi de, de tout poids invisible. Décharge-moi de, de toute occupation satanique. Seigneur, décharge. Seigneur, décharge. Seigneur, décharge. Seigneur, décharge. Seigneur, décharge. Seigneur, décharge. Je me décharge. Je me décharge. Je me décharge. De tout poids. Je me décharge. 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 Tout argent satanique. Assis sur ma vie. Dégage, 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 dégage. Tout pouvoir. assis sur mes épaules. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Dégage, 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 dégage. Au nom de Jésus. Tout pouvoir, assis sur mes épaules, assis sur mon chemin, je te leur donne, dégage, 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 dégage de ma vie, dégage, 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 dégage. Tout occupant de mon siège, je te leur donne de ma place, tout occupant de mon fauteuil, tout occupant spirituel, je te leur donne.

Bien-aimé, si vous n'avez pas envie de prier, on va parler. Marie-Joseph Fayé, si tu n'as pas envie de prier là, on va parler. Alléluia. Vous savez, la présence de Dieu est sacrée. Si vous ne respectez pas la présence de Dieu, ça ne sert à rien qu'on vienne chercher la face de Dieu. Bien-aimé, il faut que l'ennemi dégage. Il faut que l'homme fort dégage. Ces derniers temps, le Seigneur m'a fait voir des choses incroyables. Mais bien aimé, ces derniers jours, le Seigneur m'a fait voir des choses incroyables. Comment l'ennemi tend des pièges dans les rues, les fils d'araignées, les toiles d'araignées, sur le plan spirituel, hein, je ne parle pas de quelque chose de physique. Bien aimé, vous savez, si on vient sur Internet pour vous raconter nos vies, la vôtre ne changera jamais. Sauf si vous tirez des leçons de nos vies. Mais bien aimé, si on vient sur Internet, des adultes comme nous, des vieux, et parfois on accouchait à mille gars, mille go, mille, mille hommes, on a des problèmes, on est bloqué, on vient pour prier, et puis on est distrait comme des enfants à l'école des dimanche. Dieu ne nous exaucera pas. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Vous savez... De nos jours là, quand tu vas à l'église là, pardonnez-moi de le dire, parfois c'est pour aller écouter les mêmes choses qu'on te raconte là. C'est la vérité que je te dis. Il n'y a plus de prières dans les églises oh. Il n'y a plus de prières, frère. Il n'y a pas. Il y a des gens même qui sont découragés, qui veulent plus aller à l'église. Pourtant, c'est maintenant que les églises doivent se réunir dans la prière. Nous faisons tellement d'erreurs. Un serviteur de Dieu peut avoir une prophétie. Il se met en cravate et il vient s'asseoir. Ainsi parle l'éternel. Il aura la guerre dans le pays. Ainsi parle l'éternel. Mais bien aimé, Dieu ne t'a pas donné la prophétie pour que tu viennes ouvrir ta bouche pour annoncer, pour te faire passer pour des bons prophètes. J'ai dit la vérité. Dieu ne t'a pas fait quoi Il ne t'a pas révélé ça. Okay, avec ta cravate, et puis quand c'est en train d'arriver, tu dis, oh, uh -huh, je vous l'ai dit, là tu te fais passer pour un bon prophète. Tu es un, tu es un mauvais prophète. Je te le dis, si ça te choque, c'est ton problème. La raison pour laquelle notre Dieu nous révèle les choses, c'est pas qu'on vienne pour annoncer à tout le monde, c'est en train d'arriver, c'est pour qu'on mobilise les gens dans la prière. On pouvait même parfois organiser des jeûnes sur le plan national. On pouvait même décléter des vérités. Tu vois un artiste en train de mourir, tu attends qu'il meure, là tu vas dire que tu avais donné la prophétie il y a des années. Mais s'il est mort, c'est à cause de toi. Parce que tu as eu la prophétie pour intercéder pour lui, mais toi tu t'es fait passer pour un prophète à qui Dieu parle. Et tu les vois comme ça, là, ils viennent faire le malin, là. Ils sont sur Internet. Il y aura la guerre encore Côte d'Ivoire. Mais bien aimé, il y a eu la guerre, vous n'avez rien pu faire. Parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là, on n'y prend pas un garde. Prendre garde, là, c'est prendre des mesures. Prendre garde, là, c'est prendre des dispositions. Prendre garde, là, c'est faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais le Seigneur vous parle par des rêves. Vous prenez vos rêves là pour aller expliquer au pasteur. Le Seigneur vous parle par des rêves. Parfois, vous avez vu la mort de votre père. Vous avez vu la mort de vos enfants. Vous avez vu la mort. Vous êtes resté bouche fermée en train de faire autre chose. Vous étiez désintéressé. Tout comme aujourd'hui encore, beaucoup d'entre vous là, l'ennemi a commencé à travailler dans votre vie. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, ils ont commencé à vous fatiguer. Ils ont commencé à vous étouffer. Toutes les nuits, vous êtes poursuivis. Vous faites des rêves. On vous tire dessus. On vous attaque. L'ennemi est à l'œuvre et actif. Et là, vous attendez, là, quand un pasteur n'a rien à foutre de sa vie, là, vous allez partir expliquer, papa, je vais te raconter ma vie. Tout le monde a sa vie. Parce que raconter ta vie, là, ça n'a jamais changé ta vie. Tu as raconté jusqu'à ce que tu es au même endroit depuis des années. Paris, là, tu t'es promené partout. Qui ne te connaît pas Quel pasteur qui ne connaît pas ton nom Qui ne connaît pas ton histoire Même Satan est au courant. Je vous dis la vérité. Alors, tu as le numéro de tous les pasteurs. Parfois, même quand tu, quand tu appelles, tu te trompes pour dire le nom de l'autre pasteur. Et quand le pasteur t'a dit que t tu t'es trompé de numéro, tu te dis, mais toi, même tu es pasteur, non En même temps, il faut prier. L'église est devenue un bazar. La maison de Jésus-Christ est devenue un lieu de jeu. Des mamans et des papas qui ne savent même pas Jean c'est qui dans la Bible. <laughs> quand ils parlent, ils sont fâchés. Des mamans et des papas à l'église depuis 20 ans. Quand on te parle des gens, tu dis c'est qui Apocalypse, tu dis c'est cousin de qui Ce n'est pas cousin de quelqu'un. C'est Apocalypse. Parfois, mais on est en train de parler de Jérémie un verset 10. Tu dis, ah oui, le frère a le cousin Jérémie. Non, ce n'est pas le cousin Jérémie. On te parle de Jérémie de la Bible. L'Église est devenue du n'importe quoi. Je vous dis la vérité. Des mamans et des papas qui ont fini les gars de leur quartier, tu viens t'asseoir, on dit, prions, tu écris. Une vieille femme comme toi, tu écris. Et les enfants sont attentionnés. Quand on va parler, ils sont fâchés. Je vous dis la vérité. Tu leur dis, hé, hey, grâce, ferme les yeux, donne-moi trois versets bibliques. Elle m'a commencé à dire, papa, tu dis quoi, quel verset biblique Il y en a même qui ont tellement foutaise. Parfois, ils soulèvent leur téléphone pour dire, pasteur, est-ce que tu peux m'envoyer des versets bibliques de Protection divine maximale. Tu te fous de qui? Pasteur, euh, j'ai un verset là. Je ne sais pas ce qui a écrit. C'est Jean ou c'est Paul ou c'est qui? Il faut m'envoyer ça. C'est devenu comme un jeu. On se fout des pasteurs. Ils n'ont plus rien à foutre de leur temps. Bon, comme nous aussi, on essaierait de 10 000 d'offrandes. d'en faire comment? Là maintenant. Le fidèle est couché là-bas, ses deux petits pieds croisés sur sa table, elle les écoute en train de regarder qui a bombardé qui. Et après, quand ils veulent dormir, non, pasteur, attention, pasteur, il faut que tu pries un peu pour moi. là. Tu sais, deux jours, là, j'ai fait des mauvais rêves. L'église de Jésus-Christ est devenue du n'importe quoi. Quand tu vas dire la vérité, ils sont fâchés, ils vont dire, non, 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 non. Moi, je ne peux pas donner ma dîme à un pasteur qui, 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 savonne, qui savonne les gens comme ça. Non, je ne peux pas donner mon offrande à un passeport de logique J'ai quitté, à m'envoyer plus ses prières. Mais puis après, la même personne est connectée. Hé, hey, homme de Dieu, vraiment, on m'a envoyé ton numéro. C'est ma cousine qui dit de t'appeler. Il faut dire à ta cousine de prier pour toi. Frère, Dieu est dans sa parole. Dieu répond à sa parole. Ma soeur, le dimanche, là, c'est fond d'étain que tu mets. Tu ne vas jamais intercéder pour que le Seigneur touche ton cas. Tu mets fond teint et tu arrives en retard un chewing-gum dans ta bouche et parfois critique aussi dans ta bouche c'est avant d'entrer à l'église que tu te tues sinon avant que tu arrives à l'église tu étais en train de démonter cousin de quelqu'un donc les gens n'ont même plus peur de Dieu ils n'ont même plus peur honte, ça veut dire que tu t'en vas même à l'église avec affaire de quelqu'un dans ta bouche donc arrivé devant l'église là tu te souviens que tu partais à l'église tu t'étais maintenant Dieu t'a vu. J'ai dit, Dieu t'a vu. Frère, c'est devenu terrible. Ce n'est pas pour rien que vos prières ne marchent plus. <laughs> Ce n'est pas pour rien que vos prières ne marchent plus. Vous oubliez que dimanche matin, on ne fait pas rattrapage, mon ami. Ton affaire de. Comment on appelle ça même Truc que, truc que les gens font à 5 h du matin, là. rattrapage. Non Dimanche matin, il faut dire à ton gars, il n'en a qu'à te laisser. Dis à ton mari, hey, je vais à l'église. Tu es parti à l'église pour aller dormir là-bas, ça va t'étonner. Tu marches matin, tu es obligé de te réveiller à 5h du matin, tu commandes le matin, mais toi, tu es en train de faire sport. Oh. Sport, le matin. Et en plus, tu arrives à l'église en retard. Aïe! C'est pas pour rien. Tout le monde est en train de chasser Satan. Toi, tu es en train de dormir, bouche ouverte. On se prépare pour aller dans la présence de Dieu. On ne se met pas n'importe comment. Aïe. Après, ils vont dire non, qu'ils vont toujours à l'église. Ils vont toujours à l'église. Quelle église? Tu vas dans quelles conditions? Non, homme de Dieu, j'ai pris. Tu pris dans quelles conditions? Il y a la condition aussi qui compte. C'est quoi ces bêtises-là qu'on voit de nos jours, là même là Les gens, ils ne se soucient même pas du fait que, hé, hey, tu t'en vas à l'église. Reste tranquille. <laughs> ah, on s'en va dans la présence de Dieu. On ne parle pas de quoi Dieu, on ne parle pas de Seydou. Non, laissez Ahmed tranquille. Ahmed, non, laissez-le tranquille. Tu te mets dans les conditions. Depuis samedi soir, déjà, tu commences à te répandre. Seigneur, pardonne-moi, j'ai parlé mal à mon mari hier. Faut pas ça bloquer mes prières. Tu te sanctifies. Et pendant ce temps, tu repasses tes habits. Et puis en même temps, la dîme que tu vas envoyer, l'eau, j'ai qu'ici, là, tu commences à intercéder. Tu dis, non, ça, rien, ça, c'est l'offrande de l'eau, j'ai qu'ici. Le dimanche, je ne paye jamais mon offrande. Je ne sais pas pourquoi, mais on prie, mais tu vois, mais on ne donne rien. Oh, voilà, tu dis, Nom de Dieu, ça, c'est pour lui. Seigneur, touche le cœur de l'eau, j'ai voilà, tu lui mets une parole comme ça dans sa bouche, il n'a qu'à me donner une révélation. C'est comme ça on fait. Mais toi là, c'est pour aller faire pose de faux cils. Pose de faux ongles. C'est tout, tout, tout ce que tu sais faire là qui est là. Faux cils, faux ongles, tu. Et après avoir dessiné des nouveaux de nouveau quoi cils ou quoi là, d'avoir tout rasé, redessiné comme Dieu ne s'est pas dessiné là. Après avoir rasé, dessiné pour dire à Dieu, tu vois, il a été montré comment on pose les cils. Là, tu dessines comme ça. En plus, c'est même pas droit. Et après, tu arrives à l'église, en plus en train de manger chewing-gum. Hey. Donc, vraiment, quand vous voyez les chrétiens comme ça, ce n'est pas pour rien. Dieu même les a laissés dans leur situation. Bien-aimé, tu vois ça comme ça, il ne faut pas les mettre en bouche dedans. Tu vois ça comme ça là. Faut pas aller mettre ta bouche dedans. C'est pas pour rien. Dieu même a laissé comme ça. Faut pas aller faire intercession. Tu vas prendre problème. <laughs> Aïe. Oh. Donc, faut pas aller faire intercession. Tu es allé ramasser problème. C'est Dieu lui-même qui est derrière. Faut dire ça, laisser. On se connaît. tiens, t'es tu Ça fait longtemps que prêche, repentance, tu prêches répentance. Tu t'en fous. Ça fait longtemps que tu prêches dépouillement. Tu t'en fous. Tout ce que tu sais là, c'est gasoil. Ça fait longtemps qu'il faut arrêter tes papatouillas, tu t'en fous. Ça fait longtemps qu'il faut arrêter tes caméras, tu t'en fous. Ça fait longtemps qu'il faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter, tu sais de quoi je parle, faut arrêter, tu t'en fous. Et après, mon bien, s'assoit. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. <laughs> comme s'ils sont convertis. Je vous dis la vérité. Comme s'ils sont convertis. L'église de Jésus est remplie de chrétiens convertis. Je vous dis la vérité. L'église est remplie de chrétiens paresseux. Et de chrétiens qui ont vraiment des problèmes. Je vous dis la vérité. Si aujourd'hui là, tu m'entends là, pardon, et puis tu te retrouves dedans là, s'il te plaît, pour une première fois de ta vie, je te dis pardon, faut changer, ok? Je vais faire quelque chose avec toi, ok? Aujourd'hui là, je vais faire quelque chose avec toi. Après le programme là, tu vas faire, tu vas prendre rendez-vous, rendez-vous, c'est pour cinq minutes, c'est pas pour venir me raconter ta vie. Tu vas prendre rendez-vous sur Océan des Grâces. Pardon, il faut écouter. Passez-vous les Africains là. Pour <laughs> transformer tout ce qu'on dit. J'ai dit, sur Océan des Grâces, ce n'est pas sur WhatsApp. J'ai dit, tu as compris. Sur Océan des Grâces, mon ami, tu as entendu. Quand tu vas là-bas là, tu cliques, il ne faut pas faire ignorer. Il ne faut pas cliquer sur ignorer. Il faut cliquer mon ami faire offrande là. Quand tu prends rendez-vous là, tu cliques sur rendez-vous, non? Et puis en bas, là, il <laughs> y a un petit bouton. Fais offrande pour payer connexion, là. Moi, je t'attends. Jeudi. Jeudi, là. Jeudi, oh, jeudi, là. Je vais aller voir tous les bons rendez-vous, là. On va valider. Et puis tu vas m'expliquer c'est quoi ton problème. Vous voyez? L'église est remplie de chrétiens instables. L'église est remplie de chrétiens paresseux. L'église est remplie de chrétiens qui n'aiment pas lire leur Bible. Frère, l'église est remplie de chrétiens vagabonds. L'église est remplie de chrétiens nomades. L'église est remplie de chrétiens qui sont en palabre à Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a des gens là, là, là. Ce n'est pas Satan qui les énerve. Ce n'est ni les sorciers de leur famille. Eux seulement là. Ils en veulent à une seule personne. C'est Dieu qui les énerve. Parce que, dans leur ignorance, ils croient que c'est Dieu qui a la base de leurs problèmes. Alors, c'est Dieu qu'ils blâment. Je vous dis la vérité. Donc, il y a des gens où ils sont là. Leur problème là, c'est Dieu. Mon ami, quand tu parles à ton mari là, tu n'as pas, pas l'impression qu'il a un problème avec Dieu. Quand tu parles à ton cousin là, quand tu parles à tes copines là, j'ai dit oh, tu n'as pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec Dieu. Dieu lui-même, il n'a pas de problème avec eux parce que c'est le bon Dieu. Je vous dis la vérité. Allez là, il y a des gens, il faut leur parler des Bibles, tu vas voir. De toute façon, ils vont te gifler là, ça va t'étonner. Il y a des gens qui ont un sérieux problème avec Dieu. Vrai ou faux? Tu as un sérieux problème avec Dieu. Dieu ne leur a rien fait de mal. Il est le bon Dieu. Mais mon ami, il faut les regarder. Parle-leur de Dieu. Il y a des femmes même là. Quand elles commencent à prier, c'est le monsieur commence à augmenter le volume. <laughs> il commence à augmenter le volume. Quand tu mets Eloge, qui s'il lui aussi, il met pour lui. Donc il y a des femmes qui sont dans des maisons. Ton pasteur a son mari. Ou bien il a son prophète, ton, ton mari a son mari son prophète. Toi aussi tu as ici. Ça dit que dès que tu mets l'eau, j'ai quitté lui aussi, il met son pasteur. Donc il y a des gens qui sont dans des familles <laughs> pour ne pas dire déséquilibrées, des relations déséquilibrées, des mariages déséquilibrés. Aïe, oh terrible hein. Donc on est on est dans quel monde au juste? On est dans quel monde Le gars, il a Calébas en bas de son lit. Il a son fétiche. Il a ses bagues. Il a ses potions. Mais il faut partir lui parler de Dieu. Tu vois, voici, il n'a pas de problème avec Dieu. Peut-être même que là où tu es là-même, là, toi-même qui m'écoutes là, tu as problème avec Dieu. Je te dis la vérité. Combien de fois tu as allé menacer Dieu <laughs> Combien de fois tu as donné des ultimatums à Dieu Tu lui as promis que s'il ne te bénit pas, tu retournes dans le monde. Combien de fois tu as menacé Dieu? Combien de fois tu as intimidé Dieu? Combien de fois tu as donné un délai à Dieu? Quand c'est arrivé, tu as repoussé. Ça dit qu'on ne comprend pas que c'est Dieu. Il s'agit de Dieu, ton Créateur. Et tu te comportes comme ça avec lui. Tu crois que quoi? Tu te prends pour Guy. Donc, les gens ne comprennent pas. Ils sont dans quelle situation? Et que là où ils sont là, s'il y a quelqu'un qui puisse les aider, c'est Dieu. Donc le seul là qui est capable de te délivrer, c'est Dieu. Le seul qui est capable de transformer ta vie, c'est Jésus. Donc Jésus n'est pas à la base de tes problèmes. Quand tu allais faire tes conneries là, Jésus ne t'a pas accompagné. J'ai dit, quand tu sortais à Seydou, quand tu donnais ton corps à Fousséni, quand tu étais allé chez Kwadio, chez Moussa, chez tout le monde, j'ai dit, Dieu ne t'a pas accompagné. C'est toi-même. Quand tu remuais ta tête là, on dirait que ça a quitté là. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a forcé. C'est toi-même qui as pris tes deux petits pieds, tu allais te mettre dans le problème. Alors, soit tu fais doucement et puis Dieu va t'aider à sortir de tes problèmes, ou bien bon, tu es en palabre avec Dieu et puis tout est gâté. C'est ça qui est la vérité. Parce que Dieu n'est pas à la base de nos malheurs. Dieu est celui qui puisse. Qui peuvent nous sortir de nos problèmes. Alors, soit on laisse, Dieu, soit on laisse Dieu tranquille, soit on laisse Dieu tranquille, et puis on va chercher problème ailleurs. Ou bien on vient, on se réconcilie avec Dieu et Dieu nous bénira. Alors, si ça là vous êtes d'accord, on sera tous d'accord. Mais tant que vous voulez faire de Dieu votre problème, vous allez me trouver sur votre chemin. Ah oui, frère. Quand tu faisais tes bêtises là, Dieu t'a pas accompagné. Quand tu sortais avec ta, tu sortais avec. Si elle dit le nom d'une femme, elle va croire que c'est d'elle que je parle. Non, c'est pas de toi que je parle. Parce que quand je parle de Seydou, de Zoumana, Moussa là, vous riez, non. Donc, le gars, il est là, il a une qui s'appelle Jeannette, l'autre qui s'appelle Séramine, l'autre qui s'appelle ceci, l'autre qui s'appelle cela, mon ami. Quand tu faisais tout ça là, là Jésus n'était pas ton compagnon. Il te dit la vérité. Jésus t'a pas accompagné. Donc, soit tu viens, tu fais doucement avec Jésus, tu lui laisses le temps de réfléchir à ton cas. Parce que vous là, pardonnez-moi de le dire, on va prier tout à l'heure si vous êtes sage. Moi, je ne comprends pas. Tu as pris ton temps, tu as fait tes conneries, tu as fait parfois même 10 ans dedans, 20 ans dans le concubinage. Jésus ne t'a pas mis pression pour sortir de là. <laughs> Il t'a laissé le temps. C'est la vérité. Quand tu faisais tes bêtises, là, tu dormais parfois même sans prier. là. Jésus ne t'a pas mis pression. Lui, Jésus, quand il vient là, il frappe à la porte. Il dit Jésus est occupé, il s'en va. <laughs> C'est ça la vérité. Il vient, il fait coco, mon ami. Tu dis Non, je, je suis occupé. Il se retire doucement. Lui-même, il a dit dans sa parole Je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend, et puis il l'ouvre là. Moi, je rentre, et puis je dîne avec lui. Alors, si tu dis à Jésus non, moi, Jésus allait là et pas le temps. <laughs> je suis très occupé. Occupé à Washington, occupé en Virginie, occupé en Philadelphie. Il n'y a pas de problème. Quand lui vient comme ça, il s'en va. Mais le jour où tu lui dis, Jésus, je suis prêt là, toi aussi là, sois patient. Sois patient. Oui, parce que beaucoup de chrétiens, leur impatience crée un stress n'existe pas un stress que nous inventons parce que bien aimé on ne peut pas aller plus vite que le temps que dieu veut prendre pour agir on ne peut pas courir plus vite que celui qui nous accompagne dans ce combat alors soit on veut ça très vite et on commence à se mettre la pression. Ou on regarde les autres comme si notre vie était la leur. Et on commence à se mettre la pression. Et après, on commence à sombrer dans la dépression. Et après, quand la dépression devient trop, on commence à se décourager. Il est temps de remettre les choses en place. La parole de Dieu est claire. Si nous sommes calmes et confiants, alors Dieu dit qu'il interviendra. Nous sommes trop agités. Nous sommes trop agités. Dans mes stress, Dieu ne m'a jamais parlé. Tout ce que j'entendais, c'était la voix de la raison. Dans ma peur, Dieu ne m'a jamais parlé. Tout ce que j'entends, c'était les démons qui renforçaient ma, ma peur. Dans mon découragement, Dieu ne m'a jamais parlé. Tout ce que j'entends, c'était cette voix qui me disait que tout allait mal. Dans ma douleur, Dieu ne m'avait jamais parlé. La seule chose qui me parlait. C'était cette douleur qui me dominait. Mais dans ma foi et dans ma confiance, il a dit, je suis avec toi. Parce que c'est celui qui a la foi qui est agréable à Dieu. Voici pourquoi vous ne verrez jamais Dieu lorsque vous croyez que tout est perdu d'avance. Mais vous commencez à voir Dieu lorsque votre foi vous dit que tout est possible. Parce qu'il n'y a que lorsque nous croyons qu'avec tout est possible, que rien n'est impossible à celui qui croit. Et aujourd'hui, c'est vrai le monde va mal. On nous attaque. Les attaques là, on est habitué à ça. Moi-même, si je vous dis quelle âme qu'on m'attaque là, vous allez dire, mes frères et tu fais quoi là devant nous encore? Hier nuit, l'âme qu'ils ont créée pour m'attaquer. Cette arme n'a jamais existé sur cette terre des vivants. Eux-mêmes, ils sont en ligne, ils m'écoutent, les sorciers, là. Ils savent qu'ils disent la vérité. Donc si moi, qui me mets au devant de vous, qui vous apprends à prier, et que tous les millions de démons que vous chassez à cause de moi, qui cherchent comment faire pour avoir logique ici, et on m'attaque nuit et jour, je peux tenir ferme dans la foi et espérer qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Qu'en est-il de vous qui parfois c'est un petit mari de nuit qui vous embête. Il faut que l'attitude change. Soit nous sommes des chrétiens, ou nous sommes des païens. Le chrétien, ce n'est pas parce que tu vas à l'église, c'est ton attitude. Le chrétien, ce n'est pas parce que tu es un pasteur, c'est ton attitude. Si tu ne peux être l'incarnation de Jésus, si tu ne peux être l'incarnation du Saint-Esprit, alors tu n'es pas encore un chrétien parce que tu n'as pas l'Esprit en toi. Je ne sais pas à qui je parle. Tout le mal que tu vois là, ce n'est pas le Seigneur qui est en train de te dire que ta vie va mal. C'est le diable. Le Seigneur ne viendra jamais porter ton attention sur ta douleur. Le Seigneur ne viendra jamais porter ton attention sur tes incapacités. Le Seigneur ne viendra jamais porter ton attention sur tes pertes. Le Seigneur ne viendra jamais porter ton attention sur tes frustrations et tes blessures. Il est capable de les guérir. Il est capable de transformer tes incapacités et de transformer ça en capacité. Il est capable de transformer tes pertes en gains. Il est capable de porter ton fardeau et de transformer ton retard en accélération. Alors, le jour que tu entendras une voix qui te parle de ton passé, de combien les gens t'ont blessé, c'est que ce n'est pas Dieu. Dieu ne viendra pas te parler de combien les gens t'ont blessé, mais du fait qu'il est prêt à te guérir. Dieu ne portera jamais ton regard sur tes humiliations que tu as subies. C'est le diable qui te les rappelle pour renforcer ta douleur. Je suis serviteur de Dieu, prophète, et je te parle avec l'esprit du prophète. Parce que le Seigneur ne s'attarde pas sur les choses anciennes. Le Seigneur ne s'attarde pas sur les frustrations. Pour le Seigneur, les choses anciennes sont passées. Et il voudrait que tu focalises ton esprit sur les choses nouvelles. Et en ce moment, ta vie devient nouvelle. Parce qu'en focalisant ton esprit, tes yeux sur des choses nouvelles, tu deviens une personne. Mais quand tu es attaché à des choses anciennes, même quand tu prétends être chrétien, tu es une vieille personne. Voici pourquoi toute ton histoire, c'est ce qu'on t'a fait. Toute ton histoire, ce sont les frustrations. Toute ton histoire, ce sont les blessures. Toute ton histoire, c'est ce que tu as eu dans le passé. Toute ton histoire, c'est le travail que tu avais dans le passé. Toute ton histoire. Mais le chrétien regarde l'avenir. Parce que les choses anciennes n'existant plus, il ne les voit pas. Les choses anciennes n'existant plus, ça ne l'impacte plus. Il ne voit que l'avenir. Et tout ce qui est désormais possible avec Jésus, les choses sont siennes, sont passées. L'influence démoniaque est telle que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre ce que Dieu dit et ce que le diable utilise. Il y a des femmes qui vivent en esprit dans le passé. Il y a des hommes qui vivent dans le passé et qui n'arrivent pas à se départir de ce manteau de désolation, de ce manteau de frustration, de ce manteau d'échec. Leur vie passée les a tellement impactés que leur nouvelle vie tarde à siéger. Or, oh, il faut qu'un quitte pour que l'autre s'installe. Les choses anciennes doivent passer. Parfois, c'est notre attitude qui nous retarde. Beaucoup de chrétiens sont restés coincés dans le passé. Beaucoup d'hommes sont restés coincés dans le passé. Toute ton histoire est faite du passé. Toutes tes conversations, faites du passé. Toutes tes réflexions, faites du passé. Alors, où sont les nouvelles choses que tu prétends avoir? Il y a des gens qui ont quitté le passé, mais le passé ne pas, les a pas quittés. Ce passé est en permanence en train de résonner dans leur tête, jusqu'à ce qu'ils soient libres de l'esclavage. Ce sont des gens qui sont esclaves de tout ce qui leur est arrivé dans la vie et qui doivent se détacher pour entrer dans la nouvelle destinée. Vous devez maintenant divorcer avec le passé. Parce qu'il y a une nouvelle alliance qui vous attend. L'alliance du nouveau départ. Beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas encore pris des décisions et des résolutions. Or, oh, la parole de notre Dieu dit À tes résolutions répondra le succès. Il est temps d'épouser l'avenir. Il est temps de dire Que la lumière soit, que le bonheur soit. Il est temps de dire Le malheur ne sera plus. Il dit La souffrance ne sera plus la désolation ne sera plus parce que ce que tu répètes c'est ce qui se manifeste parce que ce que tu répètes émane de tes pensées et si tes pensées sont renouvelées alors c'est sûr que tu voudras de nouvelles choses qui vont avancer il est temps que la lumière soit dans ton esprit trop de blessures du passé dans l'esprit trop de frustrations du passé dans l'esprit Trop de malheur du passé dans l'esprit assombrit l'esprit. Et tant que la lumière n'est pas, le passé reste et résonne dans l'esprit et définit nos conversations et autres. Or, lorsque la lumière paraîtra dans notre esprit, nous redevenons une nouvelle personne. C'est l'esprit qui doit renaître pour être sauvé. Voici pourquoi la parole de Dieu dit Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne verra jamais le royaume des cieux. C'est l'esprit qui doit être transformé. Je vais entendre quelqu'un dire "Seigneur, délivre-moi de ma souffrance." Un loge qui ici a dû divorcer avec le loge l'enfant qui était en lui. Un loge qui ici a dû divorcer avec les blessures du passé. Un loge qui ici a dû divorcer avec les frustrations et les trahisons du passé. Pourquoi L'avenir est tellement glorieux. Que ce n'est pas nécessaire de m'accrocher aux petites choses que les hommes m'ont refusées. Voici pourquoi, vous allez voir, beaucoup de chrétiens prétendant être nés de nouveau ont une vie médiocre. Parce que l'esprit n'a pas été renouvelé, l'intelligence n'a pas été renouvelée. Parfois, ce sont les esprits qui changent, parfois, c'est la localité qui change, mais la même mentalité demeure. Or, oh, vous ne pouvez jamais changer de mentalité si ce que vous lisez ne change pas, si ce que vous prenez chaque jour ne change pas, si ce que vous voyez chaque jour ne change pas. Pour que le Seigneur change ma vie, il a fallu apprendre à revivre. Et cette vie que je menais devait correspondre à ma destinée. Sans quoi? Comme nous le savons, la parole de Dieu dit qu'on ne peut pas faire des vêtements avec l'ancien tissu. On ne peut pas aussi mélanger l'ancien vin au nouveau vin. C'est tellement paradoxal de vivre euh, 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 dans le passé et de vouloir que Dieu nous donne une nouvelle vie. Pourtant, il nous a dit que si nous voulons devenir de nouvelles personnalités, il faut tout effacer pour tout écrire. Tu dois tout effacer pour tout écrire. Frère. Le nom qu'on m'appelait avant n'est plus. Avant, on m'appelait coiffeur, photographe. Mais un jour, j'ai constaté que tout cela n'était qu'une étape de ma vie. Mais une étape de ta vie, toi aussi, ne peut pas devenir toute la réalité de ta vie. Il faut que l'esprit grandisse. Il faut que l'esprit grandisse. Frère, faites très attention. Je vous donne un message très important. Ce à quoi vous vous êtes collé pendant longtemps risque de vous empêcher d'entrer dans ce qui vous appelle si vous ne vous efforcez pas de changer de personnalité. Ce à quoi vous vous êtes collé pendant longtemps, ce que vous avez subi pendant longtemps, ce que vous aviez vécu pendant longtemps, ce que vous aviez fait pendant longtemps, est la vraie barrière à franchir pour commencer cette nouvelle vie. Et certains n'arrivent pas à se départir du passé. Je vais te poser la question qu'est-ce que tu es en train de traîner avec toi, ma sœur vous savez que les sorciers combattent les gens. Mais les sorciers sont rusés. J'ai pris le temps de les étudier. Et le sorcier, il t'envoûte. Lui, il travaille sur ton âme et ton esprit. À l'aide de ton nom et des images qu'il va avoir de toi. Il travaille. Il parle contre toi. Il te donne des ordres. Et à un moment donné. S'ils veulent te détourner de ta destinée, ils vont te distraire. Ils vont introduire des choses dans ta vie. Mais en réalité, toi, tu es en train de prier pour sortir de la pauvreté. Mais tu vas te remar tu vas remarquer qu'en en fait, on ne sort pas de la pauvreté. On ne sort jamais de la pauvreté pour sortir de la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est un nom. La pauvreté, c'est la conséquence d'une attitude. La pauvreté, c'est la conséquence d'une mauvaise gestion. La pauvreté, c'est la conséquence d'un mauvais choix de métier. La pauvreté, c'est la conséquence de se retrouver dans un mauvais quartier. La pauvreté, c'est la conséquence d'avoir mal choisi son métier. La pauvreté, c'est la conséquence d'une mauvaise euh, 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 gestion. La pauvreté, c'est la conséquence d'une mauvaise planification de son métier. N'est-ce pas Et la vraie cause de la pauvreté, c'est tout ce que je viens de citer. Alors, tu vas prier pour devenir riche pendant mille ans, mais tu ne deviendras jamais riche. Mais lorsque tu sauras que, en fait, pour sortir de la pauvreté, je n'ai pas besoin de prier pour que Dieu me donne des millions, parce que c'est le travail que Dieu bénit, alors je ferai quoi, Seigneur Donne-moi une idée qui coûte des millions. Une fois cette idée est réalisée, je deviens milliardaire. Venez que je vous enseigne les secrets de la Bible. Je vous dis la vérité, Seigneur, donne-moi une idée qui coûte des millions. Une idée très chère, une idée de valeur, une idée que tout le monde courra pour venir chercher. Une idée. Rends-moi créatif. Rends-moi intelligent. Aide-moi à utiliser mes dons. Et alors, le monde entier sera à mes Pierre, voici le secret de la richesse. Voici le secret de la richesse. Une bonne idée. Une bonne idée. Résoudre le problème des gens. Être en mesure de résoudre le problème, être indispensable, devenir une personne de valeur. Et je te garantis tout le monde viendra dans ton salon parce que tu as de la créativité. Tout le monde viendra dans ton magasin parce qu'on trouve chez toi ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Tout le monde te cherchera pour t'engager. Et tout le monde va te proposer. Un jeune Français vient d'arriver au Canada il y a quelques semaines. Arrivé seulement là, il y a huit offres d'emploi. Ce n'est pas on qui dit, c'est une réalité. Va sur Internet, tu vas voir. Huit offres d'emploi. Telle compagnie vient dire, nous, on te paie tel. Et il est même à mesure de proposer son salaire. Toi, tu vas proposer ton salaire, ils vont te virer le même jour. Ils vont te dire, ma soeur, le seul poste qu'on a là, c'est pour balayage. À cause de quoi? La valeur personnelle. Beaucoup de chrétiens ne savent pas où il faut mettre le spirituel et le professionnel. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour rien, les Africains sont pauvres, malgré qu'ils sont à l'église. Fait. l'église ne rend personne riche. La prière ne rend personne riche. Mais c'est le travail béni de Dieu qui rend riche. On a vu combien les Samsung ont créé des grosses villes. On a vu la ville de Facebook, je ne sais pas si c'est en Californie ou où. Ce sont des idées qui les ont rendues riches. Mais vous, les Africains, les gens vous aveuglent. Frère! Même le mariage est une conséquence du fait de se retrouver avec la bonne personne. Même le mariage est une conséquence du fait de se retrouver dans la, dans quoi? Dans la bonne circonstance. Même le mariage est une conséquence du fait de, 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 de faire exactement ce que Dieu veut. Sinon, tu peux tourner entre les bras de tous les hommes qui vont coucher avec toi, mais tu n'as pas rencontré la bonne personne, tu ne t'es pas retrouvé dans la circonstance prévue à l'effet ton, pour, pour ton mariage. Donc il y a une direction divine, il y a une connexion divine, il y a une manifestation divine et aussi il y a le discernement du temps. Beaucoup de chrétiens ne discernent pas le temps. Dis à quelqu'un, Seigneur, aide-moi à discerner le temps. Il y a des moments où les femmes, les hommes doivent tout simplement être en train d'intercéder. Oh Seigneur, je sens que deux jours-là, quelque chose est en train d'arriver. De toute façon, je vois les attaques. T façon je vois les choses. De toute façon, je fais des rêves. Quand c'est comme ça, tu vas dans ton coin. Tu es dans un jeûne et prière. Parce que il y a des événements, des signes, des choses qui t'ont montré que mm, 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 tu n'es pas dans une période normale. Tu es dans une période favorable. Les attaques te les montrent. Les rêves te les montrent, les choses te les montrent. Parfois, même l'atmosphère à la maison, les disputes et autres, quelque chose t'alerte que tu es en train d'entrer dans une saison. Pardonnez-moi de le dire. Mais ignorant qu'on est. Quand on voit tous ces signes-là. Oh, pasteur, j'ai fait un rêve. C'est pas pour ça que tu as senti. Tu as senti pour te préparer. Tu as senti pour te mettre dans le bain. Tu as senti pour entrer dans le jeûne. Tu as senti. Alors, tu vas prendre ton téléphone, aller appeler les pasteurs, leur raconter ta vie, ta vie, ta vie, ta vie, et tu vas continuer à dormir pour aller rêver. Alors que tu es dans une saison favorable. Tu es dans un temps favorable. Ça veut dire que d'autres disent Oh, ils sont en train de m'attaquer. Non! Pendant que certains sont en train de dire, ils sont en train de m'attaquer. Je fais des mauvais rêves. On m'attaque, on m'oppresse. Deux jours-là, je ne dors pas bien. Les gens qui ont le discernement et la sagesse disent j'entre dans ma destinée. J'entre dans, je dans, dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Mais il faut avoir le discernement. Pour savoir. Que quand il se passe des choses qui ne sont pas normaux, tu dois entrer dans la prière. Toutes les nuits, on t'attaque, entre dans la prière. C'est nous qui avons détruit l'Église. On a fait que vous êtes passé à côté de ce que vous attendiez depuis 10 ans. Vous êtes passé à côté de ce pourquoi vous êtes, à, vous êtes sur terre. Vous êtes passé à côté de ce que votre vie attendait. Vous êtes passé à côté de ce pourquoi vous êtes venu en Europe. Vous êtes passé. Parce que vous n'aviez pas compris comment un chrétien se comporte face aux épreuves. Parce que les épreuves ne sont pas des épreuves, mais ce sont des ruses du diable pour te détourner de la réalité, pour te voiler le visage, pour te cacher la vérité. Et alors, pendant que tu regardes l'épreuve, l'opportunité passe à côté. Il n'y a jamais d'épreuve qui viennent si ce n'est pas parce que quelque chose doit arriver avant. Je veux entendre quelqu'un dire, Seigneur, je veux discerner le, 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 le temps, je veux discerner les heures, je veux discerner les moments, je veux entrer dans le plan. Non seulement on a des alliances, des dettes qui nous fatiguent, mais nous manquons de sagesse spirituelle. Je vous le dis, depuis que je suis en train de travailler pour le livre un jour pour toucher le cœur de Dieu, je suis dépassé. Je, 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 je suis dépassé. Un peuple qui souffre gratuitement. Des chrétiennes qui souffrent gratuitement. Parce qu'ils sont mal enseignés. Ils interprètent mal la Bible. On leur explique mal la Bible. Ils cherchent la bénédiction au lieu de chercher ce qui donne la bénédiction. Ils cherchent le travail. Au lieu de demander ce qui donne le travail. Et parfois même, ils se contredisent. Ils se contredisent. Parfois, au lieu de dire Mais je vais prier pour que Dieu touche le cœur de cet employeur, Il prie pour que Dieu donne le travail. Est-ce que Dieu peut te donner un travail sans que le cœur de l'employeur ait été touché Non. Est-ce que Dieu peut te donner un mariage sans que le cœur d'un homme ait été touché? Non. Toi, on t'a envoûté pour que tous les hommes te, te fuient. Tout le monde autour de toi là a le cœur endurci contre toi. Ton problème, c'est pas parce que tu ne trouves pas d'hommes. Les hommes, il y en a. Non. Mais ton problème, c'est que tous les cœurs semblent être verrouillés et endurcis contre toi. Les gens viennent, mais les cœurs sont fermés. Ce sont les cœurs qu'ils ont fermés contre toi. Toi, ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont ordonné que tous les cœurs soient fermés pour qu'aucun homme ne s'ouvre à toi. Alors ton problème n'est pas un homme. Tu n'as pas besoin d'un homme. Vos prières bidon que vous avez fait depuis des années et puis vous êtes au même endroit là. Apprenez à changer. J'ai menti sur l'enfant de quelqu'un ou quoi Je vais le répéter. Vos prières bidon, 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 qui font que renforcer vos problèmes là. Bien aimé. Oh non, Dieu, j'ai besoin d'un homme. Tu n'as pas besoin d'un homme. Tu veux que je te répète ça encore Il s'agit de l'auge qui se qui te parle. Mon ami, tu n'as pas besoin d'un homme. Il y en a plein qui sont venus qui ne sont pas restés. Vrai ou faux À cause de vos prières bidons qui n'ont aucun sens. Oh Dieu, j'ai besoin d'un homme. Tu n'as pas besoin d'un homme. Tu as besoin de la faveur d'un homme. Tu as besoin de la compassion d'un homme. Tu as besoin que le cœur d'un homme. Oh, tu as besoin de son cœur. Tu as besoin de l'approbation d'un homme. Tu as besoin de la validation des normes. Tu as besoin de trouver faveur aux yeux de l'homme. C'est bon même. On va laisser ce côté-là. Allons seulement. <laughs> Parfois, il y a des gens, ils font des prières, même Dieu écoute jusqu'à dire qui est en train de prier. Et puis Dieu dit, mais attends, c'est pas de ça que tu as besoin, mon, mon enfant. C'est la vérité. Oh non, homme de Dieu, j'ai besoin d'un homme. Homme de Dieu, il faut prier pour que Dieu me donne un homme. Bien aimé, dans ton quartier là, il n'y a que des femmes. Dans ton quartier là, il n'y a que des femmes. Dans ton église là, il n'y a que des femmes. Dis-moi la vérité, Ouzolinga. Je dis, oh, dans ton travail, là, il n'y a que des hommes, il n'y a que des femmes. On dit la vérité. Tu vas croire que c'est de toi, je parle. Même si tu te trompes pour croire que c'est de toi, je parle, là. Ce n'est pas grave, j'accepte quand même. Je vous dis la vérité. Des prières bidons qui n'ont aucun sens. Toutes les nuits, là, les sorciers, là, quand ils viennent faire des choses sur toi, là, tu ne peux pas comprendre que ce qu'ils mettent sur toi, là, c'est pour que tout le monde te fuit. Tous les rêves sales, sales, sales que tu fais là, là. C'est pourquoi? Pour que quand quelqu'un vient auprès de toi, là, automatiquement le cœur est endurci. Donc, toi, tu n'as pas besoin d'un homme. Tu as besoin de la faveur d'homme. La faveur et la grâce des hommes. Oui, bien aimé. Il y a des serviteurs de Dieu. Parfois, ils m'appellent pour dire non, euh, homme de Dieu. Moi, je veux que tu me montres comment prier pour que mon ministère prospère. Mon ami, pardon, ce n'est pas pour t'insulter. Tu n'as pas besoin de prières pour que ton ministère prospère. J'ai dit, il n'y a pas prière qui fait prospérer le ministère. Vos prières bidons, là, vous êtes mes grands frères, mais laissez-moi vous le dire. Vos prières bidons, bidons, là, il faut les changer. Il n'y a pas prière qui fait prospérer le ministère. La prière peut protéger ton ministère, mais l'inspiration que Dieu te donne, le miracle que tu fais, fait prospérer ton ministère. Quand tu commences à guérir les gens, quand les gens commencent à être touchés, quand tu prêches un message qu'on ne peut pas trouver ailleurs, alors les gens qui viennent vont faire ta publicité. Donc tu n'as pas besoin de prières pour que le ministère prospère. Non, tu as plutôt besoin d'inspiration divine, de motivation. Tu as besoin d'être quelqu'un qui fait des miracles. Tu as besoin d'onction des miracles. Tu as besoin des signes de prodiges des miracles. Alors, ton ministère prospérera. C'est vous qui faites comme si Dieu était bête. Dieu n'est pas bête. Il sait ce qu'il fait. C'est vous qui ne comprenez pas comment ça se passe. Tu vois une jeune fille assise là. Au oh, nom de Jésus, je prie. Mon salon là, ça pas marché. Oh mon salon, oh mon salon, oh mon salon. Et après, tu es assise, tu dis, hé, hey, homme de Dieu, moi, je ne comprends pas oh. Cette semaine-là, ça n'a même pas marché. Est-ce que je peux prendre un peu de crédit de dîme là? Bon, ce, ce mois-ci-là, elle pas payé. Parce que ça ne va pas marcher. Mon ami, vos prières, bidon, bidon qui attirent problème là. Pardonnez, écoutez-moi bien. Mon ami, on ne va pas se garer dans le salon de coiffure. Satan, je t'en conjure. Tu sors de mon salon de coiffure. Que zippo zippo. Mon ami, ça ne marche pas. Vos prières bidon que vous faites, vous décevez Dieu avec là. Non, on ne prie jamais comme ça pour salon de coiffure. Au contraire, tu vas chasser tes clients. Je te dit la vérité. Je dis, oh, au contraire, tu vas chasser tes clients. Le peu que tu as là, tu vas les virer. Un beau bon matin là, ils vont venir te trouver, ça frappe à la porte, on voit quelqu'un qui va là-bas. On dit, mais attends. Qu'est-ce qu'il lui prend là-bas, ce gars là Qu'est-ce qu'il lui prend Qu'est-ce qui lui prend Le manque de sagesse fatigue les gens. Mon ami, dis à Dieu, inspire-moi un style de coiffure, inspire-moi des, id Inspire des idées de publicité, inspire-moi les idées de marketing, inspire-moi. À partir du moment où tu as les idées, alors tu auras les clients. <laughs> Amen. Aïe. Donc les chrétiens manquent de sagesse. Je ne peux insulter maman. <laughs> ah oui, c'est que je vous dis là. Si vous ne comprenez pas Dieu, vous allez faire de Dieu l'auteur de vos malheurs. Dieu n'est pas l'auteur de vos malheurs. C'est vous là qui comprenez parfois la Bible en envers. Je vous dis la vérité. Comprenez la Bible en envers. Toi, tu es assis dans ton quartier là-bas, peut-être ton mari se trouve en Chine. Et tu es en train d'intercéder matin, midi, soir. Tu es en train de jeûner quand ton ventre est parti. Non, mon ami, peut-être tu n'es pas dans ton quartier. Tu es en train de te fatiguer pour rien. Peut-être tu n'es pas dans ton église. Tu es en train de te tuer pour rien. Moi, j'aurais tout simplement aimé... Que tu dises à Dieu tout simplement, amène-moi au bon endroit. C'est tout ce que tu dois demander à Dieu. Tu es assis chez toi en train de gêner. Seigneur, mon mariage. Seigneur, mon mariage. Mais entre-temps, tu n'as pas encore compris. Aïe! En train de gêner quand ton ventre est parti. Parfois, mon te voit, on dit Mon ami, tu es malade. Non, je n'étais pas malade. je viens de taper 120 jours de jeûne. Pourquoi Pour mon mariage. Et pendant ce temps, tu, tu fais des rêves, tu ne comprends rien. Il est en Chine. <laughs> je vous dis la vérité, les gens même se tuent. Ils disent que c'est Dieu. Dieu n'est pas la base de vos malheurs. Votre problème, c'est l'ignorance. Je le dis. Pion. C'est pour ça, je vous invite. Quand ça sera prêt, là, un jour pour toucher le cœur de Dieu, là. Tu veux, tu prends, tu veux, tu prends pas, c'est ton problème. Un jour pour toucher le cœur de Dieu. Quand on va annoncer que c'est sorti, là. Faut prendre ça. Tu vas comprendre maintenant comment on prie. Vous êtes en train de vous fatiguer depuis des années. Fatigué pour rien. Et parfois même tu es assise au village. Au village. Donc les gens vont ramasser problème et puis ils accusent le bon Dieu. Le bon Dieu n'a jamais été à la base de nos malheurs. L'ignorance. Ignorance. 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 C'est l'ignorance. Alors, bien-aimé, il faut vaincre l'ignorance. Maintenant, pourquoi les gens souffrent tant Tu vas demander à Dieu de te délivrer de tes dettes. Parce que frère, certains nouveaux départs demandent un arrangement formel avec Dieu. Il y a des nouveaux départs qui sont hypothéqués. Il faut une nouvelle alliance avec Dieu. C'est la vérité. Il y a des nouveaux départs qui sont déjà faussés parce que tu as déjà menti à Dieu. Frère, on ne se lève pas un bon matin pour venir s'asseoir là. Oh oui, moi je vais prier pour un nouveau départ. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Commence d'abord par demander pardon à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Je t'ai promis que j'allais écrire un livre en 2005. Je ne l'ai pas fait. Je t'ai promis que si tu m'amenais en France, j'allais te servir. Je ne l'ai pas fait. Je t'ai promis que si je mettais mes pieds aux États-Unis, Seigneur, j'allais devenir intercesseuse. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait une promesse à telle personne, je n'ai jamais respecté. Je me suis fait telle promesse hier, yeah. je n'ai jamais respecté. J'ai bâti un hôtel, je n'ai pas honoré ma parole. J'ai été chez tel pasteur, je lui ai menti. J'ai promis à telle personne qu'on allait se marier. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, Père, j'ai un nouveau départ. Je veux une nouvelle vie. Je te demande pardon. Pour toutes ces personnes à qui j'ai menti. Pour toutes ces personnes à qui je me suis attaché par des paroles inconsciemment. Pour toutes ces personnes que j'ai blessées probablement, que j'ai abandonnées probablement, à qui j'ai menti, devant les cieux et la terre, je reconnais avoir menti. Parce que je me suis engagé, mais sans me dégager. Je me suis engagé. Il y a une chose qu'on appelle dégagement des responsabilités. Tu n'as jamais eu de dégagement de responsabilité. Nous, les auteurs, écrivains, quand moi j'envoie mes documents à la dame pour la correction, pour la mise en page, même si cette dame, je travaille avec elle depuis dix ans presque, je travaille avec elle depuis presque dix ans, je la connais, malgré ça, en bonne et due forme, elle m'enverra un document qu'on appelle dégagement des responsabilités. Beaucoup de gens ne se sont jamais dégagés de leurs responsabilités. Tu as menti à combien d'hommes Bien-aimé, moi je suis pas là pour te juger, mais je suis là pour mettre le doigt sur la raison pour laquelle tu pries, il a pas de réponse. Tu dois dire merci à Dieu pour ce message. Parce que quand tu vas quelque part, on te donne seulement prophétie sur prophétie, prophétie sur prophétie, révélation sur révélation. Mais tu n'as jamais compris pourquoi ça ne s'accomplit pas. Parce que tu as des dettes de paroles, des dettes de vœux, des dettes de mariage, des dettes d'alliance. Tu es allé bouffer salive de tous les hommes. Tu as bouffé la semence de tous les hommes. Tu t'es lié, tu t'es attaché, tu t'es verrouillé toi-même. Tu as même fait des vœux. Tu as même bâti des hôtels pour certaines relations. Tu as même fait des semences pour sceller certaines relations. Tu as même fait des vœux, tu as même donné des offrandes à des pasteurs, parfois même tu as même jeûné pendant des jours, pendant des nuits pour que rien ne brise ce mariage. Tu as jeûné, tu as demandé, tu as lié. Et tu l'as fait sérieusement. Est-ce que logique ici se trompe Tu l'as fait avec foi. Tu t'es bloqué par la foi. Sûr que ce mariage allait réussir. Sûr que cette relation allait réussir. Qu'est-ce que tu n'as pas fait Pacte de sang, tu as fait. Pacte de parole, tu as fait. Serment et vœu, tu as fait. Promesse et engagement, tu étais prêt à tout. Parfois même, tu allais même jusqu'à déclarer, je suis prêt à tout pour toi. Même mourir. Tu l'as fait. Alors, comment est-ce que tu peux céder, s'aimer autant de bazar sur ta vie Excusez-moi du thème, c'est un peu comme si tu fous la merde sur ta propre vie. Tu bloques ta vie, tu te fermes les portes. Ça dit que tu croyais que c'était la fin du monde. Alors tu t'es verrouillé les portes. Tu as dit aux autres, c'est plus possible de venir. Je me vends à telle personne gratuitement. Et puis tu crois que tu vas sortir de ces froufrous là aussi facilement Non. Y a des dettes à rompre et quand c'est un nouveau départ tu viens au devant de dieu tu lui dis tu fais un bon nettoyage vous êtes trop pressé bien aimé c'est vrai que nous tous on n'a pas trop eu la chance dans le passé hein? mais avant de refaire ma vie il y a eu un nettoyage détruit les fondations briser les paroles couper les liens alors après avoir passé toute ta vie à mentir aux hommes et à mentir aux femmes, qu'est-ce que tu fais Tu prends un bon moment de recul, un nettoyage. Tu n'as pas envie d'oublier quelque chose qui va venir s'opposer à toi. Tu n'as pas envie de négliger quelque chose que le diable va utiliser. Parfois même il va prendre le visage de vos ex copains pour venir coucher avec vous parce que vous avez une dette envers cette personne. Ça devient la porte ouverte. Combien d'entre vous femmes Continuez de coucher avec vos ex-copains en rêve. Et l'on j'ai qui s'est menti? Combien vous priez, mon mariage, mon mariage, mon mariage, mais toutes les nuits, Dieu vous montre que vous êtes encore lié à l'envie d'enfance. Toutes les nuits, Dieu vous montre que vous êtes encore lié à cette personne-là. Parfois, même c'était pour un wano. Mais vous êtes lié. Et vous vous débattez et vous croyez que c'est parce que la personne est sorcière que Dieu vous la révèle. Ce n'est pas parce qu'elle est sorcière que Dieu vous la révèle. C'est parce que vous êtes encore liés. Et que vous n'êtes pas encore déliés et vous voulez avancer. Alors, il faut détruire la dette du mariage. Il faut casser. Il faut foudroyer. Il faut détruire. Frère, le Seigneur veut que je te parle par rapport à la dette des sang, la dette des mariages. Il y a tellement de réclamations dans la vie de certaines femmes que même marier leur vie est instable. Tellement de réclamations dans la vie de certains hommes que même marier leur vie est instable. Tellement de réclamations dans la vie de certaines familles que même si tu vas t'asseoir quelque part, les esprits vont venir t'enlever de là. Il faut être fort. Alors, pour un nouveau départ, tu te réponds. Seigneur, dans le passé, j'ai promis à telle personne, en croyant que la relation allait marcher. Seigneur, dans le passé, j'ai marché avec tel ami. J'ai dit qu'on allait faire un projet. Seigneur, dans le passé, j'ai marché avec telle sœur. Dans le passé, j'ai marché avec tel frère. Dans le passé, j'ai travaillé avec telle personne. On s'est fait des promesses, on a pris des engagements, on a pris des choses. Je vais détruire le passé. Je me repens, Seigneur. Peu importe par qui le problème est arrivé, c'est pas important. Mais je me suis rendu coupable. Je me repens. Je te demande pardon. Frère, n'allez pas devant votre Dieu pour accuser quelqu'un. Le Seigneur a horreur des chrétiens, pécheurs comme moi, qui dès qu'ils se présentent devant Dieu, ah regarde tel. Bien-aimé, c'est du commérage. Dieu ne supporte pas ça. C'est du commérage. Toi-même, tu es pécheresse. Toi-même, tu es pécheur. Toi-même, tu as fait beaucoup de gaffes. Donc, quand tu viens devant Dieu là, telle a fait, telle a fait, telle a dit, telle a dit là, tu mets ça de côté. Tu plaides ta cause. Mais ne viens pas raconter à Dieu la vie des gens. Alors, tu te sérieusement tu fais ton mea culpa. Oui, telle personne a abusé de moi, mais c'est ma faute. Telle personne s'est servie de moi, mais c'est ma faute. Telle personne m'a laissé des enfants, mais c'est ma faute. Telle personne a brisé mon cœur, mais c'est ma faute. Telle personne a fait ci, mais c'est ma faute. Telle personne m'a fait ça, mais c'est ma faute. Au lieu de garder la rancune, Père, je te demande pardon. Et après, tu dis, donne-moi la force pour tourner la page. Donne-moi la force, Seigneur, pour avancer. Donne-moi la force pour que mon passé ne me retienne pas. Tu lui dis, Seigneur, donne-moi la force pour que mon passé ne soit pas un blocage. Tu lui dis, Seigneur, donne-moi la force pour que mon passé ne me retarde pas. Tu lui dis, Seigneur, donne-moi la force pour que les choses anciennes ne me retardent pas. Mais maintenant, Seigneur, je te consacre ce nouveau départ. Tu dis à Dieu je me détache de l'esprit de cette personne, je me détache de son âme, esprit, âme et corps. Je brise les liens, les liens de paroles, les dettes de paroles, les voeux, les alliances, les paroles, les promesses, les liens de sang, les liens de salive, les liens émotionnels, les liens d'affection, la dépendance. Nous les détruisons, nous les brisons, je les casse, je les détruis, je les supprime. Et tu pries pendant des jours. Tu pries. Tu fais un nettoyage à fond. Ça, c'est ce qu'on appelle cure d'âme. Tu prends les sujets un à un. Tu les détruis. Et puis, ce pas des sujets que tu, tu, tu vas effleurer. Non, non, non. Ce ne sont pas des sujets que tu peux juste prendre un peu et puis passer au... -dessus. Non. Quand on est en train de nettoyer là, on nettoie à fond. Et on doit se sentir vraiment nettoyé. Ah, tu demandes à Dieu pardon. Si j'ai menti, pardon. Il ne faut pas que quelqu'un vienne me mentir aussi. Si j'ai volé, pardon. Si j'ai commis l'adultère, Seigneur, je te demande pardon. Si j'ai touché à ce qui ne m'appartient pas, pardon. Il ne faut pas que quelqu'un va venir toucher. Tu, bien aimé, il faut que ce soit sincère. Mais très souvent, mes bien-aimés, vous avez fait quoi Tout simplement tourner dos. Vous avez tout simplement tourné d'eau. En croyant que quand on devient chrétien, c'est automatique. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Regarde-toi-même. Tes batailles ne finissent pas. Les problèmes ne finissent pas. Alors, il est très important que tu détruises ces dettes. Que tu brises ces dettes. Les dettes des paroles. Même si tu avais une dette d'argent. Envers cette personne, tu détruis tout, les vœux, casse-les, retire ta parole, détruis-les. Sans quoi ton passé risque de venir te hanter. Tu voulais faire une affaire avec un ami, l'affaire a échoué. Dis à Dieu, je voulais travailler avec cet ami, mais pour cette raison, l'affaire a échoué. Alors Seigneur, je lui avais donné ma parole, mais j'ai retiré ma parole. Tu retires ta parole devant Dieu. Si tu l'as déjà fait devant l'ami, tu le fais aussi devant Dieu. Tu lui dis, tu retires la parole. Cet ami va beau te bouder, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Parce que tu l'as fait en toute transparence. Tu as été transparent. Tu as été honnête. Tu as été sympa. Tu as été juste. Et cet ami ne pourra rien. Alors, il faut que vous sachiez comment on se détache. Vous devez déclarer des paroles pour rompre les liens. Seigneur, je m'étais donné gratuitement à telle personne il y a 20 ans. Je reprends ma vie. Seigneur, j'ai fait tel vœu, j'ai pris tel engagement. Je me repens. J'ai fait tel vœu, j'ai fait telle promesse. Je me repens. Je me suis lié à quelqu'un par la parole. Je me suis lié à quelqu'un par un vœu. Je me repens. Là maintenant, tu détruis tout. Tu détruis. Tu détruis. Et tu pries tous les jours pour rompre les liens. Et c'est ce qui fera que les portes s'ouvriront facilement à toi. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Amen. Romains 13, verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne rien à personne. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons commettre l'adultère sans le savoir. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit avoir une dette des paroles, une dette d'engagement et autres. N'a pas révoqué, qui n'a pas été annulé. Si tu vas poser une autre action, tu viens de commettre l'adultère. Voici le vrai fond de Romain. Parce que tu as déjà eu une dette envers quelqu'un d'autre. Tu t'es déjà donné à quelqu'un d'autre. Tu as déjà promis à quelqu'un d'autre. Voici le mot adultère selon la vision de Dieu. Tu as promis qu'il serait ton seul mari. Tu as promis qu'il serait la seule personne qui connaîtra ta nudité. Il y a des femmes qui ont fait ce vœu. En dehors de toi, personne d'autre ne connaîtra ma nudité. Tu as fait ce vœu. Tu as fait ce vœu. Parfois, c'était sous contrainte. Il y a des hommes qui te disent Jure-moi que tu ne coucheras avec personne d'autre. Il y a des femmes qui me quittent qui te disent Jure-moi en dehors de moi, là, tu ne connaîtras pas la nudité. Ils ont leur thème que je ne vais pas répéter ici. Je peux vous dire la vérité, parce que je n'ai pas envie que les gens viennent dire que oui, comme euh, il est grossier. Mais il faut, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Là, les gens vont se souvenir de ce qu'ils ont dit. C'est la vérité que je vous dis. Il y en a qui disent, jure moi que personne d'autre ne connaîtra ta nudité. Il y en a qui disent, jure moi que tu ne feras pas l'amour avec quelqu'un d'autre. Et pardonnez-moi du thème. Il y en a même qui vont jusqu'à dire Jure-moi que personne d'autre ne te pénétrera. Et ils font le vœu. Il dit, Je te jure, je te promets, je t'en conjure. Et ici n'est pas en train de vous mentir. Maintenant, Dieu dit Une fois que tu as fait un tel vœu, une telle déclaration, un tel engagement a été pris, que tu ne l'as pas révoqué tu ne l'as pas détruite et que tu vas te faire, pardonnez-moi du terme, pénétrer par un autre homme, sache que tu viens de commettre l'adultère parce que tu as déjà une dette envers quelqu'un d'autre. Et voici comment vous tombez dans les pièges, aveuglement. La Bible dit que si tu as promis à quelqu'un, je travaillerai seulement avec toi seul. Le jour que tu te détournes de cette parole, pour aller travailler avec quelqu'un d'autre, tu viens de commettre l'adultère. C'est la vérité que je vous dis. Parce que vous, là, vous lisez la Bible, mais vous ne la comprenez pas parfois. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit Ne devez rien à personne. Tu as fait un vœu à quelqu'un. Tu as promis quelque chose à quelqu'un que tu lui dois. Tu lui dois ton corps. Tu lui dois ta vie entière. Tu lui dois ton existence entière. C'est ce que tu as dit. Tu lui as dit qu'il sera le seul homme de ta vie. Tu lui as dit qu'elle serait la seule femme de ta vie. Tu lui as dit qu'en dehors de lui, ta vie n'est pas. Tu lui as dit qu'en dehors d'elle, ta vie n'est pas. Tu lui as dit que sans lui, tu ne peux pas vivre. Tu lui dois quelque chose. C'est un peu comme on choisit Dieu, comme étant le seul Dieu. Mais quand ça ne va pas, on va dans le maraboutage. C'est l'adultère. C'est comme on dit à un pasteur, tu seras mon père spirituel, que j'apprendrai avec toi. Mais dès que ça ne va pas, tu tournes dos. C'est l'adultère, selon le plan de Dieu. Parce que l'adultère, selon la, volonté, la vision de Dieu, c'est s'engager avec une personne et aller avec une autre personne. Peu importe que ce soit pour travailler que ce soit pour faire des choses, que ce soit pour marcher ensemble, que ce soit de manière relationnelle, c'est déjà l'adultère. Alors beaucoup de gens ne savent pas que c'est ce qui les bloque. Parce que tu dois quelque chose à quelqu'un. Et le seul moment où tu ne devras plus rien à la personne, c'est quand il y a eu ce qu'on appelle la séparation en bonne et due forme de manière conforme. Vous deux, vous étiez pauvres. Vous deux, vous étiez consentants. Vous deux, vous avez fait la paix, vous vous êtes pardonné. Vous deux, vous avez... Là, en ce moment-là, tu ne lui dois rien. Voici pourquoi quand vous retournez en arrière pour dire non, j'avais fait ci et je te pardon, la personne te dit, mais pourquoi tu reviens à ça cette affaire-là, c'est déjà fini. Moi, j'ai déjà laissé tomber. Comme quoi, tu ne me dois rien. Est-ce que pour autant, toi, tu l'as fait comme ça Non. Par exemple, c'est au téléphone que vous vous êtes dit des mots qui ne fallaient pas. Et chacun, chacun allait de son côté. En lui, toutes les... Les promesses que vous aviez faites les vœux les n'ont pas rompus ce que j'ai ce sont les séparations mal faites c'est de ça que je parle combien de femmes séparation mal faites combien d'hommes séparation mal faites que de poissons, chacun allait de son côté, mais il n'y a jamais eu de parole qui a été révoquée. On s'était promis qu'on allait faire ça, comme ça n'a pas marché, alors on ne le fera plus. On s'était engagé, on s'était lié, on s'était promis, on s'était juré. Maintenant, ça n'a pas marché, on laisse tomber. Ok, tu es d'accord, oui, je suis d'accord. Ça n'a jamais été comme ça. Alors, beaucoup de femmes, vous savez ce que je dis là, c'est exactement comme ça que ça s'est passé, de manière brute. sans nettoyage, sans révocation, sans annulation des promesses que vous vous êtes faites. Et cela devient une dette. Je vais entendre quelqu'un dire, Seigneur, délivre-moi de ma souffrance. Tu as compris maintenant la cause de ton malheur. Tu as compris maintenant pourquoi ça ne va pas. Et maintenant, tu sais que c'est la fondation qui pose problème. C'est vrai, ça l'est beaucoup. Ça l'est trop. Mais il fallait que je te l'explique. Tu avais besoin d'être orienté dans la prière. Tu avais besoin de comprendre ce qui est susceptible de te bloquer. Tu avais besoin de comprendre la vérité. Tu avais besoin qu'on te dise la vérité. Et maintenant, par des proclamations, tu vas maintenant te séparer. Tu vas maintenant briser les liens. Parce qu'effectivement, il y a des dettes de mariage dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes. Et vous devez les détruire. Sans quoi vous risquez d'être justifié et condamné par des paroles que vous aviez dites, mais qui n'ont pas été révoquées. Parce que vous les aviez dites, mais vous ne les aviez jamais respectées. Vous les aviez promises. Vous vous êtes engagés. Vous aviez fait le vœu. Vous aviez fait le serment devant les hommes parfois à huis clos. Vous avez juré, vous avez promis, mais vous n'avez pas révoqué. Vous ne vous êtes jamais, jamais répandu. Certaines mêmes ont promis de ne jamais trahir leur partenaire, mais tu as trahi ton partenaire à plusieurs reprises. Et peu importe ce que tu dis, même si tu dis Seigneur, oh oui, c'est parce que lui, il a fait ça. Le problème, c'est que Dieu juge chacun selon ses responsabilités. C'est vrai, il a fait si, il a fait ça, mais toi aussi, tu l'as fait. Si c'était lui seul qui n'avait pas tenu sa parole, Dieu le tiendra pour responsable. Parce que toi, tu n'as fait aucun effort. Mais le problème, c'est que lui n'a pas tenu ta parole. Toi aussi, tu n'as pas tenu ta parole. Vous deux, vous êtes coupables. Et c'est comme ça le diable piège les gens. Et ce secret-là, je vous le dis devant le Seigneur. L'ennemi n'a pas voulu que je vienne vous le dévoiler. Frère, je te dis la vérité. Parce que maintenant que tu sais que c'est ce sur quoi l'ennemi s'appuie pour te bloquer là, là maintenant tu sais comment faire pour aller traiter tes dossiers en, en secret. Je vous dis la vérité. Maintenant que tu connais, tu dis, ah oh, oui, c'est vrai. Quand tu étais avec Fuseni, là, c'est vrai, un jour, Fuseni t'a énervé, vous êtes insulté, ou bien de manière où tu ne t'attendais pas, un beau jour, tu vas, Fuseni te dit non, oui, écoute, j'ai quelque chose à te dire, euh, bon, je suis désolé, mais je ne pense pas qu'on ait bien fait de rester ensemble, blablabla. Bla, 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 bla. Et au départ, peut-être que tu n'as pas accepté et tu, es, tu as résisté juste à ce que Fuseni te fasse comprendre que c'est comme ça. Et peut-être que toi-même, tu étais là, ou bien Peut-être que toi, tu es allé dans une relation, tu as dit des paroles, tu as fait des promesses et puis un jour, tu as eu un autre gars que tu aimais plus, l'autre, tu l'as bloqué, tu as zappé, tu n'as même pas pris le temps même. Ça veut dire que tu n'as pas rompu en fait. Tu n'as pas rompu. Tout ce que tu as fait, c'est que tu es juste rentré dans une nouvelle relation et tu as coupé contact avec l'autre. Heureusement, il ne connaît pas chez toi. Heureusement, il ne sait pas où tu habites. Mais tu l'as bloqué sur Facebook, tu l'as bloqué sur WhatsApp, tu l'as tout simplement bloqué ni venu connu. C'est comme ça que vous avez fait. Mais n'oublie pas, physiquement tu l'as fait, mais spirituellement tu es lié, tu as une dette. Alors, tu vas dire à Dieu que tu brises tous les liens. Tu brises toutes les barrières. Tu vas dire à Dieu que tu te détaches définitivement de tes dettes d'enfance, de tes dettes d'amitié, de tes dettes. Dis le Seigneur, je brise toutes les dettes de ma famille, les dettes de sang, les dettes de famille, les dettes de mes grands-parents. Je les détruis au nom puissant de Jésus. Je détruis toutes les dettes qui parlent contre moi. Je brise les dettes, je brise les œuvres de l'ennemi, je brise les dettes, les chaînes, les cordes, les liens, tout ce que l'ennemi a dit et fait. Je brise les dettes des paroles, les dettes qui me lient, les dettes du passé, les dettes des choses. Je les détruis. Toutes les dettes soient brisées. Au nom de Jésus. Nous brisons les dettes, nous brisons les chaînes, les cordes, les liens, les choses que l'ennemi a faites, que l'ennemi a dites. Je brise les dettes de sang, toutes les dettes de sang. Oh Seigneur, délivre-moi de ma souffrance. 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 Au oh nom puissant de Jésus. Je détruis mes dettes, je détruis toutes dettes de paroles, dettes d'enfance, dettes d'amitié, dettes, je brise les dettes, je brise les dettes, je brise... Toutes les dettes que j'ai envers qui que ce soit, je les détruis, je les brise, je les casse, je les annule, je les supprime, je les casse, je détruis les dettes spirituelles, les dettes, les dettes, les dettes d'amitié, les dettes de nourriture, je les détruis, je les casse, je les supprime, je les détruis, je les casse, je les supprime au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui là. Je te détache de tout ce qui te retardait. Partage cette vidéo et que cette prière soit ta prière. Par le sang de Jésus, je te détache de tout ce qui te fatiguait. Par le sang de Jésus, je te détache de tout ce qui te retardait. Par le sang de Jésus, je brise le lien entre ton passé et toi. Je brise le lien entre les réclamations et toi. Je brise les hôtels, les conséquences et les dettes qui sont liées à ta vie. Je les brise. Au nom de Jésus. Je les brise. Frère, sœur, il est temps que tu mènes ta vie. Parfois, on a l'impression que ce sont les gens autour de nous qui sont mauvais. Ce ne sont pas eux. Eux-mêmes sont victimes de quelque chose qui t'influence. Parce que la personne qui a le mauvais comportement, c'est qui? C'est nous. Est-ce que j'ai menti La personne qui s'énerve vite, c'est toi. La personne qui se décourage vite, c'est toi. La personne qui n'a plus envie de faire quoi que ce soit, c'est toi. Donc, ce qui te fatigue là, c'est ça que tu dois détruire. C'est une influence démoniaque, une influence satanique, une influence diabolique. Frère, très souvent, nous inversons la tendance. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu assises là-bas en Australie. Un, deux, trois, tu es en colère. Tu es assises là-bas en France. Un, deux, trois, tu es découragé. Tu assises quelque part là-bas. Un, deux, trois, tu veux quitter le mariage. Tu assises quelque part aux États-Unis. Un, deux, trois, tu démissionnes. Un des trois, tu quittes ton travail. Et puis quand tu parles, tu dis non que le problème vient des gens. Le problème vient de nous-mêmes. Je me rappelle, je vous ai déjà donné ce conseil-là, ce témoignage. À l'époque où moi je travaillais euh, comme pasteur à l'église, en fait, j'étais comme pasteur à l'église euh, de, de la montagne de feu pendant deux ans et demi. Pendant deux ans et demi, j'ai travaillé sans salaire. À l'exception de quelques temps où on m'avait payé le carburant une ou deux fois, ou bien on m'avait juste. Je ne sais pas. Lorsque les gens m'ont trahi, toute l'église m'a trahi. Frères et sœurs, j'étais frustré, j'étais déçu. Quand j'appelais les quelques personnes qui étaient là avec moi avant d'aller me laisser tomber, j'appelais maman Julienne. J'ai dit maman Julienne, les gens ne sont pas bien. Deux ans et demi, je me suis défoncé. J'ouvrais l'église même quand il y avait tempête de neige. J'ouvrais et je fermais l'église. Je n'ai jamais demandé on a combien dans la caisse. Parfois l'église est remplie bombée. Je n'ai jamais demandé. Deux ans et demi. Et eux, ils profitaient. Mais j'étais choqué. Parce que dès que j'ai dit qu'il est temps que moi, je sois comme le Seigneur voulait, on m'a laissé tomber. Ils ont fait un coup d'État. Ils ont envoyé un pasteur de l'Angleterre. Comme l'église était devenue grande, alors on va me laisser tomber. Alors moi, j'étais là. Je racontais ça à maman Julienne un jour. Elle dit, non, il faut laisser tomber que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que quand je pensais à ces femmes-là qui ont des problèmes d'enfantement, le Seigneur m'a utilisé pour, les, pour prier. Elles ont eu enfantement. Quand je pensais à ces personnes qui ne pouvaient pas acheter maison, quand je pensais à ces femmes, pour qui je me déplaçais aller-retour, aller-retour, saint hyacinthe une heure aller, une heure et tout, pour aller superviser la maison. J'ai trouvé que les gens étaient ingrats gras. J'ai que les quand je voyais ces mamans là qui m'appelaient de, de la France, prier au téléphone, le feu, le feu, le feu. Quand je voyais tout cela qui utilisaient mon onction, qui profitait de moi et puis qui m'ont laissé tomber comme une peau de banane. J'étais frustré. Un jour, j'ai envoyé des messages à tout le monde pour dire, ah, je suis coincé, je n'ai pas d'argent pour payer ma maison. J'ai besoin d'aide. J'ai envoyé à tous les membres qui priaient avec moi, toutes ces femmes-là qui m'appelaient au téléphone, oh homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. J'ai envoyé partout au Canada. Je suis coincé, j'ai besoin d'aide. Je suis coincé. Il y en a qui n'ont même pas répondu. Il y a une là qui a répondu et dit non, que Dieu te fortifie. Ok, Amen. La seule personne qui m'a répondu s'appelle Nicole Sirois, une femme blanche qui m'a viré 100, 500 dollars. Tous les membres de mon église, tous les amis ceux qui j'ai compté, m'ont dit que Dieu te soutienne. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de moyens, mais c'est comme ça. Je me suis senti trahi. Mais lorsque j'ai parlé à maman Julienne, elle m'a ouvert les yeux. Elle m'a dit Mais ce n'est pas leur faute. Et pendant qu'elle était en train de me parler, j'entends comme l'Esprit de Dieu me dit Mais toi, tu en veux aux gens qui se sont servis de toi et puis qui t'ont laissé tomber. Ça a toujours été comme ça, non C'est ce qui est sur toi-là qui fait que les gens viennent t'utiliser et puis t'abandonnent. J'ai eu le déclic. J'ai eu le déclic et j'ai su que ce n'est pas les gens. C'était quelque chose en moi qui rendrait les gens ingrats. Frères et sœurs, à un moment donné, là, j'ai commencé à décider de faire quoi? Taper sur table. Parce que j'avais remarqué que les femmes ne me respectaient pas. Les gens ne me respectaient pas. C'est comme ils se servent de moi et puis pas de considération. Et puis j'ai dit non, il faut que quelque chose soit fait. Alors, j'ai décidé de ne plus être une marionnette. Parce que j'ai constaté que les gens sont parfois sans cœur. Ils vont pas seulement prendre la main que tu leur donnes, ils vont couper le bras et te laisser tomber. Alors le Seigneur va me révéler que quelqu'un avait fait bâtir un hôtel contre moi. Donc l'ingratitude de ces personnes qui utilisent mes prières, qui les téléchargent gratuitement et qui ne me soutiennent pas. Je venais de comprendre qu'en fait, il faut changer de prière pour que tu trouves faveur. Et pourquoi je raconte cette histoire? Peut-être que toi aussi. Tu es en train de traiter les hommes d'être ingrats. Oh, les hommes, ils sont mauvais. Bien-aimé, tous les hommes vont être mauvais comme ça avec toi. Tout le monde va être comme ça avec toi. C'est toi seul, que tu vois que telle a fait, telle a fait, telle a fait, telle a fait. Toi, tu n'as pas de problème. Donc tous les hommes viennent coucher et puis vont comme ça et tous ils couchent. Madame la parfaite, monsieur le parfait. Donc c'est toi qui es parfait. Et beaucoup de gens. Ne comprennent pas que, en fait, c'est l'envoûtement, c'est la dette, c'est la malédiction. Et c'est comme ça que l'ennemi rend les gens agressifs envers toi. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont agressifs. Parfois, les gens te parlent mal. Et puis après, eux-mêmes, ils regrettent, ils t'appellent pour s'excuser. Et quand tu vas remarquer, ça se répète. Parce qu'il y a quelque chose qui les expulse tout comme il y avait quelque chose qui faisait que les gens me manquent de respect. Il y a beaucoup de femmes. Les gens viennent avec enthousiasme, mais il y a quelque chose qui les expulse. Les gens viennent avec joie, mais il y a quelque chose qui les expulse. Donc, il est temps qu'on travaille sur nous-mêmes. Parce que si ce qui émane de nous change et que nous commençons à trouver la faveur et la grâce, c'est fini. Donc, bien-aimés, vous voyez combien j'ai été victime d'abus, de manipulations. C'est maintenant que Dieu a déposé. Quelques personnes là sur mon chemin comme vous là, qui maintenant même vous trouvez que mes prières vous font du bien, vous me soutenez un peu, bien aimé. Je vous dis la vérité, il y a des problèmes que j'ai aujourd'hui là. Si j'avais trouvé faveur aux yeux de tous ceux qui profitent de mes prières, je ne serais pas en train de parler des problèmes. Je ne serais pas en train de prendre autant d'années pour créer une chaîne télé. Je ne serais pas en train de m'endetter pour aller tourner des films pour aller installer au des Grâces TV au profit de qui De vous. Il y a des pasteurs qui ne leveront même pas leur petit doigt. Ils vont venir vous dire que ok, on a tel projet, on a besoin de tel millions et tout le monde va cotiser. On va distribuer des, des, des enveloppes. Mais bien-aimés, c'est pas ça la solution. On n'a pas besoin de forcer. Parce que quand les gens partent, ils partent avec ton mauvais nom, ma sœur. Regarde ton problème autrement. Tu as des problèmes parce que l'ennemi fait de toi-même le problème. Je te dis la vérité. Très souvent, on est là, oh oui, les gens font les gens ça. Bien aimé, tu n'as des problèmes avec personne. Si tu as l'onction qui fait qu'on te respecte là, tout genou fléchira au pied. Je te dis la vérité. Si tu as la bonne attitude qui permet le respect, tout genou fléchira devant toi. Si tu as la puissance de Dieu, tout genou fléchira devant toi. Si tu as l'onction de Dieu, tout genou fléchira devant toi. Si tu as l'attitude la, qui pousse les gens à te respecter, tout genou fléchira devant toi. Alors ça ne sert à rien de passer ta vie blablabla. Bla, 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 bla. Je te le dis et j'assume mes paroles. Tu vas tourner dans tous les pays, raconter la même chose aux gens. Tu seras toujours comme ça. Juste à ce que tu comprennes que... C'est toi qui dois surmonter certaines choses. Parce que le problème, ce n'est pas les gens. C'est toi. C'est vraiment toi. Moi, j'avais cru que le problème, c'était les gens. Je vais te faire prier. Mais laisse-moi t'enseigner. Moi, Moi j'avais cru que le problème était les gens. Mais le problème n'était pas les gens. Je devrais aller à l'ambassade de France pour déposer mon visa. Ils sont venus me lancer un sort. J'ai failli mourir. Je vous dis la vérité. Ils sont venus me lancer un sort. Ils ont envoyé une femme. Je ne vais pas dire son nom, elle va se reconnaître. La femme est venue. Elle m'a donné dos dans le songe. Et puis elle s'est abaissée pour me montrer sa partie intime. Dans le rêve-là. Si je vous dis ce que j'ai vu, vous allez voir. Frère, quand elle m'a montré ça dans le rêve, elle m'a lancé un sort. Je vous dis la vérité. J'ai une amie qui était là en 2005, là. Quand ça s'est passé, là, elle l'a vu. Elle m'a dit Mais éloge, tu étais là hier. Yeah. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis tu es en train de mourir, là. J'agonisais et je mourais. Ils sont venus me lancer. Mais tout mon corps était décomposé. Un envoûtement. Quand on, dit de, quand on parle d'armes mystiques, à mon réveil, là, tout mon corps était gâté. Vous savez que quand on dit que c'est une arme mystique, chez nous, on appelle ça sekeshi. Ça veut dire que quand on te lance ça là, c'est qu'on t'a détruit. Tout mon corps était décomposé à quelques temps seulement de ma demande de visa. Et j'avais pas d'expérience malade. Je pouvais même sentir mon corps mourant. Ça m'a pris une semaine. Seigneur, aide-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, sauve-moi. Une semaine. Tout le monde a commencé à me fuir. Tout le monde a commencé à me détester. J'avais une énergie qui m'accompagnait là, qui fait que même les meilleurs amis me tournaient d'eau. Un champ magnétique satanique. Une fumée diabolique autour de moi. Alors, j'avais commencé à croire que mes amis étaient mauvais. Mais ce n'était pas mes amis qui étaient mauvais. Il y avait quelque chose en moi qui les rendait mauvais. C'est le genre de choses qui fait que, à ta présence, les gens se sentent mal à l'aise, agressifs. Ils ne peuvent pas te parler doucement, ils te parlent agressivement. Tu sais pas, mais une influence démoniaque. Alors c'était ce qui me bloquait. Le sortilège, l'envoûtement. C'est parce que Jésus a eu pitié de moi qui m'a permis d'apprendre que non, la seule chose qui peut te délivrer, c'est la prière. Bien-aimé, ce n'est pas la prière d'un pasteur qui m'a délivré, c'est la main de Jésus. Le Seigneur peut te délivrer de ta souffrance. Mais qu'est-ce qui a été fait contre toi Il y a des prières qui apportent la solution. Même quand la solution ne veut pas venir, une semaine de prières, solution va venir, même si elle ne veut pas. Deux semaines de prières, les bons rêves, là, tu vas les faire, même s'ils ne veulent pas. Mais l'ennemi est malin. Il va faire en sorte que vous ne sachiez pas que vous ne trouviez pas la force de prier. Il va vous neutraliser. Il va vous étouffer. Il va vous refroidir. Bien-aimé, normalement pour quelqu'un comme toi, là, tu devrais être dégourdi dans la prière. Pour quelqu'un qui voit sa vie sombrer. Pour quelqu'un qui voit que sa vie est en jeu, pour quelqu'un qui voit que ses papiers sont en jeu, pour quelqu'un qui voit que euh, ça fait trop longtemps que tu es aux États-Unis, pour quelqu'un qui voit que sa vie maritale est en train de vraiment de, de, de balancer, pour quelqu'un qui voit là, tu devrais être quelqu'un qui est rempli de force, d'énergie, parce que ton problème devait être une source de motivation. Mais regarde comment ils t'ont rendu négligent, regarde comment ils t'ont refroidi dans la prière. Regarde comment ils t'ont totalement été. Tu n'as même plus la force de prier. Tu expliques seulement que ta vie aux hommes de Dieu. Ils ont... Parce qu'ils savent que la clé, c'est la prière. Ils savent que la clé, c'est la prière. La parole de Dieu déclare en Job Vienne l'humiliation, tu le prieras pour ton relèvement. Ils savent que la prière peut te relever. Ils savent que Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai, tu me glorifieras. Mais ce n'est pas parfois parce que tu as appelé Dieu, tu dois l'invoquer juste à ce qu'il puisse te répondre. Ils savent que c'est par la prière que tu vas t'en sortir. Alors, ils vont t'enlever le goût de la prière, le goût de la lecture, le goût de l'étude. Tout ce que tu veux, c'est la bénédiction seulement, mais la condition qui donne lieu à la bénédiction, tu ne les remplis pas. La paresse va te tuer. Bien-aimé, l'oisiveté va te tuer. C'est comme ça, ce n'est pas ta faute. Moi, je t'explique ce que j'ai vécu. L'oisiveté va te tuer. Et puis, ce que les sorciers font, c'est qu'ils t'aveuglent. Personne ne peut te donner des conseils. Tu deviens la seule conseillère. Tu deviens la seule personne qu'on va écouter. Ça veut dire que parfois, tu es même étonné de voir quelqu'un. J'ai dit, oh. Parfois, on a rien. Vous voyez de quoi je parle, non? <laughs> Parfois, même tu es au chômage. Amen. Chômage technique. <laughs> Parfois, même ça fait des semaines que tu ne gagnes pas à manger. Mais par orgueil, c'est toi qui veux donner conseil aux gens qui ont réussi. Ça dit que, je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle, mon ami. Aïe. Tu peux parler à quelqu'un comme ça? Fauché, orgueilleux. Oh, non, quand Satan veut t'achever, c'est comme ça. <laughs> quand il veut t'achever, là. Bien-aimé, c'est la vérité que je te dis. Oh. Je peux insulter maman de quelqu'un. <laughs> ça dit, dans ta galère, il te rend orgueilleux. Dans ton chômage, là, on ne peut pas te parler. Et dans ton chauffage... <laughs> Aïe. non. Les sorciers sont mauvais, quoi. Parce que si tu as l'oreille attentive, au moins tu vas écouter conseil. <laughs> Orgueil démesuré. Ça dit que toi, on ne peut même pas te parler. Je me rappelle que j'ai failli passer à côté de ma bénédiction. J'ai failli passer à côté de ma bénédiction. Dieu merci, je suis tombé sur Bagui. Bagui est un homme tenace. Quand Bagui m'a appelé, je raisonnais. Bagui dit éloge, éloge. Il faut venir. On a besoin de chauffeurs. Il dit Bagui, ce n'est pas ce que moi je veux. Moi, tout ce que je veux, c'est d'aller aux États-Unis. Bagui. Éloge. Bagui m'a appelé. Est-ce qu'au départ, il voulait décrocher l'appel de Bagui même? Bagui dit, éloge. Il y a une opportunité. Mon cœur n'était pas dans l'opportunité. Mon frère, où Satan allait déposer ton cœur pour te tromper là? Dans qu'à lever ça là-bas. Alors, je suis tombé sur Bagui. Bagui Joel était un homme tenace, que Dieu le bénisse et le gifle avec des millions. Bagui a commencé à me supplier. Bien même j'ai trouvé les excuses. Oh non, Bagui, tu sais. Aïe, j'aide quelqu'un. Moi qui ai besoin d'aide, hein. vous pouvez imaginer comment orgueil nous fatigue. Moi qui ai besoin d'aide. Quand Bagui m'appelle, je dis non, je suis en train d'aider quelqu'un. Il dit, mais tu fais quoi même Je dis non, je conduis un gars là. Tu le conduis, je lui apprends à conduire à cause des petits, petits garbats, là. C'est la vérité. Parce que le vieux père, parfois, il me soutraçait, comme on dit en Côte d'Ivoire là. Il me soutraçait, je le conduis un peu dans ma galère là. Il me soutraçait un peu les 500 francs, les 200 francs. Et puis un beau matin. Mais ce qui est grave, c'est que j'avais vu ça en rêve. J'avais vu ça en rêve. Dieu m'a montré. On m'a arraché la voiture de monsieur là et on m'a donné une autre voiture. Et quand Bagui m'a appelé, je faisais le malin. Parce que j'étais le professeur d'anglais de Bagui. Alors Bagui m'appelle un beau bon matin comme ça pour dire non, il faut que tu te prépares à, 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 à Yopou, à chose, quelque part là-bas, là. Zone 4, là, j'ai dit non, il faut laisser ça, je suis occupé. Il a insisté. Il a insisté jusqu'à ce que je suis parti. D'ailleurs, même, j'étais parti pour faire plaisir à Bagui. En fait... Il m'a tellement embêté, il m'appelait comme ça. Il m'appelle, il l'a raccroché, il l'a rappelé. Je n'étais même pas parti dans l'intention. En fait, je voulais juste aller me présenter. Bagui, il me voir. Et puis, il va me laisser tranquille. Il failli passer à côté de ma bénédiction. Il y a des chrétiens, là, on doit prendre leur oreille là. <laughs> on doit tirer, tirer. Mon ami, ça fait longtemps que tu es là-bas, tu ne vois rien là, tu ne peux pas te réveiller. Ma soeur, ça fait longtemps que tu es à Paris. Peut-être même ton pays, c'est n'est pas Paris. Donc, il y a des femmes là, il faut tirer l'oreille là fort. Il y a des hommes même là, oh non, je suis homme d'affaires. Je suis homme d'affaires. Ça fait dix ans que tu n'as jamais d'investisseur. Donc, les gens, ils rêvent, ils ont la tête ailleurs. Et Dieu même, Satan est malin, il prend ton cœur, il va déposer sur quelque chose qui ne t'apportera rien. Et puis, il te blague, il dit non, il faut persévérer. Il t'a dit, faut persévérer. J'étais persévérant en dehors du plan de Dieu. Frère, j'étais totalement persévérant. Est-ce que tu connais logique ici? Il n'y a pas plus têtu que moi. Même Dieu parle, je discute. Même Dieu parle, je raisonne. Mon ami, tu joues les durs là. Tu n'es pas plus dur que moi. Hein. Ce n'est pas par orgueil que je le dis, mais il n'y avait pas plus têtu que moi. Jusqu'à Dieu m'a menacé. Dieu était fâché. Il dit, mais c'est qui on lui parle et puis il n'écoute pas là. Un bon jour là, Dieu m'a montré, j'étais têtu. Oh, vraiment, bon Dieu, heureusement, tu ne t'es pas fâché contre moi. Donc, mon cœur était endurci dans cette affaire de je vais aller aux États-Unis. Comme si Canada, ce pas Amérique. Je dis, hein, oh, il y a des gens quand ils sont têtus pour leur propre malheur là, on ne peut pas leur parler. Femme orgueilleuse, fière. <laughs> Alors que ça fait combien d'années tu es à Paris Ça fait combien de temps tu es en Belgique Loukofo, Loukofo, Loukofo. Et puis quoi Tu es là, tu ne connais pas, au lieu de t'humilier, tu joues les durs. C'est la vérité. Moi, j'étais là dans ma petite galère. Malgré tout ce que j'ai vécu, j'avais rien appris de ma douleur. Mon ami, il faut apprendre un peu de ta souffrance. Aïe Non, marcher jusqu'à chaussures percées. Ça dit que j'ai subi des humiliations qui pouvaient ouvrir mes yeux. Humiliation. Jésus. Non, il y a des gens. hein. Jusqu'à... Un beau matin, on dit ⁇ Éloge ⁇ Monsieur ⁇ Éloge ⁇ félicitations. <laughs> Moi, je n'étais pas allé pour qu'on me dise ⁇ Félicitations ⁇ En fait, je croyais qu'ils étaient en train de gâter tout mon plan. Parce qu'à l'époque, là, je rêvais d'aller aux États-Unis et autres. Oh, là, M. loge. Félicitations. Ça veut dire que quand on est venu me dire félicitations, là, en réalité, j'étais déçu. Parce que moi, je n'étais pas parti pour qu'on me dise félicitations. Je voulais juste aller me présenter là-bas pour qu'on dise non qu'il est venu. Pour que Bagui me laisse tranquille. Et heureusement ou malheur pour moi, on dit félicitations. Je suis obligé de travailler. <laughs> Moi, ils voulaient aller à Paris. Ils voulaient aller aux États-Unis. Ah, on venait, de venir travailler. Yeah, c'était le travail là qui allait m'amener à Paris. C'était le travail là qui allait m'amener à Washington. C'était le travail là qui allait m'amener au Canada. C'était le travail là qui allait changer ma nationalité. C'était le travail là qui allait me faire rentrer dans ma destinée. Mon ami, j'espère que tu n'es pas en train de résister à ta bénédiction faut mettre orgueil de côté. Écoute-moi bien. Écoute mon témoignage. Donc, parfois, là, on n'a pas d'argent. On est dans la galère. Et c'est nous, on donne des conseils à des PDG. Mon ami, ton livre, là, la prochaine fois, si tu écris, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai dit, oh, tu as sorti combien de livres? Dis-moi, tu as sorti combien de livres Moi, au moins, j'ai sorti un, deux, trois, quatre. Vous comprenez comment orgueil nous trompe Ça veut dire que toi, tu as besoin de demander conseil pour dire, mon ami, on fait comment Oh, Satan est mauvais, hein, je vous dis la vérité. Tiens, là, tu vois problème partout. Oh non, oh oui, oh si, oh ça. <laughs> Madame parfaite, maintenant, on va t'appeler parfaite. Parfaite, Béatrice. Parfaite Sylvie Mungounou. Parfaite Marie Meya. C'est la vérité que je vous dis. Madame Parfaite. Parfaite Kanzi. C'est comment Parfaite Aliko. Aïe. Parfaite Ginette. Hey, tu es allé donner conseil à Ginette. Mon ami, tu es contre brûler l'eau chaude. <laughs> tu es contre pimentes. Non, il faut laisser les mamans là tranquilles. Es, tu es le plus petit. OK tu es un enfant, quand tu prêches, tu attention. Frère Francis, va dire à Frère Eloge, n'a qu'à faire attention à ses grandes sœurs. Aïe! Il a dit, oh. c'est la vérité qui est là. C'est ça la vérité. On peut plus donner conseil. Oh. Dès que tu parles, on dit non, il m'a insulté. Dès que tu parles, on dit il m'a parlé mal. Je l'ai appelé, il m'a parlé mal. Donc toi, tu as parlé mal là. C'est ça qui est là. Parler mal parce que l'homme de Dieu t'a dit, hey, au lieu de courir derrière les hommes de Dieu, là, va prier. C'est ton parler, parler mal qui est là. Hein. Vous voyez comment on m'accuse, non? C'est Parler mal là, c'est ça qui est là. Parce que qui s'est dit, au lieu de vous promener derrière les hommes de Dieu là, apprenez à prier. Vos bouches là, apprenez à prier. C'est la vérité. Il y a quelqu'un qui m'appelle homme de Dieu. Homme de Dieu. Je veux que tu bénisses mon huile d'isop mon huile d'olive. J'ai acheté une bouteille d'huile. Je veux que tu pries dessus. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Elle te posait une question. Quand tu es mangé là, est-ce que tu appelles ton pasteur pour prier pour ton manger Vous voyez, quand tu ne connais pas quelqu'un là, tu peux le juger mal ou. Quand tu es bon là, quand tu es mangé là, tu gros, gros plat là. Je lui ai dit... <laughs> qui prie pour toi Elle dit, c'est moi. Tu crois en ta prière Elle dit, oui. Bon, il faut prier pour ton île aussi. Donc, vous comprenez que le monde va mal, les chrétiens deviennent un peu comme parano. On ne sait pas, ils ont quoi dans la tête, tout ce qui se passe dans leur tête, mais il y a beaucoup de gens qui ont vraiment besoin d'un sérieux réglage. Ça dit que les chrétiens, ils parlent, ils se contredisent. Il dit, il est né de nouveau. Un <laughs> <est> né, de... <laughs> né de nouveau où <laughs> oh terrible. Tu hein. les regardes comme ça, on dirait qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Actuellement, là. le monde va mal et ils ne comprennent pas. Et tu les parles comme ça, deux minutes après, ils ont oublié ce que tu as dit. Aïe, on peut faire ça. Oh. J'ai dit, on peut faire ça. Maintenant, les vrais trucs, on les ignore. Aïe, bien-aimé, moi là. Si je vais donner conseil à quelqu'un là, oh, on finit par se fâcher. Pourtant, alors que ce que j'ai dit là, je n'ai rien dit de mal. C'est tout simplement ma voix là, ça porte. C'est ça le problème. Problème de l'OJEKISI là. Voici ça qui est là. Voici ça qui est là. Et qui a eu le malheur d'aller faire un stage dans le caractère. On lui a dit si tu veux parler, parle comme ça. Si tu veux enseigner, enseigne comme ça. Alors même bonjour de si c'est insulte. C'est ça la vérité. Donc, mon ami, pardon, Esther Véronique et Founzou, Après, là, tu fais ta dîme, on, on va changer de routeur. C'est vrai, il n'y a pas bonne connexion. Tu as raison. La connexion, là, ça balance. Tu vois, non? Donc, après, là, tu appelles, tu dis, homme de Dieu, et s'aimer pour la connexion. Tu sèmes comme ça un bon montant. Je vais appeler mon fournisseur, là, pour lui dire, tu ne donnes pas bonne connexion. On va changer, on va te changer. C'est ça qui est la vérité. Donc, mon ami, tu vois un peu, non? Donc, j'aimerais qu'on se ressaisisse. Parfois, on n'a pas de problème. On est le problème. On est le problème. Parfois, on n'a pas de problème. Nous sommes le problème. Nous sommes le problème. Notre passé témoigne contre nous. Nos, notre façon de vivre témoigne contre nous. Nos mauvais choix témoignent contre nous. Un beau jour, le Seigneur te regarde des cieux et dit Mais ce n'est pas toi qui dis que tu attends ton mariage. Ce n'est pas toi qui dis que tu attends l'homme de ta vie. Mais pourquoi tu vas coucher avec quelqu'un qui ne s'est même pas engagé avec toi? Ce n'est pas toi qui dis que tu veux faire un métier. Mais pourquoi tu allais t'asseoir là-bas? Ce n'est pas toi qui avais dit que tu voulais sortir de tes problèmes. Mais pourquoi tu ne pries pas? Ce n'est pas toi qui m'invoquais, qui me louais, qui m'adorais. Mais pourquoi tu ne fais plus la même chose? Très souvent. Notre vie témoigne contre nous. Nos choix témoignent contre nous. Notre caractère témoigne contre nous. Et il est temps qu'on puisse régler ça. Vous savez, ce programme-là, je le ferai en deux parties. Mon but n'est pas de venir m'asseoir, me moquer des gens. Des natures, j'aime rire. La première fois que j'ai vraiment découvert ce talent en moi, c'était à Greenby. À Greenby, je prêchais et j'avais remarqué que tout le monde riait. À Greenby, je prêchais, tout le monde était content, tout le monde riait, tout le monde était à l'aise. Après, je me suis demandé, mais comment est-ce que je me suis arrangé pour faire rire les gens? Et c'est plus tard que j'ai constaté que c'est quelque chose que Dieu a mis en moi. Pour toucher les cœurs, pour guérir les cœurs abattus, pour décharger ceux qui souffrent. Mais en tant que leader, ce que je cherche, c'est l'intérêt des enfants de Dieu. Moi, je vous le dis. Je ne suis pas là pour qu'on vienne m'apparaître, pour m'encombrer au téléphone. Bien aimé. On n'est pas seulement là seulement pour appeler le pasteur. Pourquoi Ça fait une semaine que vous m'avez pas vu. Il y a au moins cinq personnes qui ont appelé pour demander si ça va bien. On est aussi des êtres humains. On est aussi attaqués. On a aussi nos problèmes financiers. On a aussi nos défis. Mais on met ça de côté et on vient s'asseoir parce qu'on veut que le monde devienne meilleur. Mais les gens ne verront pas ça. Ils voient seulement leurs intérêts qui ne sont pas comblés pour dire qu'on est mauvais. Alors Dieu bénit maintenant le mauvais et il abandonne le gentil. Un Dieu controversé. C'est ce que tu veux me dire. Je vais te le dire. Parfois, on n'a pas de problème. On est le problème. Il y a le genre d'homme qu'on est qui a des problèmes avec tout le monde. Il y a le genre de femme qui a des problèmes avec tout le monde, qui ne s'entend avec personne, qui voit le mal partout. Nous voyons le mal partout. J'ai été comme ça jusqu'à ce que Dieu me reprenne. Le Seigneur a envoyé un ange pour m'interpeller. Mes problèmes venaient de moi-même. Alors, il me fallait les régler. Les gens ont abusé de moi. Les gens m'ont escroqué. Les gens ont profité de moi. Les gens se sont servis de moi et m'ont abandonné comme un torchon. Et après, on se retourne contre toi. Mais ce n'est pas parce que les gens sont mauvais qu'ils se sont servis de moi. Ils ont, ils, ont, ils ont tout simplement trouvé une faille qu'ils ont exploité. Et maintenant, j'en viens à toi, ma sœur. Ce n'est pas parce que les gens sont mauvais qu'ils ont couché avec toi pour t'abandonner. Ce n'est pas parce que les gens sont mauvais qu'ils t'ont collé un problème et puis ils sont partis. Ce n'est pas parce que les gens sont mauvais qu'ils ont profité de ta gentillesse. Ils n'ont eu de pouvoir que celui que tu as bien voulu leur donner. Ils n'ont eu d'accès qu'à la partie de ta vie, de ton corps, de ton être, de ton cœur, de tes pensées que tu as bien voulu leur céder. Ceux à qui tu n'as jamais cédé ne sont jamais devenus tes amis, ne sont jamais devenus tes belles familles, ne sont jamais devenus qui que ce soit et quoi que ce soit. Les gens n'ont eu de pouvoir que ce que tu as bien voulu leur accorder comme pouvoir sur ta vie. Donc, les hommes que tu as vus, que tu crois être mauvais, ne sont pas en fait mauvais. Ils ont juste trouvé une femme facile qui accepte de coucher avec des hommes hors mariage. Alors, ils ont profité. Voici pourquoi tu as couché avec 20 000 hommes. Et puis, tu n'étais jamais marié. Parce que si tu avais insisté, vous savez que quand un homme est amoureux d'une femme, il est prêt même à lui cueillir des étoiles. Pardonne-moi de te le dire. Un serviteur de Dieu, là, il ne prêche pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est toi le problème. Ton retard, c'est toi. Mon retard, c'est moi. Ma souffrance, c'est moi. Moi que tu vois là-là. Même si à la fin, tu vas dire, homme de Dieu, je vais te donner la dîme. Je prends ta dîme. Mais en tant que serviteur de Dieu, je sauve ton âme. Alors, tes histoires de ma famille, mes parents, mes ennemis, mais ceci, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu es ton problème. Tu n'as pas de problème. C'est ton raisonnement qui est le problème. C'est ta conception qui est le problème. C'est ta mentalité qui est le problème. C'est ton ignorance qui est le problème. C'est ton manque de sagesse qui est le problème. Tu as couché avec un en mariage. Il a profité de ton corps. Tu as fait des fausses promesses. Il est parti. Tu es obligé d'aller te donner à 20 autres. Tu es obligé d'aller te donner à 1000 autres. Tu es obligé d'aller faire les mêmes bêtises et les mêmes erreurs. À partir du moment où c'est une fois, deux fois, trois fois, ce n'est pas une erreur. C'est ta nature. C'est ta nature. Pécheresse qui te fatigue. À partir du moment où c'est une fois, deux fois, ce n'est pas une erreur. C'est notre attitude notre caractère, notre nature. Tu n'as pas de problème. Tu es le problème. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Mon but, c'est de t'ouvrir les yeux. Parce que par la grâce de Dieu, si tu décides que cette foutaise s'arrête aujourd'hui, ça s'arrête et le prochain homme, je te garantis et je prophétise qu'il sera ton mari. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, que tu décides de ne plus être une femme facile, de ne plus être une femme facile et faible, je prophétise que le prochain homme qui osera dit que je t'aime deviendra ton mari c'est la vérité vous vous préparez à vous livrer même aux hommes avant de les avoir connus parce que tout ce qui vous intéresse, c'est le désir charnel. Or, oh! ce que vous ne savez pas, il ne faut pas mélanger le sang au oh, mariage. Ça désactive le mariage. Je vous dis la vérité. Il ne faut pas mélanger la semence. Avant le mariage, ça désactive l'envie de se marier. Un homme peut venir te faire les promesses tu es ma princesse, tu es mon étoile, tu es mon souci. Je te garantis, il couche avec toi une fois le sang est mélangé. Tout ce qu'il avait comme envie et intention et promesse, tout part, tout vole en fumée. Ça a été toujours le cas. C'est vous qui ne connaissez pas les choses spirituelles. Vous jouez avec votre vie. Ça désactive le mariage. Si tu as cédé avant le mariage, il n'ira plus au mariage. Parfois, il va lutter jusqu'à 10 ans après, il va te marier. 13 ans après, un an après, huit mois après, six mois après. Mais ça a été une lutte. Mais vous ne le saviez pas. Vous n'avez pas de problème, mes soeurs. Vous êtes le problème. Vous n'avez pas de problème financier. Vous êtes le problème financier. Vous n'avez pas de problème de retard. Vous êtes le problème de retard. Vous n'avez pas de problème d'échec et de malédiction. Vous êtes l'auteur de l'échec. Soyez des hommes et des femmes charismatiques. C'est vrai. Tu lui dis oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas connu d'homme. J'ai besoin de ça. Mais je n'ai pas envie de faire ça. En dehors du mariage. Bien aimé, quelle est la preuve que cet homme t'aime La preuve, c'est qu'il va te marier. Excusez-moi de le dire. Il y a des hommes qui me regardent. Combien de fois, vous, les femmes, vous nous laissez nous foutre de vous comme des gens qui n'ont aucune dignité. Pourtant, vous en avez. Mais c'est votre peur, votre incrédulité qui vous fatigue. Votre peur. Une femme qui est sûre d'elle n'a pas peur. S'il ne veut pas, il se barre. En Jésus, il n'y a pas de compromission. Soit il est l'homme ou il ne l'est pas. Soit il te marie ou il se bat. En Jésus, il n'y a pas de compromission. Soit elle est la femme ou elle ne l'est pas. Soit elle accepte ou elle se bat. Parce que, bien-aimé, qu'est-ce qui prouve qu'il t'aime? Alors que tu lui dis d'aller voir tes parents, tes parents, ton père, ta mère, il trouve des excuses. Bien aimé, tu es tombé sur un voyou. Tu es tombé sur un mercenaire. Il dit qu'il t'aime. Il ressent des émotions, des amours. S'il te dit, s'il ne se dit pas prêt d'aller voir ton père et ta mère, j'ai dit, et qu'en dehors de ça, il te tient au téléphone à te raconter du n'importe quoi là. Bien aimé, c'est dans du n'importe quoi là que tu vas tomber dans son piège. Ce sont les choses auxquelles on ne tend pas l'oreille longtemps. Je te dis la vérité, toi-même là, si tu commences à tendre l'oreille là, tu vas violer tes propres principes. Et c'est comme ça que vous tombez dans le piège. Vous n'êtes pas catégorique. Mon ami, tu dis que tu n'es pas prêt, il y a des conversations qu'on ne tient pas. Je te dis la vérité, parce que dans ton ignorance là, si tu acceptes de laisser le gars bourrer tes oreilles là, tu vas commencer à enlever ton soutien, tes habits pour lui montrer tout là. Tu seras étonné que tu n'as pas pu te contrôler parce que tu as prêté tes oreilles à des, tes oreilles à des bêtises. Il va te bourrer l'oreille, remplir ta, ta, ta tête de pensées négatives que, à tel point que toi-même là, tu vas chercher une occasion. Une occasion pour aller te faire, comme on dit en Côte d'Ivoire, pour te faire allumer. Ça, c'est ton problème. Je dis les choses comme elles sont. Parce que vous vous exposez. Vous vous livrez à vos penchants. Non. Bien aimé. Où je suis là, je suis serein. Pourquoi ce ministère-là Les gens peuvent me fuir à cause de la vérité. Mais le Seigneur est fidèle car c'est lui qui m'a appelé. Parce que si on ne vous dit pas, si on n'est pas des bons conseillers, si on n'est pas des bons enseignants, on est là pourquoi alors? Non. Vous devez décider ce que votre vie doit être à partir d'aujourd'hui. C'est dès maintenant. C'est dès maintenant. C'est dès maintenant. C'est dès maintenant. Ne laissez pas le diable passer par des gens pour jouer avec votre vie. Le temps est précieux. Il ne faut pas que les gens viennent vous tenir occupé en attendant que vos heures passent. Il est temps que vous détruisez, que vous détruisez tout ce qui vous retarde. Beaucoup de gens ont besoin d'être délivrés de leurs dettes. Beaucoup de gens, bien aimés, trop gentils, on se fait avoir. Tout ce qu'on doit demander à Dieu, c'est la sagesse. Tu n'as pas de problème, ma soeur. Tu es le problème. Tu es le problème. Tu es le problème et tu peux être la solution. Tellement de mauvais choix, tellement de paroles, que même parfois on a peur de notre propre ombre. Et ça peut finir aujourd'hui. Tu peux décider que le mal s'arrête aujourd'hui. Tu peux décider... Que le gaspillage de temps s'arrête aujourd'hui tu peux décider que les flirtes s'arrêtent que les choses concrètes commencent tu peux décider que la direction de ta vie change maintenant tu peux décider de redéfinir tes priorités. Tu peux décider d'affronter les vrais problèmes de ta vie. Parce que tu n'as pas de problème. Mais tu es le problème. Étant donné que la solution dépend de toi. Jusqu'à ce que tu décides de te lever, le problème restera. Mais le jour où tu décideras que ça s'arrête, ça s'arrêtera. Alors tu dois nettoyer ta vie. N'aie pas peur de nettoyer ta vie. N'aie pas peur d'assurer ta sécurité. N'aie pas peur de mettre des barrières. N'aie pas peur d'établir des limites. Et n'aie pas peur d'avoir des principes. N'aie pas peur de persévérer. Parce que tu es le résultat de ta vie passée. Ta vie présente. Est le résultat de tes choix. Le résultat de ta façon de gérer les choses. Le résultat de ta façon de traîner avec les choses. Tu es le résultat de tes propres décisions. Tu n'as pas de problème. Tu es le problème. Personne n'est allé créer un problème pour venir te l'offrir. Personne n'est allé te dire d'aller faire des enfants hors mariage. Personne n'est dit d'aller t'attacher à des mauvais amis. Personne ne t'a dit d'aller danser en boîte avec les gens. Personne. Voici pourquoi il peut être facile de sortir de ce problème. Parce que l'une des choses qui doit changer, c'est l'orientation, ton orientation dans la vie. L'orientation d'une personne dans la vie bloque son destin. Frère, imaginez quelqu'un comme moi, appelé à être un écrivain, conférencier, prophète. Mais pendant des années, je voulais devenir professeur des arts martiaux. Professeur des arts martiaux. Et après, je voulais devenir artiste chanteur. J'étais orienté quelque part. J'avais une vision diamétralement opposée à celle de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre les yeux pour contempler la beauté de la destinée qu'il a prévue pour moi. J'étais moi-même mon problème. Vous savez combien longtemps je suis resté à courir derrière des amis qui ne m'aimaient pas. Des gens qui n'aimaient pas ma tête, à les supplier, à faire la courbette. Je n'avais pas de problème. C'était moi le problème. Juste à ce qu'un jour, je suis allé dans l'église d'un homme de Dieu qui m'avait appelé pour dire Ah oui, oui tu viens, t en, t en, t en, tu vas présenter tes livres. Je suis parti, je n'ai pas présenté les livres. Il m'a fait défiler. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il m'a fait poireauter. Il avait, je lui avais offert l'un de mes livres et il utilisait les thèmes dans mes livres pour prêcher. Mais il me faisait poireauter. Un jour, je suis allé dans son église et puis euh, il me dit Ok, ils vont me donner le temps de. de Présenté euh, mon livre et m'a donné le micro. On m'a donné deux minutes pour parler. Dès que j'ai commencé à parler, j'avais même pas encore fait une minute. On m'a arraché le micro de la main. J'avais honte comme ça. que, hum. Comme on dit en Côte d'Ivoire, Sia au Cameroun à Sèche les bêtises. Quand j'allais dans ma voiture, j'étais mal. J'avais mal. Et j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit Mais pourquoi tu cours derrière lui Tu es plus grand que lui. C'est plutôt lui qui a besoin de toi. Je me suis réveillé. Je n'ai pas le temps d'avoir des rancœurs contre quelqu'un. Je n'ai pas le temps d'avoir de la haine contre quelqu'un. Je n'ai pas le temps d'avoir des ressentiments contre quelqu'un. Si je suis quelqu'un de valeur, les gens m'ont dit Oh, viens présenter tes livres. Lorsque j'étais au Congo-Brazzaville, ils ont envoyé une délégation. Ils ont envoyé une délégation. Pour dire, ah, on veut que l'évangéliste et loge qui vienne dans notre église. Je leur ai dit, je ne viens pas. Après, ils vont prendre la vidéo pour aller dire Oh, il était là aussi. Je leur ai dit, non, 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 je ne viens pas. Ce n'est pas comme ça ça se passe. Ils ont envoyé deux fois la délégation. Ah, on a appris que l'évangéliste. Donc, quand tu es quelqu'un de valeur, tu as réglé tous tes problèmes. Parce que ce que tu mérites, tu ne le forces pas. On te l'offre. Vous voyez, nous inversons les règles de la vie. Nous inversons les lois divines. Le Seigneur veut qu'on soit comme un manguier qui a tellement donné de bons fruits qu'il n'a pas besoin de dire, oh regardez-moi, je suis là, aimez-moi, je suis beau, aimez-moi, je suis ceci. Non. Tu as tellement de fruits que personne ne peut se dérober, ne peut dérober son regard de toi. Tu ne parles pas, mais ta vie parle, tu ne parles pas, mais ta nature parle, tu ne parles pas, mais... mais, mais, mais. La qualité parle. Mais c'est quand on n'a rien de tout ça qu'on veut forcer le destin. C'est ça. Maintenant, bien aimé, le destin, on ne le force pas. Il s'accomplit quand on a les capacités qu'il faut. Mon but, c'est de te dire d'abord, on a commencé ce message par la dette des sangs et je vous ai dit que c'est la première partie du programme. Qu'est-ce que tu dois faire que tu ne fais pas Qui est-ce que tu dois devenir que tu ne deviens pas C'est ça ton problème. Parce que, regardez l'éloge qui est là. Si Dieu m'avait pas accordé cette grâce, qui serais-je Rien. Alors, je suis allé chercher ce qu'il a mis en moi et je l'ai développé avec son aide. Vous savez combien de livres j'ai lus? Le Seigneur m'a formé. Développe-toi. Livre de prière, livre de marketing, tout ce que l'école n'a pas pu m'offrir. Le Seigneur m'a dit: Tu auras besoin de ça pour ne pas être limité. Formation sur formation. J'ai écouté des millions d'heures de vidéos. Pendant deux ans et demi, j'écoutais huit heures de vidéos. Huit heures de vidéos. Tu entends? Pendant deux ans et demi, j'écoutais huit heures de vidéos. Et deux ans encore, j'écoutais huit heures de vidéos parfois 5 heures, 6 heures et autres. Donc tu peux imaginer qu'avant que je vienne m'asseoir là je me suis auto-formé pendant près de 5 ans. Ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, je peux m'asseoir et prêcher pendant 13 heures. Le Seigneur m'a préparé. Je suis préparé. Et toi, tu peux te préparer. Et tu peux t'en sortir. Et je sais que ça commence aujourd'hui. Je sais qu'en entendant ces paroles, tu es en train de réfléchir profondément. Tu sais que ces paroles te touchent tellement que tu te dis: mais le monsieur n'a même pas fait l'école secondaire, il n'a jamais mis pied au collège. Parce qu'on n'a pas besoin de diplôme pour réussir. On a besoin de détermination. On a besoin de détermination. Avec la détermination, on va aller chercher des choses qui n'existent pas et les manifester. Avec la détermination, on va franchir les barrières. Avec la détermination, on va prendre des décisions et les accomplir. Avec la détermination, j'ai décidé avec l'aide de Dieu, je vais écrire un livre. Les gens disent Mais tu vas écrire quoi Et mon livre devient best-seller. Dans la période de COVID 2019-2020, j'ai eu le courage de l'écrire. Et toi, tu n'as pas encore le courage de démarrer. Tu n'as pas encore le courage d'apprendre. Tu n'as pas encore le courage de lire. Tu n'as pas encore le courage. Mais tu as des diplômes. Mais tu ne connais pas les principes de la vie. Bien aimé, les meilleures choses qui vont t'aider à réussir ne sont pas tes diplômes. Tu peux déposer le diplôme, mais ne pas avoir le courage d'aller chercher le travail. Tu peux déposer le diplôme, parce qu'il y a des gens qui croient qu'il faut aller de diplôme en diplôme, mais ma en fait, tu n'as rien compris. J'ai dit, mon frère, tu n'as rien compris. Ça ne sert à rien de griller ta vie et ton temps pour rien. Diplôme, tu as eu tel diplôme, tu t'es fatigué, tu crois que c'est ça. Tu as eu tel diplôme. Tu n'as pas encore compris le sens de ta vie. Le jour que tu comprends le sens de ta vie, tu sais que le meilleur diplôme... Que tu as besoin d'avoir, c'est le courage pour donner maintenant l'image que tu vois de ta vie. C'est la force, c'est le courage, c'est la motivation, c'est la détermination, c'est la foi. Aucun bout de papier ne peut faire de l'homme ce qu'il désire être, mais sa résolution et sa détermination l'aideront. À franchir des barrières et à libérer quelqu'un qui est en lui et que seul lui voit. Et cette personne t'attend des Parce que contrairement à ce qu'on voit de toi, sauf si tu n'as aucun rêve, sauf si tu te crois vieux ou vieille, il y a quelqu'un que tu vois en toi. Frère, tu n'es pas seul. Ma sœur, tu n'es pas seule. Les gens te voient là comme si tu n'as pas de rêves. Les gens te voient comme si tu n'as pas d'ambition. Tu n'es pas seule. D'ici quelques années, cette fille-là qu'on voit de toi, Béné, Pélagie, ne serait qu'une vieille qu caracasse oubliée. Mais la nouvelle version de toi est celle qui va conquérir le monde. Soyez des gens qui croient en leurs rêves et en leurs visions. Dans quelques années, cette loge qui ici n'existera plus. Dans quelques années, cette Julie-là, qui à peine se réveille la nuit pour prier, n'existera plus. On verra une femme charismatique, déterminée, bien habillée, professionnellement sapée, qui a cru en ses rêves et qui les a poursuivis. On ne verra pas une petite fille en Philadelphie qui parcourt les magasins chinois pour voir si elle trouver Qui parcourt les magasins chinois pour voir où elle va avoir pied de bœuf. Mais on verra une femme charismatique, chef d'entreprise déterminée, qu'on invite dans les dîners galas. Je parle des dîners galas. c'est possible. Lorsque tu crois Dieu comme qu fait, qu'avec Dieu tout est possible. Tu crées les conditions pour que tout soit possible. Et je sais que tu vois en toi quelqu'un qu'on ne voit pas et tu crois pouvoir le devenir. Ton problème là, tu es distrait. Tu as des dettes de paroles. Ton problème, tu mens. Donc, l'une des choses qui vous fatigue en tant que chrétien, on va prier bientôt, mais laissez-moi vous le dire, vous mentez à longueur des journées. Je n'ai pas insulté enfant de quelqu'un. Je n'ai pas parlé mal à papa de quelqu'un. Toi-même, là, je ne t'ai pas parlé mal. C'est ta vraie nature que je suis en train de décrire. Moi-même, là, je suis un menteur. Tu es une menteuse. On est des menteurs. On est une association de menteurs et de menteuses. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Akassia, toi-même, tu es une menteuse. Mettez-en l'orgueil de côté. Quand tu dis, oh, j'ai fait ça, j'ai dit ça. Quand tu dis des choses que tu ne fais pas, là, on appelle ça comme un mentir. Je <laughs> ne suis pas comme vos pasteurs flatteurs qui se font passer pour des chrétiens chocolat. Non, non, non. Moi, je te dis la vérité. Mon frère, ma soeur. Votre vrai problème là, c'est le mensonge. Tu vas lire Bible, tu n'as pas encore terminé Genèse. Vous mentez seulement, mensonge sur mensonge. Ah oui, cette année, je vais faire ça. Moi-même, je suis très bon dans les mensonges. Combien de fois j'ai annoncé, je vais faire ce livre-là, je vais faire ce livre-là. Heureusement, j'ai sorti d'autres livres, sinon j'allais être le patron des mensonges. Que Dieu me pardonne pour mes mensonges chrétien menteur. <laughs> des gens qui mentent, même des pasteurs qui mentent. Bien aimé, tu ne comprends pas le sens de ce que j'ai dit. Laisse-moi te l'expliquer bien en bon français ivoirien. Dire sans faire, c'est mentir. Annoncer sans faire, c'est mentir. Se promettre sans faire, c'est mentir. Donc voici faire là. <laughs> j'ai dit où? Donc, vous mettez plus de Amen, Alléluia, il n'y a plus tout ça là, il n'y a plus de cœur. Tu m'as encore dit quoi? <laughs> oui. J'ai dit, il oh, n'y a pas de haine. Ma soeur, que de fausses promesses! Vous gagnez quoi dans ça? <laughs> J'ai dit, si tu veux, il ne faut pas commenter, c'est ton problème. Si tu veux, il faut m'envoyer des menaces de Washington. <laughs> c'est la vérité. Oh, on est paresseux. Oh, 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 oh. On dirait, on ne comprend pas que le monde est en train de sombrer. Paresseux, yo mon Dieu. Demain samedi, a, on va venir les ramasser sur leur lit. Pour dire, hé, on, hey, <laughs> on croyait que tu étais malade. Non, <laughs> le sommeil est trop doux. Aïe. Tu les vois comme ça, là, dans la rue, dans la journée, on dirait qu'ils sont sains. Mais vraiment, ça les fatigue. Je vous dis la vérité. Hein? Oh. Tu vois les chrétiens comme ça, on dirait qu'ils sont simples. Ils sont distraits. Chacun a son petit démon. Que lui seul, il connaît le nom. Si elle vous dit tout de suite, l'Antoinette, pour toi, c'est quoi Elle va te dire le nom tout de suite. Elle ne va même pas hésiter. Donc, en tant que père spirituel, je dois toucher les vrais problèmes et les vraies raisons pour lesquelles Dieu ne nous fait plus confiance. <laughs> On n'a pas de problème, on est le problème. Laissons le bon Dieu tranquille. Aïe Donc, il faut toucher le problème et les vraies raisons pour lesquelles Dieu ne nous fait plus confiance. On ment, on ment, on ment, on ment, on ment, on ment, on ment. Et on ment. Oh non. Demain, elle avait la douche. Douche, tu as lavé une semaine après. Oh, après, demain, elle fait placali. Tu es allé faire quoi? Beau c'est la vérité. On ment, on ment, on ment, on ment, on ment. Pasteur, chrétien, <laughs> prophète, tout le monde ment. C'est la vérité. Et puis, on ne se rend pas compte qu'on est des menteurs. Oh, on ment, Dieu. Parfois, même là, tu mets le réveil. Tu dis aujourd'hui, je me réveille à 4h50. <laughs> Et puis, dès que ça sent, tu dis dans tous les cas aujourd'hui, ça s'est midi. Tu mets snooze. Ou bien tu reportes ça à 6 h du matin. Tu as menti. J'ai dit, tu as menti. Tu as dit, tu as te réveillé à 4 h 50. Tu as dit, tu as te réveillé à 22 h pour prier jusqu'à minuit, 1 h du matin. Même si tu as dit, oh, j'ai prié jusqu'à 3 h du matin, tu as coupé. Avant 3 h du matin, tu as menti. C'est la vérité. Est-ce que quelqu'un peut aller sur Internet et puis il me tape, il va, il, il me tape par exemple, Menti définition. Amen. C'est quoi ça? Menti définition. Tu mets menti définition. Voilà. Franchement définition français. Ah. Vous voyez? Donc le mensonge, c'est l'énoncé délibéré d'un fait contraire à la vérité. hé. Fier. <laughs> c'est chaud. Donc mon ami, le mensonge. C'est le contraire de la vérité. On dit, dit quelque chose et puis on fait le contraire. Ça s'appelle mentir. <laughs> ah oui, hein? vraiment que Dieu nous pardonne nos mensonges. Annoncer quelque chose, promettre aux enfants tout ce que tu dis et puis tu fais le contraire, c'est un mensonge. C'est pour ça que vraiment parfois on prie, on prie, on prie, on ne sait pas pourquoi c'est bloqué. Mon ami, c'est une information. <laughs> C'est pas une accusation. <laughs> Alors arrête de te fâcher. OK Aïe Non, on est bon. On ment à Dieu. On ment aux hommes. On se ment. Et on ment, on ment, on ment, on ment. Jusqu'à même Satan même a peur de nous. Aïe On ment seulement. Donc, tu vois, les chrétiens, on se promet, on se promet, on se promet. <laughs> Donc, la signification de mentir, elle eh, donnée donné ça. Quelle est la signification de mentir Dissimuler, déguiser volontairement, nier ou taire ce qu'on devrait dire. Alléluia. Amen. Tu dis les choses, mais elles ne se sont pas pensées ainsi. Ne pas donner le reflet exact de la réalité. C'est ça. Mentir. Mentir, c'est annoncer quelque chose et faire le contraire. Dire quelque chose et faire le contraire. Promettre quelque chose et faire le contraire. S'engager à quelque chose, faire le contraire. Faire le contraire de ce qu'on a dit. Exprimer une fausseté. Non, mon ami, tu te, tu te rends compte combien tu as passé ta vie à mentir. Menti, menti, menti. Tu fais quoi? Non, je ne fais rien. C'est un mensonge. Tu faisais quelque chose. Tu faisais quelque chose. Tu faisais quoi? Rien, mon ami. Tu as menti. C'est tellement facile de mentir de nos jours. Tu parlais avec qui? Personne. C'est un mensonge. Donc, vous comprenez? Et parfois, on se laisse piéger. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare que celui qui parle beaucoup n'est pas de péché. Alors, on vient de débusquer des gros menteurs, des grosses menteuses qui ont passé toute leur vie à faire une bonne carrière, une bonne carrière de menterie. Carrière de mensonge. Tu dis des choses, tu fais le contraire, tu as menti à Dieu, tu promets des choses même à Dieu. À un homme, on peut comprendre. Et là, je ne peux pas te frapper. À Dieu. Tu as pris des engagements, des vœux, des promesses. Qu'est-ce que tu n'étais pas prêt à faire pour le Seigneur? Uh -huh. Tu as menti à des pasteurs. Tu as menti à des églises. Tu as menti à des serviteurs de Dieu. Tu as menti sur la dîme. On ment sur. On oh, m'a, on oh, main, on oh, m'a. Oh Seigneur, je vais entendre quelqu'un dire Seigneur, vide mon cœur du mensonge. Je vais entendre quelqu'un dire Seigneur, vide mon cœur. Que le mensonge quitte mon cœur. Ah oui, hein? on ne se rend même pas compte. Hein? Satan nous piège. Frère, ah, je viens, oh, je vais venir à ton anniversaire. Tu, tu, tu dis que tu vas venir pour te débarrasser de lui. Mais tu ne viens pas, c'est un mensonge. Bien aimé, la parole de Dieu dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Ce n'est pas pour rien, on prie, on prie, on prie. Notre vie n'avance jamais. Je vous dis la vérité. Les dettes des paroles, il faut les détruire. Surtout dans les, dans, les, dans les promesses qu'on se fait oh, j'ai je fait ci, j'ai je fait ça. Bien aimé, tu dois te répentir pour tes dettes des paroles envers ton mari, tes dettes des paroles envers ta femme. On doit se répentir. Mon ami, en tant qu'un garçon, tu sais que tu as menti à ta femme. Ma soeur, en tant qu'une femme, toi aussi tu as menti à ton mari. Parce que tu ne fais pas entièrement ce que tu as promis. Quand tu étais au chômage, là, tu disais à Dieu Seigneur, si moi j'ai un homme, elle le traitait comme un prince. Oh, oh Seigneur. Si tu pouvais me donner une femme, je ne vais plus refaire ce que j'ai fait dans le passé. Je vais plus, je vais devenir gentil. Gentil où? C'est la vérité que je vous dis. Les hommes mentent. <laughs> les femmes mentent. Nous tous sommes ment. Nos engagements, on les respecte jamais. Que Dieu nous accorde sa miséricorde pour tous les mensonges et les menteries. On va commencer par détruire toutes ces dettes de paroles. Merci. Toutes ces dettes de paroles. Tous ces hommes à qui tu as menti là, il faut commencer à te répentir. Professionnel d'un mensonge. Tu as coupé les gars fatigués. Inventer des histoires pour te faire de l'argent. Ce n'est pas ton travail. Inventer des fausses histoires. Tu as même tué tes parents. Ton grand-père était mort. Tu avais besoin d'argent pour aller l'enterrer. Voyez le pauvre vieux père qui est assis là-bas. Que Dieu te pardonne. Dis à Dieu, pardonne-nous pour tous les mensonges qu'on a inventés pour de l'argent. Amen. Ma soeur, c'est de toi, que je parle. Aïe, ah, j'ai parlé de qui Je <laughs> n'ai pas dit non de quelqu'un, c'est de toi, que je parle. J'ai dit, c'est de toi, que je parle. Ah, il faut laisser ça là en partie. Ah, Est-ce qu'elle a dit non de quelqu'un J'ai dit, c'est de toi, que je parle. C'est de toi. Inventer mensonge pour avoir la vie de Noël. Dieu a tout vu. Inventer mensonge. Tous les jours, tu passes seulement que le temps a menti. Que le temps a menti, que le temps a menti. Le temps a menti. Tu as bouffé l'argent d'enfants des gens maintenant. Ils veulent te cuisiner. Tu inventes des maladies menteuses. C'est la vérité. J'ai dit, j'ai insulté l'enfant de qui? Personne. J'ai dit, tu as passé le temps à profiter, à utiliser les hommes là maintenant, ils veulent te cuisiner. Là maintenant, tu es vente des maladies, tu es à Bobo Juma. Tu es un mot de vente. t'est là-bas. Que Dieu te pardonne. Amen. La vie est compliquée. Donc on peut aller en enfer facilement comme ça sans voir dedans. Oh, Jésus est. Pitié pour, un, pitié pour un frère. Non, vos histoires, la pardonner. Laissez-moi tranquille. Amen, amen, amen. C'est bon. Non, la vie, la vie n'est pas compliquée. C'est nous-mêmes, on ne comprend rien. Donc voilà pourquoi il faut demander pardon à Dieu. Ce que j'ai dit là, c'est la vérité, mon ami. Et puis on est à l'église tranquille comme si de rien n'était. On a la chance que Jésus n'est pas venu avant que je prêche ce message là. Mais maman, est-ce que j'ai tort Pardonnez. Je vois qu'il n'y a plus de cœur, ni de Amen. Est-ce que j'ai tort? Si j'ai mal fait, pardonnez-moi. Ok? On a la chance que Jésus n'est pas venu. Oh. Alors, vraiment, je voulais qu'on comprenne que tout ce que nous faisons là, ça ne plaît pas à notre Dieu. Ça ne plaît pas à notre Dieu. <laughs> On était là tranquillement, on attendait le Seigneur. On attendait le Seigneur. Avec tout ce bazar-là. On attendait le Seigneur. On, on, on se croyait sauvé. Oh, sauvé. Parce que tu as confessé que Jésus est Seigneur. Pour rester là, tu vas voir. Alors voilà, nous avons tellement de dettes de parole. Et la liste de, de dettes que j'ai énumérées, vous ne pouvez pas comprendre combien l'ennemi est malin. Frère, il y a des années de cela, permettez-moi de terminer. Amen. Il y a des années de cela, j'avais promis à un ami que j'aimais bien. Je lui ai dit, je vais un jour, si moi j'ai l'argent, je vais acheter une tondeuse pour toi. Tondeuse à cheveux. Frère, dans les années 2003-2005, j'ai promis à ce frère que moi je vais lui acheter une tondeuse. Un jour, j'étais en train de prier le Seigneur, parce que très souvent, il faut avoir le courage de demander à Dieu cela. Y a-t-il quelque chose qui puisse me bloquer? Y a-t-il quelque chose qui puisse me retarder? Y a-t-il quelque chose qui puisse me freiner? Alors le Seigneur va me permettre de me souvenir qu'il y a près de 15 ans de cela. J'ai ouvert la bouche pour promettre à quelqu'un une tondeuse. J'ai commencé à le chercher sur Internet. Quand je l'ai vu, oh Seigneur, merci. J'ai vite fait un virement. Et je lui ai même donné plus que ce que j'ai promis. Parce que ça a duré longtemps. J'ai réglé ça. Ma soeur. Peut-être que tu n'as pas la possibilité de régler certaines choses. Mais s'il te plaît, ne joue pas avec les dettes de sang. Ne joue pas avec la réclamation. Ma soeur, ne joue pas. L'homme peut tout oublier. La femme peut tout oublier. Mais jamais une promesse non accomplie. Si je me trompe, dis-le-moi. L'enfant peut tout oublier. Le fils peut tout oublier. La fille peut tout oublier. Un homme avec qui on a marché. Une femme avec qui on a vécu. Peut tout oublier. Mais jamais. Une promesse non accomplie. Aussi petite que soit-elle, ça reste dans son cœur. Ça ne s'oublie jamais. Voici pourquoi une promesse est une dette. Parce que la personne l'attend peu importe la durée. Qu'est-ce qui témoigne contre toi, ma soeur, Qu'est-ce qui te fatigue Qu'est-ce qu'ils sont allés dénicher pour venir te bloquer Qu'est-ce qu'ils sont allés ramasser pour venir t'accuser Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher chez ton père et chez ta mère Quelle promesse Quel vœu Avec quoi est-ce que tu es allais te bloquer Il y a tellement de femmes et d'hommes imprudents. Mon but n'est pas de venir vous sermonner en direct. Mon but, c'est de vous apprendre comment vous détacher. Mais comme certains points que je touche là, ça touche presque tout le monde, parfois par orgueil, on se fâche. On a l'impression qu'on est en train de nous critiquer. On ne te critique pas, on est en train de te dire la vérité. Vous savez combien les hommes et les femmes sont imprudents. Mes maman, je vous respecte. Mes frères, je vous respecte. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui se sont elles-mêmes vendues, elles-mêmes bloquées en ayant... Déclaré il y a dix ans de cela à un homme qu'en dehors de ça, aucun homme ne connaîtra ma nudité. Pardonnez-moi de le dire, elles sont même allées plus loin. Aucun homme ne naîtra. Tout, tout simplement pour, pour démontrer combien elle était déterminée, pour montrer son dévouement et sa soumission. Elle va aller faire une promesse stupide comme ça. Je me trompe. Voici maintenant. Les hommes viennent, ils ne restent pas. Parce que toi-même, tu t'es condamné à être avec quelqu'un où il n'y avait même pas d'engagement et tu allais te condamner. Si c'est un mari, tu peux lui faire un vœu. Si c'est quelqu'un qui t'a marié, tu peux lui faire un vœu. Mais ce n'était même pas un mari. C'était juste un passager. Tu allais te condamner. Jure-moi que, promets-moi que, je te promets que, je te jure que, je m'engage. C'est un vœu. Et tu dois savoir que ce n'est pas parce que tu invoques Dieu que Dieu te répond. Dieu ne te répond jamais quand tu as des dettes de paroles. C'est la vérité que je vous dis. Dieu ne te répond jamais quand tu as déjà été infidèle dans la parole. Somme 50 dit quoi? Invoque-moi. Accomplis d'abord tes voeux. C'est pas ce que Dieu dit. Offre à l'éternel des sacrifices. Accomplis d'abord tes voeux. Envers le très haut. Invoque-moi par la suite, je te répondrai. Vous avez prié, 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 vous êtes resté bloqué. Si vous saviez que c'est ce qui vous bloquait là, ça allait vous arranger. Vous seriez allé devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je sais que j'ai des dettes envers toi. Je t'ai promis que si tu me donnais ça, j'allais faire ça. Je t'ai promis que si tu me donnais un mariage, j'allais te servir. Je t'ai promis, je t'ai promis, je t'ai promis, je t'ai promis, je t'ai promis. Que si tu m'amenais en, en Europe, j'allais te servir. Je t'ai promis que j'allais te faire ceci. Mais Seigneur, je t'ai menti. Mais cette fois-ci, je vais te demander quelque chose. Mais je m'engage à être sérieux. C'est comme ça on fait. C'est la vérité. C'est comme ça on fait. Tu te détaches et tu pars sur une nouvelle. Et comme tu viens de prendre une résolution, la parole de Dieu dit que comme maintenant tu es résolu, à tes résolutions répondra le succès. Alors je voulais que tu le saches, que tu saches comment Satan s'arrange pour bloquer les gens. Maintenant tu as bien compris et tu sais comment ça se passe. Alors, je voudrais te faire passer un élément quelques secondes avant qu'on ne continue. Amen.

Voilà, bien aimé, nous sommes de retour. Donc, voilà, on était en train de terminer le message sur les dettes du sang. Et je vous ai donné beaucoup de conseils par rapport à la vie réelle, les choix qu'il faut faire. Et je vous ai aussi dit que parfois, nous n'avons pas de problème. Nous sommes le problème. Maintenant, nous allons prier. Mais j'aimerais parler un temps soit peu euh, de. Les dettes de sang, les dettes de sang, il en existe beaucoup. Les dettes de paroles, je, je me suis beaucoup attardé sur les dettes de paroles. Les dettes de paroles. Emoore, le livre est déjà déjà sorti, donc euh, laisse-moi enseigner d'abord les dettes de paroles. Je vous ai dit qu'on allait continuer le problème, le programme. Mais aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer les dettes des paroles. Leurs conséquences sont parfois dramatiques. Tellement dramatiques que Dieu dit que si tu donnes ta parole à quelqu'un, il faut aller reprendre cette parole. Ma sœur, tu as donné ta parole à qui? Tu as donné ta parole à qui? Il y, a, il y a 13 ans. Il faut détruire tes dettes. C'est vrai, certains disent non, la personne est décédée, la personne n'est plus là, la personne n'est plus ceci. Mais répands-toi devant Dieu. Dis-le, Seigneur, je suis désolé. Tu as commencé plein de choses, tu as annoncé plein, plein, plein que tu n'as jamais eu l'occasion d'accomplir. Fais un nettoyage, sois honnête avec toi. C'est pour ça que vous allez remarquer que même si vous demandez à ma femme, elle vous le dira. Je ne joue plus avec ma parole. Je ne joue plus avec ma parole. Ça peut arriver que je me trompe, mais je ne joue plus avec ma parole. Voici pourquoi je ne donne plus ma parole facilement. Je ne veux pas faire comme ceux-là qui promettent dans le désordre pour vous faire plaisir. Non. Ne promets plus pour faire plaisir à quelqu'un. Tu vas t'endetter. Et beaucoup de pasteurs font ça. Quand tu les appelles, oh ma fille, non, 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 ne te pas, que prier pour toi, bien-aimé. Tu mens. Tu mens. À peine tu raccroches, quelqu'un d'autre t'appelle, on te parle d'autre chose. Ça sort de ta tête. Il y a des servants de Dieu qui ont déjà menti comme ça. Et des serviteurs de Dieu qui ont déjà menti comme ça. Mais ils ne considèrent pas ça comme étant un mensonge. On ment. Tu vas demander à Dieu de te délivrer des dettes des paroles. Tu vas lui dire Seigneur, pour tout ce que j'ai promis de faire, promis aux gens que je n'ai jamais honoré, je me repens. Je me repens pour mes paroles. Je me repens pour les promesses non accomplies. Tu vas dire à Dieu, je me repens pour tout le mal que j'ai fait. Amen. Demande à Dieu pardon. Dis-lui Seigneur, je me repens. Dis-lui Seigneur, vraiment, je me repens pour le mal que j'ai fait. Je me repens pour le mal que j'ai dit. Je me repens pour tout le mal. Tout le mal, tout le mal que j'ai fait. Dis-lui Seigneur, si j'ai une dette de parole envers un homme, une femme dans le passé, un enfant, euh, je ne sais qui, je demande pardon. Même pour vos enfants, vous devez demander pardon. Combien de parents passent le temps à mentir à leurs enfants pour les calmer Mentir. Oh non, si tu fais ça, je vais t'acheter un vélo. Oh non, si tu restes tranquille, maman va t'envoyer ci, papa va t'envoyer ça. Vous mentez, mentez et mentez. Parce que vous croyez que parce que ce sont vos enfants, ce n'est pas des mensonges, mais vous avez menti. Tu as dit quelque chose que tu n'as pas fait, c'était un mensonge. Combien ont menti dans les relations? Menti. Menti sur le nombre de copains que tu as eu avant lui. Il t'a posé la question de savoir. Ah, mais t'as là. Hey, t'as là, c'est quoi? T'as connu combien de gars avant moi? Tu dis non, tu es le deuxième. Tu vas diminuer le nombre. Une vie de mensonges. Et puis, c'est dans les conversations que par hasard, il y a un nouveau qui sort. Les pirates informatiques, Satan va te rappeler tous les noms que tu as oubliés là. C'est bien, allons seulement. Ah non, nous sommes dans un monde dangereux. Alors tu vas demander à Dieu pardon. Il n'y a pas de what ici. Tu vas dire à Dieu, I'm sorry. Uh -huh. I'm sorry, c'est bon. <laughs> Jésus, Jésus est Seigneur. En tout cas, hein, soyez bénis les frères et sœurs. Tu vas dire à Dieu que tu demandes pardon. Tu vas lui dire, Seigneur, je suis désolé pour le passé, pour les paroles. Amen. Et puis, Fanny, tu as vu dedans, non? C'est ça qui est la vérité. Alors seulement, c'est ça qui est la vérité. C'est tout, tranquille, Marie Faustine a compris. Tu vas demander à Dieu pardon. Tu vas détruire toutes tes dettes. Tu vas lui dire, Seigneur, je ne savais pas. Je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas. Je ne savais pas et je te demande pardon. Tu vas lui dire, Seigneur, je suis désolé pour tous les petits mensonges qu'on raconte matin, midi, soir. Non, Natacha, il faut bien prier. C'est ça qui est la vérité. Tu sais que j'ai dit la vérité. En tout cas, tu vas dire à Dieu, je suis désolé. Heureusement, Jésus n'est pas venu. Sans quoi nous tous on serait allés en enfer. Tu vas lui dire, Seigneur, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Pour les erreurs d'enfance, de jeunesse, les, les choses. Seigneur, je suis désolé. Pour tout le mal que je me suis fait. Seigneur, je suis vraiment désolé. Woo! Merci Seigneur. Pour tout, Père, nous te demandons pardon. Vraiment, nous voulons être honnêtes. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons faire ta volonté. Au nom de Jésus, je suis désolé. Seigneur, pardonne-nous. L'impatience, nos comportements envers toi. Seigneur, nous avons fait des promesses que nous n'avons jamais respectées, des vœux, des décisions, des engagements. Père, nous te demandons pardon, même dans les, dans, les, dans, les, dans les collaborations, nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon, même pour ceux qui sont allés signer des contrats dans des entreprises, ont promis d'être toujours à l'œil ponctuel, mais qui sont toujours en retard. Seigneur, nous demandons pardon. Bien, mais tu vas lever la voix et tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, je suis vraiment désolé. Dis-lui Seigneur, je suis désolé pour tout le mal que je me suis fait. Dis-lui Seigneur, je suis désolé pour cela. Dis-lui, je suis désolé pour tout, 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 tout. Oui Seigneur, pour les dettes. Bien aimé, même si tu as habité une maison, une maison, tu n'as pas pu payer et puis on t'a viré. Il faut demander pardon à Dieu. Dis-lui Seigneur, pour toutes ces maisons dans lesquelles j'ai quitté desquels je suis quitté avec des dettes. Seigneur, je me répands. Je me répands pour toutes ces dettes. Je me répands pour toutes ces maisons, avec les dettes, pour toutes, euh, toutes ces choses, avec les dettes. Seigneur, je me répands. Dis-lui, Seigneur, je me répands. Ma soeur, même si tu allais prendre l'argent avec un gars, et puis au moment où il voulait te manger, tu t'es sauvé là. Il faut demander pardon à Dieu, c'est une dette. Tu as bien fait de te sauver, mais tu as, tu as mal fait de manger son argent. Tu as bien fait de te sauver, mais tu as mal fait de manger son argent. Tu te crois maligne, mais Satan t'attend au tournant. <laughs> Donc, bon va Amen. Les coupeuses, là. Les, les, les coupeuses de route. Demande pardon à Dieu. Il faut lui dire Seigneur, je suis désolé. I'm very sorry. Voilà. Il faut laisser ton anglais américain, là. Il faut lui dire seulement que je suis sorry, c'est tout. Dis-lui Seigneur je suis désolé. Dis-lui je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Dis-lui je suis désolé d'avoir menti aux enfants des gens. Hum. Seigneur, je suis désolé. Je suis désolé. Demande pardon à Dieu, dis-lui Seigneur, je suis vraiment désolé pour ce mode de vie là que j'ai mené là. Je suis désolé. <laughs> ça c'est une vie de bandit ça Les femmes bandites là Répentez-vous Mais maman je vous respecte beaucoup Mais laissez-moi parler à vos filles là Des femmes très bandites Très 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 bandites Demande pardon à Dieu Dis-lui Seigneur je suis désolé vraiment D'être une femme bandite C'est ça des doubleuses Voilà Dis-lui Seigneur je suis désolé Je suis une doubleuse Une menteuse Je me répands pour tout Dis-lui, mon frère, Seigneur, je suis un menteur. Je te demande pardon. Voilà. Je te demande pardon. Les marmailleurs, là. Demande pardon à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis vraiment désolé pour la marmaille. Dis-lui, Seigneur, je suis désolé pour cette vie des mensonges. Voilà. Pour cette vie-là. Alléluia. Demande pardon à ton Dieu. Dis-lui, je suis désolé, Seigneur. Je suis désolé pour tout ce qu'on a dit, qu'on n'a pas fait, pour tout le mal qu'on s'est fait. On te demande pardon. Amen. Voilà. En tout cas, si tu veux, tu peux dire le nom du monsieur. Hein. Tu peux dire, je demande pardon à Richard. Seigneur, même si je ne l'ai pas vu, Richard, je te demande pardon. Faut lui dire quoi Faut lui dire non, Richard. Moi, je te demande pardon parce que. Vraiment, on s'est fait beaucoup de promesses, mais je n'ai jamais honoré les miennes. Les miennes, quoi. Il faut lui demander pardon. Sois gentil. Demande pardon. Il y a pas de mamamia ici, on est foutu. Tu n'es pas foutu, il faut te répentir. Donc, c'est la vérité que je vous dis. Vous savez, il y a des petites choses qu'on ne remarque pas. Comme la parole de Dieu le dit là, euh, le peuple est, est détruit parce qu'il manque de connaissances. Il y a des filles là qui étaient des coupeuses de route. Je vous dis la vérité, vous savez, une femme coupeuse de route, c'est celle-là qui voit qu'un homme arrive, elle va changer sa démarche pour l'arrêter, pour, pour attirer son attention, pour capter son attention. Là, il va s'arrêter pour demander son numéro. Tu as fait tellement de choses dans la vie, tu dois demander à Dieu pardon. Il faut lui dire, Seigneur, lave-moi. Tu vas demander à Dieu de te laver de son sang. Tu vas demander à Jésus de te purifier. Dis-le Seigneur, j'ai vraiment besoin d'être purifié. J'ai besoin d'être sanctifié. Dis-le Seigneur, décharge-moi du fardeau de ma vie passée. Dis-le Seigneur, décharge-moi du fardeau de ma vie passée. Dis-le Seigneur, lave-moi, purifie-moi et nettoie-moi. Restaure-moi et nettoie-moi au nom de Jésus. Dis-lui Seigneur, j'ai besoin d'être lavé, j'ai besoin d'être sanctifié, j'ai besoin d'être purifié, j'ai besoin d'être restauré, j'ai besoin d'être sanctifié. Dis-lui Seigneur, lave-moi et nettoie-moi. Lave-moi et nettoie-moi. Lave-moi et restaure-moi. Seigneur, lave ma bouche, mes ma mains, mon corps, mon âme, mon esprit. Seigneur, purifie ma vie, purifie mes enfants, purifie-moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai, que tu veux demander à Dieu de te délivrer des dettes du sang. Mais n'oublie pas, désormais, sois toi-même. Sois toi-même. Tu vas demander à Dieu de t'aider. Tu vas lui dire que tout ce qui était détruit dans ta vie, à cause de ce mode de vie-là, qui les restaure. Tu vas dire à Dieu Seigneur, tout ce que moi-même j'ai détruit à cause de mon mode de vie, la paresse, la procrastination, la négligence, la lourdeur, que toutes ces choses soient restaurées aujourd'hui dans le nom de Jésus. Seigneur. Tout ce que nous avions détruit à cause de la paresse, à cause de la lourdeur, à cause de la négligence, à cause de la procrastination, Seigneur, que ces choses soient restaurées aujourd'hui. Que ces choses soient rétablies aujourd'hui. Que ces choses soient restaurées aujourd'hui. Que ces choses soient réparées aujourd'hui. Seigneur, que tout ce que l'ennemi a détruit, tout ce que nous avions détruit à cause de notre mode de vie soit restauré et rétabli au nom puissant de Jésus. Que tout soit restauré au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous de toutes les conséquences liées aux alliances de sang. Seigneur, délivre-nous au nom de Jésus. Dis-lui de te délivrer. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'être délivré des conséquences liées aux alliances de sang, des conséquences liées au pacte de sang. Des conséquences liées aux choses que nous avions faites. Seigneur, délivre-nous au nom puissant de Jésus. dis le Seigneur, nous avons besoin d'être délivrés. Nous avons besoin d'être délivrés des conséquences liées aux choses que nous avions faites. Seigneur, délivre-nous au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, nous avons besoin d'être délivrés. Nous avons besoin d'être restaurés. Nous avons besoin d'être rétablis. Nous avons besoin d'être restaurés. Nous avons besoin d'être rétablis. Seigneur, délivre, délivre, délivre-moi. Seigneur, délivre ma maison. Seigneur, délivre mes frères. Seigneur, délivre mes sœurs. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Oh oui, Seigneur, j'ai détruit les dettes de sang. J'ai détruit toute dette de sang. J'ai détruit maintenant toutes dettes de paroles. Qui me freine? Qui me combat? Qui me freine? Qui me retarde? J'ai détruit les dettes de paroles, les dettes, les vœux, les choses venant de ma famille maternelle, venant de mes frères, venant de mes soeurs, venant de mes tantes, venant de mes cousins, de mes cousines. Je brise et je détruis tout ce qu'ils ont fait. Je brise au nom puissant de Jésus. Je détruis tout ce que l'ennemi a sémé dans ma vie. Toute dette dans ma vie soit brisée. La dette soit brisée. La dette soit révoquée. La dette soit détruite. La dette soit brisée. La dette soit révoquée. La dette soit détruite. La dette. La dette. La dette. La dette. La dette. La dette. Que la dette soit brisée au nom puissant de Jésus. Je brise maintenant toute dette. Toute dette qui m'a été attribuée, toute dette spirituelle qui m'a été attribuée, toute dette maléfique qui m'a été attribuée, je brise la dette, je brise la dette, je brise la dette, je brise la dette, dette au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, toute dette des paroles d'enfance soit brisée. Je brise les liens qui me lient aux amis d'enfance. Je brise les veuilles, je brise les paroles qui me lient à n'importe qui. Je brise les paroles, les voeux, les voeux, les serments, les promesses d'enfance. Je brise, je brise, je brise les voeux. Les serments, les promesses, les vœux, les serments et les promesses d'enfance. Je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les détruis par le sang de Jésus, par le sang du Seigneur, par le sang de Jésus, par le sang du Seigneur. Je détruis maintenant les conséquences des vœux, des promesses, des engagements du passé, des engagements d'enfance, des engagements, je les, détruis, je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les détruis, toutes les promesses. Toutes les promesses d'enfance, toutes les promesses négatives qui me freinent, qui me freinent, je les détruis, 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 je brise les œuvres de l'ennemi, 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 je, je détruis toute dette qui m'est au passé. Je brise la dette de mon père, la dette de ma mère, la dette de mes frères, la dette de mes ancêtres, la dette de mes aïeux. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise la dette, la dette, la dette, la dette, la dette ancestrale. Soit brisée au nom puissant de Jésus. Je brisais, je détruis maintenant la dette ancestrale. Toute dette sur laquelle l'ennemi se basait soit brisée. Toute dette sur laquelle l'ennemi s'appuyait soit brisée. Que toute dette sur laquelle mes ennemis s'appuyaient soit brisée. Je brise la dette, la dette, la dette de sang, la dette d'argent, la dette du passé. Je brise, je brise, je brise la dette au nom de Jésus. Que la dette soit brisée, que la dette soit brisée. Que la dette de sang, que la dette de sang, que la dette, la dette, la dette, la dette, la dette de sang, de sang des béliers, 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 de sang des béliers soit brisée, soit brisée, soit brisée la dette de sang, la dette de sang, la dette de sang, la dette de sang, la dette de sang soit brisée, soit brisée je brise la dette de sang, je brise la dette de sang, je brise la dette de sang toute dette de sang que ma mère, que mon père avait contracté, je brise les dettes, les dettes qui me suivent depuis des années. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, brise la dette du sang. Et je chasse tout esprit qui s'est incarné à moi, tout démon, tout esprit, tout démon, tout esprit, tout démon, tout esprit qui s'est incarné à moi, en dehors de l'esprit de Dieu. Je te le donne. Sors maintenant au nom de Jésus. Tu n'as plus de raison d'être là. 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 Je brise la dette par le sang de Jésus. Je brise la dette par le sang de Jésus. Je brise la dette par le sang de Jésus. Je brise la dette par le sang de Jésus. Je brise la dette par le sang de Jésus. Je brise la dette. Je brise la dette. Je brise la dette. Je brise la dette. Je brise la parole. Je brise la dette. Je brise la parole. Je brise la dette. 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 Je brise Je brise Je brise Je brise et brise. Au nom puissant de Jésus. Que toute dette qui me suit depuis des années soit brisée. Je brise au nom puissant de Jésus. Que la dette soit brisée. 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 Que la dette soit brisée, que la dette soit brisée. Je brise la dette, je brise la dette, je brise la dette, je brise les dettes des paroles, les dettes, les dettes, les dettes, les dettes, les dettes envers les hommes, envers les femmes, envers les frères, envers les soeurs, envers les connaissances. Je brise toute dette des paroles, toute dette de vue, toute dette des mariages, toute dette du passé, je te casse, je te détruis, je t'annule. Je te supprime, je brise le pouvoir des dettes, 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 les dettes, les dettes. Je les détruis, je détruis les dettes, je détruis les vœux de l'ennemi, je, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis les conséquences des dettes par le sang de Jésus. Je les détruis, je les détruis, je les annule, je les supprime, je les casse, je les brise, je les, brise, je les broie, je les détruis. Le pouvoir, le pouvoir de ces choses, je les détruis au nom de Jésus. Je brise le pouvoir des dettes, je brise le pouvoir des vues, je brise le pouvoir des paroles, les paroles, les dettes des paroles, les dettes des mariages, les dettes d'argent, les dettes les détruis. je les détruis, 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 toutes les dettes, toutes les dettes qui me suivent, qui me suivent, qui me suivent, je les détruis. Je les détruis, je les détruis, je les détruis, les dettes des paroles, les dettes avec les hommes et les femmes, avec les hommes et les femmes, avec les hommes et les femmes, les dettes d'amitié, je brise, je brise les dettes, les dettes, les dettes d'amitié, les dettes d'amitié, les dettes d'amitié, je les détruis, je les brise, je les casse, je les supprime, je les détruis, je les brise, je les casse, je les supprime, je les détruis, je les brise, je les casse, je les détruis, je détruis toute dette qui me suit. Toute dette liée au nom que je porte soit brisée. Je brise toute dette, je brise toute dette, je brise toute dette, je brise toute dette, liée au nom que je porte, je brise, je brise, je brise, je brise, toute dette de sang, toute dette de sang, toute dette de sang, toute dette de sang, liée au nom que je porte, 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 je brise la dette de sang, la dette de sang, la dette descend, la dette descend. la dette de sang. La dette descend, la dette des sangs, la dette des sangs, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. brisée. J'ai détruit le pouvoir de la dette de sang. des sangs, toute dette descend, toute dette des sangs, au nom de mon père, au nom de ma mère, toute dette des sang. -toute -tout sangs établie par mon père, par ma mère, toute dette de sang établie, 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 soit brisée, soit brisée, j'ai détruit la dette de sang, la dette descend, la dette de des sangs, la dette des sangs, la dette des sangs, la dette des sangs. La dette de sang, la dette de nom, la dette de parole, la dette, la dette ancestrale, j'ai détruit, j'ai détruit, la dette, j'ai détruit. J'ai détruit toute dette avec mes parents, mes aïeux. Je brise toute dette d'adultère dans ma famille. Toute dette d'adultère, 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 soit brisée, soit brisée, soit brisée. J'ai détruit la dette, j'ai détruit la dette, j'ai détruit la dette d'adultère, la dette des travailleurs, la dette des choses du passé. Je les détruis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas profiter de ces derniers instants de la prière. Tu traînes quoi avec toi Ça fait des années, tu marches, tu n'avances pas. Des années, tu te débats. Pendant des années, tu as bougé, 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 bougé. Tu t'es remué, 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 remué. Pour te rendre compte qu'après tous tes efforts, tu es au même endroit. Il faut que Dieu arrête ta souffrance. C'est la vérité. Jésus a dit: mmh. venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Mais quand vous arrivez devant de Jésus, vous ne lui dites pas de vous décharger. Non. Tu as besoin d'être déchargé. Dis-lui Seigneur décharge-moi, décharge-moi et détache-moi. Seigneur, décharge-moi, détache-moi, décharge-moi et détache-moi. Dis-lui Seigneur, arrête ma souffrance au nom de Jésus. Seigneur, décharge-moi et détache-moi. J'ai besoin d'être déchargé et détaché, déchargé et détaché. Je brise tous les liens que l'ennemi a utilisé pour m'attacher. Je brise les liens, je brise les cordes. Je brise les chaînes, je brise les liens, je brise les cordes, je brise les chaînes. Oui Seigneur, je brise, je brise. Oh oui Seigneur, que toute dette soit ré 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 révoquée, que ma dette soit détruite, que toute dette soit brisée, que toute dette soit détruite, que toute dette, que toute dette de parole, toute dette soit détruite, que toute dette, que toute dette, que, que l'ennemi m'a collée, soit brisée au nom puissant de Jésus. Je brise toute dette qui m'a été collée. Et j'annule le pouvoir des alliances de sang, le pouvoir des dettes de sang. Si mon père, ma mère avaient contracté une dette de sang, je brise la dette de sang. Je brise le pouvoir de la dette de sang. Je brise le pouvoir. Je brise le pouvoir. Je brise le pouvoir de la dette de sang, de la dette de sang, de la dette des chairs humaines. Je brise le pouvoir de la dette, de la dette de la dette, je brise le pouvoir de la chair humaine, de la chair humaine dans ma famille, des dettes de chair. Je brise le pouvoir des dettes de chair, 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 des dettes de sang. Je brise, 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 je brise et je prophétise que toute personne qui veut me sacrifier pour payer une dette de sang, pour payer une dette de chair, pour payer une dette d'âme, n'y arrivera pas, n'y arrivera pas, n'y arrivera pas. N'y arrivera pas. N'y arrivera pas. N'y arrivera pas. Au nom de Jésus. 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 J'ai détruit maintenant les dettes de sang, les dettes de paroles, les dettes de sang. Oui Seigneur, j'ai détruit les liens de sang depuis ma naissance. Les liens de sang depuis ma naissance. Les liens de sang depuis mon existence, les liens de sang, depuis ma naissance, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit les liens de sang, les liens de sang, d'envoûtement, de travail, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit les liens, les liens, les alliances, les adorations, les liens, les liens, les alliances. Les adorations, j'ai détruit les dettes qui ont été contractées chez des féticheurs, chez des marabouts, chez des charlatans, chez des féticheurs, chez des marabouts, chez des charlatans. J'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit la dette, j'ai détruit les liens, j'ai détruit les liens, j'ai détruit la dette, j'ai détruit la dette, j'ai détruit la dette, la dette, avec les marabouts, avec des charlatans, avec des pouvoirs sataniques. J'ai détruit la dette au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, analyse-toi, tu vas voir. Tu vas sentir que tu as comme l'impression qu'il y a un poids qui est en train de te quitter. Analyse, tu vas voir. Tu as l'impression qu'il y a un poids, un poids qui est en train de te quitter. Ton surpoids spirituel c'est en train de te quitter. Sauf si tu n'as pas prié sérieusement. Frère, beaucoup de gens traînent des dettes avec eux. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et comme je l'ai dit, ce programme-là se fera en deuxième partie. C'est en avançant que vous allez comprendre qu'effectivement, il y a des dettes. Avant là, les gens allaient sacrifier des poulets aux rivières. Mais ils ont arrêté sans prendre des précautions. Avant là, les gens allaient adorer les bois et leur sacrifier du sang. Avant, les gens allaient sacrifier des choses aux esprits, aux esprits avec lesquels ils avaient conclu une entente. Et parfois, vous êtes venu voir votre grand-mère. Grand-mère, il faut jeter ton fétiche là. Grand-père, il faut jeter ton fétiche. C'est juste le symbole de la présence du fétiche qui a été jeté. Mais les ententes qui ont été conclues sont, sont restées intactes. Parce que tout le monde n'a pas la connaissance. Pour se départir de ces choses. Si tu avais la connaissance, au moins tu allais dire, grand-père, avant que tu fasses ça là, tu lui as dit, quand tu adorais ce fétiche là, quelles sont les paroles que tu lui annonçais Tu l'adorais là, quelles sont les promesses que tu lui as faites Est-ce que tu lui as dit que tu lui donnais tous tes descendants à l'être ses serviteurs C'est là que tu dois dire à grand-père, Ok, tu jettes le fétiche aujourd'hui, mais avant de jeter le fétiche, tu dois annoncer au fétiche. Je t'avais dit que tous mes descendants seraient tes serviteurs. Mais aujourd'hui, je te cette parole. Notre contrat est rompu. Mes descendants ne seront plus tes serviteurs. Mes descendants ne sont plus confiés. Mes descendants ne sont plus sous ta protection. Car ils sont désormais sous la protection de Jésus. Tu vas détruire toute dette envers les morts. Tu vas détruire toute dette envers les esprits. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous détruisons toute dette avec envers les esprits. Je brise les alliances et les dettes envers les esprits. Je brise les alliances et les dettes envers les esprits. Je détruis maintenant les alliances. Je brise les dettes de sang, je brise les dettes de nourriture, je brise toute dette qui me suit, toute dette qui me suit, je, je te brise, je te brise, je te brise, je détruis les dettes au nom puissant de Jésus. Je détruis maintenant toutes dettes, les dettes de sang, les dettes d'alliance, les dettes du passé, les dettes des paroles, toutes dettes de sang ayant été contractées par mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes tantes. Je te brise au nom puissant de Jésus. Je brise les dettes de sang. Je brise tous les pouvoirs. Je brise les dettes de sang, les dettes de paroles, les dettes de vœux, les dettes de nourriture. Soyez brisés au nom puissant de Jésus. Je brise le pouvoir des dettes de sang. Je brise le pouvoir des dettes sataniques. Je brise le pouvoir des dettes. Je brise au nom de Jésus. Je brise le pouvoir des dettes je brise le pouvoir des dettes. Je brise le pouvoir des dettes envers les, les envers les hommes et les femmes. 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 Je détruis les dettes. Je détruis les dettes. Je détruis les dettes. Je détruis les dettes. Je brise, je brise, je brise, je brise. Tout le mal qu que l'ennemi m'a fait soit brisé au nom de Jésus. J'annule toute dette du de sang. Je révoque toute dette du de sang. Je détruis le, le, euh, toute dette de sang. Tout dossier que le MIA m'a montré contre moi soit détruit. J'ai détruit tout dossier mystique. J'ai détruit tout dossier mystique. J'ai détruit tout dossier. J'ai J'ai détruit. 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 Je brise les dettes, le voile, les choses que les a mis sur ma vie. Je les détruis, 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 je les détruis. Les chaînes, les cordes, les liens, les choses, les chaînes, les cordes, les liens, les choses, les chaînes, les cordes, je les détruis, je détruis toute dette qui me retient dans le passé. Toute dette d'adultère dans ta famille soit brisée. Toute dette d'adultère, toute dette de trahison, toute dette d'infidélité dans ta famille soit révoquée et ne t'arrivera pas. Je détruis maintenant toute dette. Je détruis maintenant toute dette. Je détruis maintenant toute dette satanique existant dans ma famille à cause de mes aïeux, à cause de mes ancêtres. À cause de mes parents, à cause de mes frères et sœurs, à cause de mes homonymes, à cause, à cause, j'ai détruit cette dette. J'ai détruit cette dette, toute dette, toute dette de sang, toute dette d'adoration, toute dette envers les rivières. Je les détruis au nom puissant de Jésus. J'ai détruit toute dette envers les rivières. J'ai détruit toute dette envers les fleuves. J'ai détruit toute dette de sang envers les montagnes, envers les d'eau j'ai détruit toute dette tractée par mes ancêtres. J'ai détruit toute dette envers les esprits. Je brise j'ai détruit. toute dette maintenant, toute dette de sang, toute dette de famille, toute dette de sang, de sang, de sang, de sang. J'ai détruit le pouvoir des dettes de paroles. Oui Seigneur, toute dette de paroles soit brisée, toute dette de paroles soit révoquée, je révoque les dettes, les dettes, les, les vœux, les serments, les choses que le lien a fait, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit, j'ai détruit les dettes, j'ai détruit les choses, j'ai détruit tout ce que le lien a introduit dans ma vie, j'ai brisé, j'ai détruit au nom puissant de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit la dette des paroles, la dette d'adoration, la dette des eaux, les dettes, les dettes qui plâment sur ma vie. J'ai brisé, j'ai détruit. Toute dette, toute dette qui me lie à l'ennemi, toute dette qui me lie aux œuvres de l'ennemi, toute dette qui me retarde, toute dette qui me bloque, que toute dette soit révoquée au nom de Jésus. Je brise et je détruis le pouvoir des œuvres de l'ennemi. Je brise et je détruis, 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 je brise, je brise, je brise, je brise. Je brise, 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 au nom de Jésus. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, toutes les dettes, toutes les choses qui me retardaient, qui me fatiguaient, qui me retardaient, je les détruis, 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 les chaînes, les cordes, les liens, les choses, les chaînes, les cordes, les liens, je les détruis. Je les détruis, je les détruis, je les détruis. Les cordes, les cordes attachées à mon cou, à mon corps, à mon âme, à mon esprit, soient brisées, 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 soient brisées. Sois brisé, soit brisé, soit brisé, 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 brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. On va s'arrêter là aujourd'hui pour continuer demain ou après-demain. On va s'arrêter là. Aujourd'hui, on a parlé des dettes de sang. On a commencé par les dettes des paroles. Quand nous allons continuer, nous allons aller dans les détails. Il y a beaucoup de prières. Si je veux vraiment qu'on les fasse maintenant, on ne pourra jamais finir. Mais Dieu merci. J'espère que tu as pris des décisions et que désormais les dettes sont révoquées. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pour ce moment que tu nous as confié, pour tout ce que tu es en train de faire pour nous, lave-nous de nos péchés et ramène-nous à toi. Ramène-nous à toi. Seigneur, nous te louons, te magnifions, t'exaltons et te célébrons, te glorifions pour tout. Sois élevé au-dessus de tous les dieux, sois magnifié, sois célébré, sois glorifié. Merci Seigneur pour tout. Merci Éternel. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour tes enfants et pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimé, nous avons terminé. Voilà, ça fait, bien, ça fait déjà cinq heures de temps que je suis là. Et je te remercie d'avoir participé. Sois béni. Voilà, nous venons de commencer euh, la prière pour briser les dettes de sang. Ce programme se fera soit en euh, deux jours et je reviendrai. Alors, il y a tellement de choses à briser. C'est parce que je ne veux pas rester trop longtemps. Il y a des dettes d'adoration, des dettes, des colères masquées, la vengeance masquée, les esprits. Territoriaux, les dettes envers les amis, les dettes inconscientes, les dettes envers les tribus, les dettes envers les parents, les dettes, en tout cas, il y en a plein, plein, plein et plein. Voilà, je, veux, je voulais vous donner le privilège de l'occasion de prier et nous avons déjà terminé. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Voilà, il y avait des gens qui demandaient par rapport aux livres, ils vont faire comment pour acheter ou bien ils vont tout simplement rentrer chez eux. Bien aimés voilà, euh, nous sommes là après le programme. Je vous accorde encore 30 minutes à ceux qui veulent acheter des livres ou soutenir notre ministère. Voilà, et si quelqu'un dit qu'il a encore besoin de prières, je t'invite à te connecter demain ou après demain. Nous allons prier encore et nous allons continuer la délivrance des dettes de sang. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez vraiment bénis, j'ai été beaucoup touché. Ce programme a été une bénédiction pour nous tous et nous allons y revenir. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Bien-aimés, élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, merci pour tout. Accompagne-nous dans tout ce que nous allons faire. Seigneur, donne-nous la victoire, donne-nous la force, donne-nous l'intelligence, donne-nous la discipline afin que nous puissions vaincre nos ennemis. Seigneur, agis, agis, agis et conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, ça a été pour moi un grand plaisir de partager ce moment avec vous et j'espère que ça en a été de même pour vous parce que c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant qu'on comprend qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi il y, avait, il y avait autant de blocages, de liens et autres. Et j'espère que vous avez été bénis par ce programme. En tout cas, bien aimé, aujourd'hui, j'ai eu tellement de soucis techniques. Si je vous le disais, j'ai dû brancher à tout des rôles, jusqu'à trois appareils. Voici pourquoi le programme avait été mis en ligne et supprimé. Soyez bénis et on se dit à demain ou après-demain. Portez-vous bien.